Vous vous rendez compte de la dinguerie que vous avez fait? Oh les gars, regardez, bonne nouvelle. Quoi? J'avais récupéré l'argent, what the fuck? Ah non, regardez. Regardez, regardez. En fait, ils m'ont expliqué. Voilà. Il y avait bien un bug. En fait, il y avait deux coffres l'un sur l'autre. Et donc, ça. On avait un coffre vide qui popait de temps en temps par-dessus le coffre rempli. Donc, j'ai bien récupéré mon argent, les gars. Oh, j'ai eu un coup de chaud. J'ai eu un coup de chaud. C'est Dahlia la bichette qui me l'a rendu. Putain, qu'est-ce que je l'aime, Dahlia. Dites-lui, les gars. Dites-lui que je l'aime, cette petite Dahlia. C'est vraiment. Vous savez qu'on parlait des pichons. Je me suis fait pirater mon tel hier, mais what the frank? Elle est pas là? Jason. Jason, c'est des chinois. Maman, on a vu ça sur la route, je crois, ça parle de toi. Qui a fait ça? Qui a fait ça, wesh? Après, ouais, ça m'arrive de sucer des potes, mais pour les aider, quoi. Juste pour dépanner, les gars. On a tous déjà sucé un pote, non? C'est le Andrew? Non? Je suis le seul? Ok. J'aimerais bien sucer une teub quand même avant de mourir. Oubliez ce que j'ai dit. Pas vous qu'on cherche. Oui mon pape, comment tu vas? Oui mon fils, non ça va pas, on est toujours à la recherche du Brandon. Ok, je peux vous rejoindre ou pas? Toi j'ai une mission là, je vais te déposer un de tes frères là. Et tu vois, attends, bah, je vais t'expliquer, j'arrive au camp. Je prends mon fils. Oui. Oubliez, je suis fatigué. Faut occuper de fou là. C'est un service, je demande un petit paiement. J'espère que t'es auto-entrepreneur. Mais elle est pas là. Attends, elle est là ou pas? Ah non, elle est pas là. Johnny, il est pas là non plus alors. Vous voulez un whisky? Le Johnny, il est pas là. Ah, le Brandon. Vous voulez pas un whisky d'abord? Merci mon bébé Pratou. Le brasseur, comment il va? Comment que c'est qui va le Brandon? Bah, je suis là. Ferme ta gueule! Non, toujours pas. Dis-moi! Toujours pas, toujours pas. Ça se tient à ce bon Brandon! Ça va, mon petit oui. Papa? Attends, je te fais un petit Écoutez-moi là, bisou. les trois zigotos là, pétard, mais aussi ici. Vous êtes mes trois petits-fils. Oui. Vous avez élevé depuis que vous êtes bébé. Avec un parapluie au C'est grâce à moi que vous êtes né. C'est grâce à moi que vous êtes né que vous existez. Ah oui, t'es notre père. Et il y a quelqu'un qui veut faire Bah oui, c'est vrai, pleurer c'est notre maman. père, hein, Qui fait croire à maman que je l'ai trompé. Qui? Et ça, c'est pas normal. Elle s'appelle Paola. Ça veut dire, la Paola, vous allez me la choper. Vous allez m'appeler. Et devant moi, vous allez m'arraver la Attends. Paola. Lui faire de la misère. Parce qu'elle fait croire à Paola que je l'ai trompée et tout le bordel. Ah, c'est pour ça que j'ai trompé ta femme. Ta Mais c'est maman. la Paola, elle est encore là, là? Ouais, elle est encore là et elle dit à tout le monde que. On n'a pas une Regarde, petite Beverly. photo? Vas-y, Beverly, dis-leur. Je la connais, je la connais. Est-ce que Ok. j'ai déjà fait des trucs avec Paola? Mais Vas-y. c'est. Oh là là, elle sait qu'elle me donne mal à la tête, hein, tonton. Ah ouais, mais regardez, écoutez Beverly, qu'est-ce qu'elle a dit. Écoutez Beverly. Elle est venue au camp et tout, elle a commencé à crier, oui, moi, Charclos et tout, m'a fait dormir ici, j'ai dormi avec lui, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Puis Que des trucs comme ça. Et elle a tout vu, la Beverly, elle a tout vu, elle sait que Oui, c'est faux. La Beverly, elle était moi, elle était moi. C'est vrai, apparemment, ça, c'est Beverly, faux. ça. Mais je te fais confiance, c'est la famille, t'es Parce pas que, un cousin. bah oui, parce que, apparemment, c'est Johnny. Johnny, il l'a fait dormir dans sa caravane, c'était pas Oh! Ah, il a baisé. Maintenant, c'est là où vous Johnny? êtes des hommes, vous vous Ouais. mettez torse nu, les trois là, tout de suite, comme votre père. Et vous allez me la chercher, je vous donne son numéro. Vous me lui faites la misère, torse nu comme des hommes. Ah mais Sans chapeau. vu que c'est ça doit être une catin, elle doit traîner vers nous dans Vas-y, un train d'artillerie, c'est pour tabasser, je sais faire ça. Allez, c'est la artillerie, tout castagne, on y ça va. là. Vous m'appelez quand vous l'avez. Vas-y, mon Attendez, pétard. 69-52. Oui.
Allez, on se lâche. J'ai déjà son numéro. Comment elle s'appelle? Allez, viens avec nous. Paola. Attends, moi, vite fait, je dois faire un truc vite fait auprès et j'arrive. Ah bah vas-y, pas de problème, tu nous appelles. Soit on va traîner. Attendez, 69-52 okay. 69-52. Ah, elle est pas là. Attends, du rêve. Race de mort parce qu'elle est là. Non, c'est pas 69-52. C'est quoi? Ah ouais, race de mort, elle est pas là, Miss Mort. Mais putain, elle était là tout à l'heure. Bon bah c'est bon, on fait autre chose. Bah on va voir ce qu'on fait. On retourne pour le tranquille. On retourne pour le Brandon. Bah. Merci pour Mme Pratou, merci pour vous parler, mes enfants. Pour Drag, Maskim, Monsieur Purple, le Rhum, Hiruchi, Flotter, Ims, Candy et Eric. Au fait, mon Paps, j'ai retrouvé mon argent, mon Brandon. Ah bah c'est normal, mon fils, hein. Je t'ai dit, y'a pas de voleur ici. Bah oui, mais attends, j'ai jamais accusé personne du camp, par contre. Encore moins ma petite femme et encore moins... J'avoue que non, que pas c'était... la peine de rentrer à la table, race de mort. Eh, il est vraiment con. Putain, hein. Mais qu'il est con, lui. Eh, mais c'est ton fils le plus teubé, de toute façon. Hein. Eh, après, oui, Brandon. Bordel. Eh, de toute façon, moi, je soupçonnais qu'une personne, c'était Johnny. Tata, fais-nous à bouffer, s'il te plaît. Ouais, fais à manger. Moi, bien sûr, fais à manger. Moi, c'était l'autre jour que je voulais casser la gueule, hein, au début. Hein. C'est l'autre jour que je voulais péter la gueule. Mais parce que pour moi, c'est lui qui m'avait volé. Non, mais eh, par contre, pétard de tes bords, enfant de putain. Tu vas pas commencer à dire. Que ma femme a un gros cul, alors que t'as un gros cul, un gros ventre, des gros nibards, et une grosse tête. Et alors, elle a un gros cul, qu'est-ce que je te dise? C'est bien, c'est positif, c'est un compliment. Voilà, ah, qui c'est qui a faim? Qui c'est qui veut manger? Si c'est un compliment, je dis pas, alors. Le Brandon, t'as faim? Allez, vas-y. Mais attends, pétard, on t'écoute. Attends, pétard, t'as regardé le cul de ma femme? Tiens, le Brandon, je te fais un petit bisou. Allez, c'est tous les jours que je le regarde, tous les jours. Oh, mes enfants. Pour toi. Quoi? T'as regardé le cul de ma femme? Ah, il est trop gros, tu il est gros. Castagne. Espèce de chien, va. Continuez, je ramène le mousquet, il y en a un qui se dégage. C'est bon, je suis désolé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui a faim ou pas? Fais à bouffer, j'ai faim, il y en a. Bah je fais, mais là j'ai faim, mais je fais. Oh bah vas-y, je continue. On a tous la mal. Et quand on a la faim, c'est pas normal. D'accord, ok, je comprends, voilà, c'est bon. Allez, deuxième fournée, c'est pour qui? Pour toi, Jason? Oui, tata. Allez. Tiens, Jason. Merci. Hop, bon, là. Les enfants, je voulais vous parler là. Un petit menu entier, voilà. Je voulais vous parler, mes enfants. Attends, on va dans la salle de réunion, mon paps. Non, on va pas parler dans la salle de réunion. Ok, super, on va parler ici alors. Là, c'est pas les affaires de famille, c'est l'affaire de mes petits-enfants. Mes petits-enfants de mort, d'accord? Là, c'est Fora, elle est pas contente. C'est Fora, elle est malheureuse. Mams? Parce que c'est Fora, elle croit que je la trompe. Est-ce que vous pensez à une seconde que papa il peut tromper sa femme? Il n'y a pas de fumée sans feu, moi je dis. Non. Voilà, il l'a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est exactement ça, il n'y a pas de fumée sans feu, mon fils. C'est l'intelligence qui dit jamais je l'aurais justement, fait. Donc en gros, il est en train de dire que tu as trompé ta femme alors. Mais non, parce que je suis en train de. Ça veut dire quoi, j'ai pas de fumée sans feu? Ça veut dire quoi, baise-moi? Bah, le truc, c'est que vu le feu, c'est elle qui dit que tu l'as trompé et il dit il n'y a pas de fumée sans feu, donc ça veut dire que tu l'as trompé. Voilà. Eh, pétard! Eh, il t'a voulu dire des méchancetés. Tu penses que le chaclot il peut tromper sa femme? Au nom du ciel éternel! Eh ben moi je le pense, mais je le dirai pas! Je le pense aussi! Merde! Stop! Revenez! Non mais je pense que Paps ils savent pas ce qu'ils disent. Hein, le pétard, tu le penses pas! Hein, le pétard, tu le penses pas! Allez, mon pral, vas-y, dis-leur! Le plus grand, vous écoutez votre grand frère, d'accord? Écoutez, vas-y. Pétard, Jason. On en a déjà parlé dans la caravane du cas, d'accord? Et papa ne fera jamais ça! Papa, on est ses enfants! Papa nous trahira jamais. Papa nous mentira jamais, nous dira jamais qu'on n'est pas ses enfants parce qu'on est ses enfants. Hein? Exactement, on est ses enfants. Oui. Et même si votre père il a trompé votre femme, c'est pas une raison pour lui en vouloir. Oui. Mais on va, papa, on n'a pas dit qu'on t'en voulait. Ça dépend, elle est bonne. Tiens dans ta gueule, tata. Oh, ça m'énerve, cette situation, elle m'énerve. J'ai cru qu'il allait me frapper. Bordel de cul, j'ai mal. Oui, désolé, tata, mais c'est parce que la situation, là, elle me froisse un peu, donc je suis obligé de me castagner. Maman, seigneur, putain, j'ai dans le pensée, j'ai sorti ça. Moi, je vous ai vu quand vous étiez bébé. D'accord? Et pas si cher Claude, il a trompé Sephora, il vous le dira, d'accord? Mais jamais, au nom, jamais, j'aurais baisé avec une autre gadget. Mais papa... Jamais de la vie. C'est normal que tu nous as vus depuis qu'on est bébé, puisqu'on est tes enfants, non? Ben oui. Ben alors... Vous êtes bébé, je vous ai vu regarder. Dès que vous êtes né, vous avez regardé. J'ai porté... Le Jason, avant, il était plus petit que moi, le Jason. Aujourd'hui, qu'il est plus grand, il croit que je suis con. Je suis pas un zézel. Mais non, mais t'es pas con, mais t'es malade ou quoi? T'es le plus intelligent du camp. Au grand jamais, j'ai jamais eu une relation sexuelle avec une autre gonzesse que votre femme. Je te crois, moi, papa. Votre mère. Et un bisou, hein. Je te crois. Donc là, maintenant, vous êtes des hommes. Oui, on le croit. Il va falloir que vous soyez du côté des hommes. D'accord? Un peu plus torse nu, un peu plus comme Cher Clos. Et Cher Clos, il va dire la vérité à sa mère. À votre mère. Elle va lui dire, c'est faux, ma petite Ndana. Si tu continues à me faire la gueule. Si tu continues à arrêter de dormir avec Cher Clos, si tu continues à pas me bercer la nuit,
eh ben tu n'achèves. Tu n'achèves et tu prends une autre caravane. Tu prends un autre camping et je vis tout seul ici, j'en ai rien à foutre. Mais vous allez pas vous séparer, vos paves, c'est pas possible. Ah, j'en ai rien à foutre. Bon, chef. Oui. Des fois, on contacterait pas les comment on appelle ça, les journalistes pour pouvoir faire croire, bah, dire que la Paola, en fait, elle fait des mensonges sur tout le monde. Comme ça, au moins, déjà, ça te dédouane, toi, de ce que t'as fait. Est-ce que t'as pas fait? Non, on va s'en occuper, Ok, d'accord. T'as des bonnes idées, mais t'es bien meilleur à la cuisine. Hein. Ah, d'accord, pardon. Ouais, là, c'est un problème de famille, entre... Voilà, c'est un problème de famille, tu vois, moi, je me mets pas dans les histoires de famille Chanel, Jean-Yves. Ah non, mais on dit pas que ça vient de nous, Mais j'ai aucun problème avec Chanel, papa. C'est quoi, ça? Faut que tu souffles. Enfin, je crois. C'est bon, il est agent, papa, il est agent. J'ai voulu un dito le test au Schmitt. Il est agent de sécurité? Mais non, j'ai voulu au Schmitt. Au Schmitt, aïe. Papa? Dernier truc, on a un petit récap du week-end ou pas? Là, ce week-end, il s'est rien passé. Hein. Eh bah super, allez, on y va. J'étais pas là vendredi. Et voilà. Mais attendez, les races de mort. Vas-y, on a fait une pacifique quand même, j'ai fait une pacifique avec Johnny. Oh, c'est vrai ça? Aussi, on a vendu beaucoup de drogue. Vous allez préparer quand même une surprise à votre maman, d'accord? Il vous dirait que c'est moi qui vous l'ai dit, de préparer la surprise. D'accord, pour la Sephora. D'accord. Une surprise de quoi? Bah, une surprise pour lui faire plaisir. Ouais, mais d'accord. On fait quoi? Un repas? On lui fait une guitare? On lui fait un tour de gravite? On lui fait non, tu, j'ai une idée! Parce que je suppose qu'il faut que ça soit aussi une surprise pour toi, mon paps. Oui. D'accord. J'ai une idée, mon paps. Ah, papa, j'ai une idée! Non, tu. Par contre, Beverly, tata, tu sais que je t'aime? Bah oui. Mais t'as encore trop salé la viande, race de bord! Ah pardon mon Dieu, pardon, mais je fais pas gaffe des fois, tu sais, comme ton père, ton oncle, il l'aime bien salé, du coup je fais comme si je faisais un goliot, hein. Paps... T'as des idées? Paps, oui, j'ai des idées. Tu veux ça pour aujourd'hui? Bon non, pas pour aujourd'hui, mais que voilà quoi. Eh ben, j'ai des idées pour demain, repas de petite famille. Demain, toi et Sephora, vous serez heureux. D'accord. J'espère, mon fils. Allez, maintenant, on achète. Vous allez pouvoir lui faire un souper, Beyblade. Pardon? C'est de retour de Rihanna. Oh putain de merde, je dégueule. Oh, qu'est-ce qu'il fout là, celle-là? Oh, mec, elle est belle. Oh mon dieu! Y'a Rihanna qui est. Ma fille! Non, elle a ma pas les yeux rouges. Ah si? Si, elle vient d'arriver. Oh là, les yeux rouges, ma fille! Viens, voilà, qu'on la repère pas. Je pense qu'elle a chopé la rage. Brandon, viens. Brandon, pétard, venez. Il faut aller venir voir un vétérinaire. Allez, toi, viens là, toi. Ah, c'est vrai qu'elle a les yeux rouges. J'ai une idée pour Paps. D'accord. Un gradin romantique sur le yacht. Ouais, exactement. On va faire un repas. Brandon, tu vas t'occuper de faire un petit accord de guitare et une petite musique. Pétard, viens voir. Oui, je viens. Comme t'es gros, on va pas te mettre dans la cuisine. Non, mais on n'est pas là. Hé, connard, on est derrière toi. Là, vous êtes là. Comme t'es gros, bah on va pas te mettre dans la cuisine, tu vas tout bouffer. D'accord. Mais j'ai une autre idée. Tu vas faire le serveur. Mais que je suis pas un serveur, moi que je suis un boss, hein. J'ai fait une pacifique, hein. Vous croyez quoi, hein? J'ai braqué la pacifique de la banque. Mais on s'en bat les couilles, c'est pour Paps. Je suis un grand maintenant. Pour Paps, c'est mal quoi. Je suis Pablo Escobar, hein. Mais arrête de vous affaire, c'est mon copain. Il faut tout mettre à ma patte, ok? Vas-y, je fais le serveur. Mais dis pas plus trop fort. Ok. Ah bah c'est bien. On fait ça demain, soit sur le yacht. Allez mes enfants, venez, on va rouler ensemble. Vas-y. Miliana, je vais rouler avec mes gosses, d'accord? D'accord, mon chéri. On va driver. Oh, elle est là. Attends, comment elle s'appelle déjà? C'est Paola. Oh bah tiens, allez, je vais arriver ça. Oh, y'a votre petite sœur. Ouais, c'est ma sœur, ça. Allô? Oui, ça va? Oui, Paola? Oui. Ouais. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Divoire, on a moyen de se capter? On y va tous, ouais, vite fait. Ouais, d'accord, est-ce qu'on c'est fait deux trucs séparés ou on fait un truc tous ensemble? C'est ça la question. Il y a trop de musique, okay. La musique elle est trop forte dans la voiture. D'accord. Oui, excuse-moi, tu disais? C'est qui? C'est Jordan. Je connais pas Jordan. Ben en fait, on s'est croisés, mais il y a quelques temps déjà, au niveau du LS Custom, on avait discuté un peu, c'était sympa et voilà. Tu ok, ça marche. Ton numéro de téléphone. De on peut se capter? Ouais, vas-y. Plus jamais ça. C'est une bimbo, une Barbie. Plus tard je dans la soirée, ça. D'accord. Ok, ça marche. Tu vas au Oliver quelle heure? Je sais pas. Ok. Bah, genre, est-ce que minuit c'est tard pour toi? Non, c'est bon. Eh bah, vas-y. Bah, à tout à l'heure, Paola. Je te préviens, je t'ai mis en concurrence avec tes cousins. Donc t'as intérêt à faire ça vite, hein. Si tes cousins nous rendent, vous êtes des merdes. On va la marave et on va la casser devant toi, paps. Ouais, bah ouais, moi je suis disponible si vous voulez la marre maintenant. Ok. Bah vas-y, go.
Vas-y, on va l'attraper. C'était qui le propriétaire de ce véhicule? Ah bah on sait pas, on l'a acheté et je pense qu'ils ont pas fait l'acte de vente. Ah. Il doit avoir quitté l'état ou je sais pas. Vous avez des couteaux sur vous? Une hachette. Toujours. Ah ouais, ça suffira. Hachette, j'ai un couteau, bien. Ah parfait, moi j'ai une boîte. Fais-nous une description s'il te plaît. Blonde, bimbo, un peu comme Charlie. Une vraie pétasse. Ou cheveux roses maintenant, je sais plus s'il y a les cheveux roses ou... Attendez, attendez, hey, je vais appeler notre sœur parce que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu pour le coup. Ah ça c'est vrai. J'ai acheté l'encyclopédie et j'ai eu ça. Attends, t'as dit quoi? J'ai entendu une dinguerie là. J'ai dit je voulais acheter une encyclopédie et j'ai eu ça. Ah putain, tu m'as fait super peur. Bah, c'est une dinguerie hein, c'est une dinguerie. Pourquoi t'as compris quoi? Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe ici? Attendez. Bah alors, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a lui? Attends, s'il me dit un truc qui me plaît pas, je change de véhicule. Faites un détour, s'il vous plaît, passez de l'autre côté. Pourquoi? Bah, vous voyez pas que. Bah, on a une opération pourquoi en cours, donc s'il vous plaît. Bah, non, on voit pas qu'il y a une opération en cours, c'est pas de notre faute, hein, c'est pas de notre faute, hein. Que la rue, elle est à tout le monde, que la rue, elle est à tout le monde. Alors, j'ai pas dit le contraire, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux qu'on s'encule? Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous descendez des voitures là, vous voulez faire le tête? Tu veux qu'on s'encule là tout de suite là? Juste, on va mettre un périmètre de sécurité en place, donc on va vous demander de faire demi-tour et faire le tour par l'autre côté, c'est s'il vous plaît. C'est moi la sécurité de cette vie, retire ton gilet, toi et moi, bon, s'il vous plaît, là. Quoi, ouais. Il veut qu'on s'encule, elle aussi? Allez, on va bouger. Mange-moi, on descend, là. Faites demi-tour, s'il vous plaît, merci. Retire ton gilet. Il n'y aura pas de retirer de gilet, vous allez pas me péter les couilles, d'accord? Vous allez faire demi-tour. Écoute-moi bien, vieille pétasse, on va pas faire demi-tour. On fera pas demi-tour. Qu'est-ce qu'il y a toi? Comment ils vont ceci? Regardez bien la petite annonce qui vient d'être faite par rapport à mes collègues. Vous pouvez nous dire? Soit vous faites demi-tour, soit maintenant je fouille le véhicule et vous. Je crois bien qu'il y a un convoi, mon collègue. On a rien à se reprocher, vous pouvez vous fouiller. Et je peux vous mettre en état d'arrestation aussi pour refuser. Oh putain, l'enculé! Oh putain, et qu'on peut vous péter la gueule aussi. Et lui, passe! T'es sûr que tu veux faire ça? Alors. Oui, mais parce que vous avez pas le bon faciès, messieurs, voilà, faut dire les choses. Au vu de la situation là-bas. Je vous déconseille vraiment d'éviter. Attends. Redis-le, enfant de putain. Non. Redis-le. Monsieur, enfant de putain. Messieurs. Tu t'es pas vu, je crois. Tu t'es pas trop vu non plus, je crois. Eh oui, messieurs, le second degré, vous ne connaissez pas, voilà, hein. Ah non, merde, désolé. On vous a dit que c'est vous qui allez partir. Et que c'est nous qui allons passer. Allez, on va passer. Ils sont tous partis sans vous, là, vous êtes tout seuls, bande de merde. Allez, bonne soirée. Oh, le vocabulaire. Pardon. Oh putain, qu'on est vraiment des virus. Par contre, j'ai vu le plus gros contre son camp des 30 dernières années. Hein. Bah oui. Ouais. Merci Restra pour le 15e mois, merci Bébé Kylo pour le 36e mois. Merci Calamity pour le 29e mois, Yann Guillaume pour le 4e mois. Merci les gars pour la sub hype au chat. Alors, on va aller devant la baie. Ah non, c'est pas Brandon, putain. Attends, elle travaille où là? Elle travaille au Custom Café. Ah ça tombe bien, j'ai arrêté. Ah ouais, je vais la manger, c'est vrai. Ah bah, comme tu veux. Mais je sais pas, quoi, il sort l'œil. Attends, j'ai peut-être une idée, attends. C'est quoi ça, idée, Bayaran? C'est que je lui ai donné rendez-vous, hein. Ouais, c'est quoi ça? Ah, où ça, tu as donné rendez-vous? Bah, je lui ai dit à minuit, on peut se capter, elle a dit oui. Le truc, c'est qu'on va essayer. Pourquoi pas, non, mais... Parce qu'on essaye de la chercher nous-mêmes, comme des grands, on va pas, tu vois. Mais au moins, c'est le plan de secours, bien joué, j'ai avancé. Par rapport à là, c'est le cerveau de l'équipe. Keitana. Ah bon, je suis le cerveau de l'équipe, officiel. Bah, tu nous as offert une porte de sortie au cas où on a rien à jouer avant tu, hein. Mais parce que Brandon, je t'ai dit quoi? T'es le grand, t'es sorti 3 secondes avant, donc t'es plus Brandon, intelligent. Mais bien sûr, toi t'es la pardée de la famille, non? Ouais. Moi, mais pas beaucoup, mais je suis intelligent. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as de la chance que je dois m'occuper de quelque chose. Merci, hein, bébé, tu vas voir, Keitana, je vais revenir, tu vas voir. Keitana? Tu vas voir, Keitana, tu vas voir. Keitana, ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Que tu vas voir. Allez. J'ai bien retenu ce que tu viens de me dire, là. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit, gros bidou, faut arrêter de manger des panini. T'es amoureux d'une paysanne, Pétard? Non, je suis amoureux de personne. Pétard, t'es amoureux d'une paysanne, Pétard? Non. C'est vraiment une bite, hein. T'es à contre-sens, papa, t'es à contre-sens. Par la même occasion là, vous me chopez la papo là. On est dessus. N'oubliez pas aussi.
Le Brandon aussi. Si ah ouais, c'est plus important le Brandon. Brandon si bah, je suis déjà là. Ta gueule. où c'est qu'elle est le Johnny? Où c'est qu'elle est la Chacha? Ils sont pas encore là, ils vont arriver. T'es sûr? Non. Ah, non, parce que je me suis réveillé, il y avait personne dans la caravane. Enfin, si, elle ronflait, mais tu sais que quand elle ronfle, elle bave, Chacha. Hein. C'est vrai? Ouais. T'es sûr que c'est pas du reste de sperme? Viens voir, Brandon, viens voir. En même temps, vu son cul. Non, oh! Oh! Respecte-la! Y'a personne. Ah, y'a personne, c'est quoi? Oh! 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 Qu'est-ce qu'il y a, petit Jazzo? Respecte-la! Tu respectes? On la respecte! Sur mes morts! Mais c'est un compliment de lui dire qu'elle est bonne! Mais. Elle est belle, quoi! Je vais te faire maigrir, arrête tes conneries! Mais c'est ta femme, elle est belle! Ah oui, elle est belle! Mais arrête de mater son cul, putain, c'est un truc de fou! Non, oui, mais je l'ai fait qu'une fois! Oh les gars, la pastèque, c'est la vie! Je me suis seul, mais il n'y a pas eu d'alerte. J'aime ça, mon frère. Fais F5. Oh, j'ai un appel. Fais F5 26, et mets ton alerte, en fait. Oui, allô. Ça va apparaître dans le chat. Ah. Cher Clo est convoqué au poste. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, en réalité, ils baissent leur mort. Ouais, on y va. C'est pourquoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Il a outrage à la magistrat. Non, mais on va la fête foraine. Qu'on va rechoper la Paola, comme ça, c'est nous qui l'ont chopé. On a la dame, on est fête foraine. Exactement. Allez, à tout de suite. Quoi? Allez. Attends, mais qui l'a eu? Tous les autres là, les autres. Mais ils ont la chopé. Et je sais pas, mais en tout cas, ah, ils l'ont chopé. Ah, mais on n'est pas là, les seuls sur le coup. C'est qui 63-78 sur ces bras? Bah non, il y avait les cousins. C'est qui 63-78 avant que je vous encule tous? Bah, j'en sais pas. Bah, je sais pas, c'est qui? J'ai pas, moi. Moi, je cherche pas là. Attendez, vous y croyez l'histoire de papa? Non, ouais, je pense qu'il a trompé, c'est sûr. Je vois j'ai pas plusieurs confirmations. Oui, mais il va la tabasser devant nous alors qu'il l'a trompé, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Elle est dans la voiture. Ouais, dans l'auto. Ouais, parfait. Allez, endroit discret, la bande de cons. Vas-y. Bien joué, en tout cas, les cousins. On vient juste de l'attraper. Bien joué, les gars. C'est moi qui l'ai ramené. Hé, je m'en bats les couilles. Mais c'est bien joué, putain. C'est bien joué. On va s'occuper de l'autre là. Non, on va pas s'occuper de l'autre. Je veux voir ce que papa va lui faire. Ah, tu veux voir? Vas-y. Mais parce que s'il l'a trompé, je veux voir ce que papa va lui faire. Ouais, je veux qu'il le regarde dans les yeux et qu'il dise qu'elle ment. Oui, mais par la peur, elle le dira. Non, mais papa. Et papa, il le dira, il l'a déjà dit devant moi et devant elle. Ouais, mais t'inquiète. On était déjà tous les trois et elle l'a déjà dit. Devant Paola? Oui, devant Paola, il y avait Paola tu, aussi. Tu veux pas qu'on la prenne la Paola? Parce que dans leur voiture là, j'ai pas confiance. Hein. Attends, ouais, reste pas vrai, trop ça. Loin. En plus, on a une place, tout. Hey, attendez, stop. Les cousins. Faites la montée. Ouais, faites place, la montée parce que vous fumez là. Faites la montée chez nous. Ouais, monte. Ouais, descend. Vite, va dans le coffre. Elle est dans le coffre en plus. Oui. Ah non, elle est pas dans le coffre. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, je sais pas. Paola. Ah, vas-y. Oui, c'est bon. On va la foutre dans le coffre. Vous avez pris son téléphone? Ouais, c'est bon. Ah, nickel. Gardez son téléphone. Ça va, Paola? Bah non, ça va pas. Pourquoi? Bah ça va aller, Paola. En tout cas, bien joué, vous allez être couvert d'or. Il faut nous sous-estimer, hein. Bien joué. Ta gueule, toi. Vas-y, va dans un endroit discret. Ouais, et Paola, Paola, écoute-moi bien. Quoi? Je vais te poser des questions. En fonction de tes réponses, tu vas passer plus ou moins un sale quart d'heure. En gros, considère que je suis la personne qui peut peut-être te sauver la vie. C'est vrai? Ouais. Mais pourquoi, là? Ferme ta gueule! Mais je comprends pas! Je t'ai pas posé de questions! Mais je viens chercher mon argent. Ferme ta gueule. Écoute-moi le sang de tes morts. Oui. Bon, tu connais Cher Clo? Ouais, je le connais bien, bon, oui. Bon papa d'amour, t'as fait quoi avec lui? Dis-nous la vérité. C'est mon soumis. Je te croirais. C'est ton quoi? C'est mon soumis. Quoi? Vas-y, raconte-nous des détails. Raconte, je veux tout savoir. Ben... Comment ça a commencé? Depuis le début, allez. Comment ça a commencé? Ça a commencé avec un bisou à 500$ et après, bah. Un smack ou avec la langue? Ou avec la langue? Avec la langue, avec. Qui a fait le bisou? Attends! C'est toi qui as donné 500$? Non, c'est lui qui m'a donné 500$. Il a payé pour avoir. Il m'a payé pour avoir un bisou. Voilà. Et ensuite. Et après, vous avez couché ensemble ou pas? Non. Ok. Laisse-moi continuer. Je lui ai craché dans la bouche.
Mais putain, dis-moi pas ça, je vais t'égorger, putain. Mais c'est mon petit soumis, ton père. Il est à sa station d'essence. Je vais l'enculer. C'est mon petit soumis. Arrête de parler. Raconte-nous quel genre de soumis. Ta gueule. Mais moi, je vous dis la vérité, hein. C'est pas à moi qu'il faut s'énerver, hein. C'est contre lui. Moi, je voulais juste un peu d'argent, c'est tout. Oui, mais que papa, il te reproche d'avoir parlé avec ma maman. Attends, est-ce qu'il embrasse bien, papa? Ah, il pue de la gueule, hein. Non, mais là, c'est beaucoup... Non, mais attends, mais toi, tu m'aides pas de sauver la vie. Attends, tu veux pas me laisser conduire? Bah, si tu veux, pourquoi? Pour aller dans un endroit... J'ai peut-être une idée d'endroit. Ah, si tu veux. Attends, je peux te la mettre, au pire, je peux te la mettre. Mais on va où? Ah, bah, vas-y, on va en vacances. Moi, je m'en fous, comme tu veux. Tiens, voilà. Ah, tu vas dans le nord? Vas-y. Oh, c'est juste à côté. Dans le nord? Ouais, t'inquiète pas, le nord. Est-ce que vous avez des échanges par SMS, ce genre de truc? Ouais. Il a acheté mes pieds aussi. En photo? Est-ce que tu peux m'envoyer un screenshot de cette conversation? Est-ce que tu peux nous envoyer une preuve de tout ce que tu dis là? C'est pas qu'on veut voir les pieds, rien à voir. Non, c'est rien à voir, c'est juste pour être... c'est pour te défendre au cas où il faut te défendre. Garde-toi et on va derrière là. Mais c'est chez qui? Je crois que j'aurai pas tout. C'est chez qui ça? C'est chez personne, on est d'accord? Trop de monde, faut pas dire. Non, c'est chez personne. Ok, vas-y, descends. D'accord. Attends, on va regarder tout ce que tu fais sur ton téléphone, décolle pas. Viens en tout cas, le nord, c'est bien pour pouvoir faire disparaître un corps. Viens par ici. Allez. Ah ouais, mais dites, Paola. De quoi? Le nord, c'est bien pour faire disparaître un corps. Envoyez la pause à Paps. Je sais pas, j'ai jamais fait. Eh ben nous, on l'a déjà fait. Assieds-toi là. Hey. Assieds-toi. Je m'assois où? Par terre. Assieds-toi sur une chaise. Pourquoi par terre alors qu'il y a des bancs? Je m'en bats les couilles, tu t'assois par terre, Paola, ou je te jure que je vais t'égorger sur le sang par de tes morts, sur le caravane de tes morts, sur l'enculé de tes morts, sur le couteau de tes morts, sur la famille de tes morts. Mais t'es pas du tout! Alors tu t'assois par terre, ok? Et pour la peine, vu que tu fais la belle, on va te donner une tenue bien moche et tu vas être bien moche comme ça. Donne-lui la tenue là, chou. Si. On va te prendre en moche. Qu'est-ce qu'il y a, Chichi? C'est parce qu'elle te fait concurrence au niveau Barbie, c'est ça? La ferme! Eh, mesdemoiselles! Mesdemoiselles! Je te cache! Je peux discuter avec Paola vite fait et après. Ne regardez pas, mais reviens après. Laissez-moi 2 minutes. Écartez-vous un petit peu, 2 minutes, on va la cuisiner un peu après. Juste 2 minutes. Non, mais prends d'eau, espèce de pervers! Ouais, allez-y, le gars, c'est bon. Hein? Merci. Deux minutes, après, je me casse. Vas-y. Elle reste belle, hein? Ouais, elle est belle. Tu vois, c'est ton problème. Pourquoi tu prends une photo? T'as besoin de preuves? Ouais, je sais pas si comme ça, elle a toujours une crache sur quelqu'un. Non, c'est pas non plus. Ouais. Vous auriez pu faire pire, quoi. Mais pourquoi vous vous attaquez à moi? J'ai rien fait. Ok, écoute-moi bien, la race de mort. Parle mais doucement, c'est Charclos. Parle doucement. Oui. Moi, je veux bien te croire. Le seul problème, c'est que... J'ai mis des doutes, il va falloir que tu nous apprennes des trucs sur notre père, ou sinon on va devoir t'enculer. Ouais. Oh, je vais te fracasser le crâne jusqu'à que ton crâne s'ouvre en deux. Dis-nous tout ce que tu sais sur mon père. Pourquoi il aurait trompé ma mère? Avec toi. Espèce de grosse pétasse. Parce que lui, il aime bien être dominé. Hein? Il fait le mec, le comte est mort, nan. Mais c'est un petit soumis, ton papa. C'est un petit soumis, Charclos. Je crois que tu m'envoies une preuve. 9204 si tu peux. Envoie-nous une preuve. On n'a pas filmé. Non, envoie-nous un screenshot, quelque chose. Je vais vraiment t'enculer là. J'ai pas mon téléphone. Je te le rends, ton téléphone. Et tu me le montres. Allez, envoie le numéro. C'est moi, Jordan. Même si je m'appelle pas Jordan. Ah bah la photo, elle est partie. Quoi? Attends, je t'envoie. Je lui ai envoyé mes pieds par téléphone. Et il t'a dit c'est quoi ton numéro? C'est moi qui t'ai appelé, le soi-disant Jordan. Allez, fais vite parce qu'il va arriver. Oh, t'es mort. Tiens. Donne ce téléphone! Qui t'a demandé de prendre ton téléphone? Donne ce téléphone! Espèce de gros sale! Tiens. Voilà. Tiens, race de mort, comment qu'on se revoit? Coucou, mon petit soumis. Alors déjà, lève-toi, baise-moi. Qu'est-ce que t'inventes encore comme délire? Qu'est-ce que t'inventes comme délire, baise-moi? Vous pouvez venir. Moi, je t'ai prévenu. Si tu me donnais pas mon argent, j'allais tout balancer. Et bah ferme voilà. Ferme ta gueule. Aïe. Tout ce que tu dis, c'est de la merde. Tu me fais des chantages pour avoir des lovés, c'est tout. Oui. Oui, ah, voilà, vous l'avez vu, elle l'a dit. Cette race de mort. Donc maintenant, tu te mets à genoux et je vais te raser le crâne. Vous avez vu que c'était une menteuse, hein?
Dépêche-toi, baisse-moi. Tu choisis. Je te rage le crâne. C'est bon, c'est bon. Je te planche le ventre. Je t'arrache les doigts. Je fais quoi avec toi? Mais Charclos, pourquoi tu mens? C'est quoi? Je vais laisser mes trois gosses décider. Allez-y, les hommes. Les trois hommes, là. Les trois fils de Charclos. Elle veut briser la famille, bah vous la brisez. Je peux lui poser des questions ou pas, Paps? Ah non, c'est oui, bon, vas-y, mon fils. Pourquoi tu veux briser la famille? Pourquoi tu veux briser la famille, Barazel? Parce qu'il m'a pas donné mes 3000 dollars. Quoi? C'est quoi cette histoire? Je lui ai fait une prestation, tout ça, et il m'a pas payé. Attendez. Il m'a jeté un billet de 200, là, comme si j'étais un chien. Paps? Oh, elle dit du mort. Elle veut briser la famille. Montre-nous tes preuves sur le téléphone si tu les as. Montre-nous. Mais je t'ai envoyé le screen. Je lui envoie mes pieds. Oh, vas-y, voilà. Jason, regarde. Ouais, j'étais cherchant les ciseaux. On va te raser les sourcils, hein. Non. Ouais, j'étais cherchant les ciseaux. Paps, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Tu veux laquelle? La mauvaise. La mauvaise, c'est que t'as appelé Charclos sur son téléphone. La bonne, c'est qu'elle a pas totalement tort dans ce qu'elle dit. Hein. Apparemment, t'as demandé de l'argent pour avoir ses pieds. Oh. Bah voilà. Mais j'ai pas demandé de l'argent, c'est elle qui m'envoie ses potes d'ODP, c'est une manipulatrice. Mais c'est toi que tu m'as dit 500 dollars une photo. Bien sûr que j'en suis persuadé. Donc elle est où, bon, alors? De toute façon, qu'on fait confiance à notre papa jusqu'au bout. Mais si, je peux pas confiance à notre papa. C'est un Photoshop. Attendez. C'est pas un Photoshop, c'est vraiment ses pieds, c'est juste une chouquelle. Bah Paola, moi en plus j'ai entendu que tu faisais un business avec tes pieds, 5 000 dollars. Merci bébé, James, merci. La salope. Ouais. Bah oui. Ah ma. Et Charclos, il a payé. T'es pas mieux. Ferme ta gueule, baisse-moi. Ok, c'est bon. Merci trop pour ce côté. Il a pas payé. Tu veux niquer ma femme pour le 40e mois et bien arrivé d'Untech. Tu vas inventer de la merde. Non. Vas-y, retire ton vêtement là. Non. Retire tes vêtements. Ouais. Choisis, je te rage les sourcils. Attends. Qu'est-ce qu'il veut dire le Brando? Ben papa, il a dit qu'il veut que la brise, alors je vais la briser. Bouge pas, je vais lui briser les oreilles. Aïe. Tu vas arrêter de mentir. C'est vraiment un choukel. Que quelqu'un lui rase ses sourcils. J'ai entendu les chiens pleurer de l'autre côté de la rue. Ah, subis la torture du grand, moi. Pourquoi je prends la tondeuse, attends. Non, s'il vous plaît. C'est fou quand même, elle a voulu extorquer 3000 dollars et elle perd ses cheveux maintenant. C'est la nouvelle mode. Clac, clac, clac. Ouais, il nous reste un peu là. Attends, j'en mets un petit coup de ciseau encore. Clac, clac, hop là, clac. Mes cheveux. Ah, c'est que des cheveux. Continue, c'est pas assez blanc. Hein, encore? Ah, là. Ah, tiens, je te coupe une mèche. Ah, attends. Non. Ah, si, là devant. Ah. Ah, tiens, allez, je te l'arrache. Ah, clac. Aïe. Ah, je coupe tout, c'est pas assez bon. Non, ah, c'est encore, pas encore, bon, bouge pas, c'est je vais bon. Envoyer ça. C'est bon. Ah, c'est bon. Mais alors, qu'est-ce que t'as à dire? Voilà. Pardon. Pardon, qui? Pardon, Charclos. De vouloir ruiner ma famille? Pardon, Charclos, de vouloir ruiner ta famille. Aïe. T'es prostituée, j'en ai rien à foutre. Mais tu m'aimes pas dans ces histoires. C'est bon, calmez-vous, vas-y, attachez-nous les mains, on a jeté à l'eau, comme ça le poulet pourra remanger. C'est cher. On va t'attacher, et tu vas te jeter à l'eau. Attachez-lui les mains, dans ta gueule. Ils sont pas la tuer. Non, là, ne parle avec elle, elle dit que du mort. Elle dit que du mort. On peut pas la tuer pour des pieds. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Attachez-lui les mains, et qu'on la balance à l'eau, où elle lui bouillante, c'est trop de soukelle. Retourne-toi. Non, mais s'il vous plaît, je sais pas nager. J'en ai un foutre que tu sais pas nager, fallait réfléchir 2 minutes. Mais vraiment, ouais, t'es mort. Je vais planter avec des claquettes, des claquettes. Non, on va plus courant, ça va aller. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pardon d'avoir dit à ta femme. Qu'est-ce qu'elle a dit à Bams? Eh ben, elle lui a dit que je l'ai trompé. Pardon. Maman. Pardon. Eh ouais. Attends, Paps, s'il te plaît.
Paps. Quoi? Écoute-moi deux minutes. Quoi? Si on la jette dans cette rivière, son corps va flotter, d'accord? Et après, ils peuvent remonter les traces à nous. Bah comment? Quand il n'y a plus d'air, ça coule encore. Hein? Quand il n'y a plus d'air à l'intérieur, non, ça coule. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Roya, tu vas dans. C'est quoi? On va laisser les cousins décider, là. Ah oui, ma cousine, vas-y. Oh, bah, Gigi, elle est juste jalouse. Bah, moi, je veux la mettre en apnée pendant deux minutes, puis après, elle se démerde, quoi. Si elle crève, ouais, c'est son problème. Idée, si elle survit, tant mieux, c'est qu'elle a des capacités, quoi. Non, ah, puis si tu sais pas nager, tu finiras à la marina avec le courant, t'inquiète pas. Bah oui, oui. Bah, tu seras juste pas t'étouffer. Hein. Tu vas te laisser faire aller par le courant, puis on te sauvera là-bas, hein, tant pis. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bonne idée, ça. S'il vous plaît. Ok, j'ai une meilleure idée. J'ai une meilleure idée, Paps. C'est quoi? C'est quoi? Et, venez, venez, on va arrêter les conneries. Je lui mets un coup de couteau bien placé. Non, sinon, il lui donne de la drogue. Non, je sais, on va pas la planter. Elle va travailler dans le camp gratuitement et faire toutes les tâches qu'on veut pas faire gratuitement. Quoi? Elle va faire mes ongles, au lieu d'envoyer ses pieds. Et si on la droguait, on lui donne de la drogue, comme ça elle oublie tout, la pauvre. Ça y est, toi, le gros. Non, maintenant elle va bosser pour le camp. Donc les cousins, cousines, elle va venir dans le camp et elle bosse. Et vous la baïonnerez à chaque fois qu'elle sera dans le camp pour pas qu'elle parle. Je pense que ta femme, elle veut pas d'elle dans le camp, ouais. J'en ai rien à foutre. Ah bon, d'accord. À moins qu'elle la veut pas. Au moins, je l'aurai proche de moi pour regarder qu'elle fait bien le ménage. Ah c'est oui. Le baisement. Ah, c'est important, ça. Donc les cousins, la cousine, vous les ramenez, vous lui faites toutes les tâches ménagères. Ah, et elle viendra tous les soirs foutre le ménage. Vas-y, papa, vas-y, papa. D'accord, c'est bon, je suis d'accord. Je vais nettoyer les toilettes. Vas-y, je te la tiens, vas-y. Nacha, toi, voilà, Nacha. Nacha. Tiens, ça c'est pour mon père. Il va se trouver. C'est trop profond pour lui. Ça va, papa? Non, c'est toi qui l'as poussé. Bah non, elle a pas de main. Ouais, il a peut-être mis un coup de tête. Ah, elle a pas poussé par plein de manières. Hein. Ah, c'est toi qui l'as poussé, Paola. C'est toi, la Paola. Mais j'ai les mains liées dans le dos, putain. Et alors, ouais, tu peux faire autre chose. Paola, elle sent tellement, c'est toi qui l'as poussé. C'est bon, je vais la tuer. C'est bon, je vais la tuer. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Je vais la tuer. C'est bon, je vais nettoyer la merde. Je vais nettoyer la merde. Je vais tout faire. Je vais faire tout ce que vous voulez. Je vais la tuer. Me mets pas à l'eau. Me mets pas à l'eau. Non, s'il te plaît, me mets pas à l'eau. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est bon, je vais la tuer. Alors qu'il voulait pas la tuer. Je vous dis, je vais la tuer. S'il te plaît. Ferme ta gueule. Je vais essayer de te sauver la vie. Tu fais. Nique-lui son branching. Je vais la tuer. Ok, bouge pas. Mais Jason, garde-la en vie. Elle doit faire ménage. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Les chiottes, elles vont pas se nettoyer toutes seules, hein, garde-la. Je vais nettoyer le caca, promis. Ouais, tu vas nettoyer ma pisse. Écoute-moi bien, regarde-moi dans les yeux, d'accord? Oui, je te regarde. Là, les cousins, cousines, ils vont t'emmener au campement. Tu nettoies, tu fermes ta gueule. Et tu fais ça bien, je veux que ça brille, ok? Oui, je vais tout nettoyer. Je t'appelle tout à l'heure. Si c'est pas clean, on t'encule. Oui, promis, je vais tout nettoyer. Allez, Paola. Moi, tu peux dire une fois que Charlot a rien de pied, je te mets casse. Ouais, pars avec vous, D'accord. Pourquoi tu l'aides? Parce que c'est des choses qu'elle a pas dit encore. Non, mais je veux pas lui tirer dessus, je veux juste tirer en l'air, je suis pas con. On parle de qui là? On parle de qui, mon Paps? Paps? Allez, Michel. Oh, les titulaires, on va au truc. Quoi? Quoi, fils? On va où? On va au camp, à la table, là, on va parler, les titulaires. On va mettre un truc en place. Viens, Jason. Eh, t'as passé la patron, hein, il faut qu'elle soit capable de travailler, hein. On va la faire travailler, hein. Pas de soucis. Bon, là, t'as un terrain à taffer, hein. Oui, promis. Je m'en tourne. Ah, alors, tu avec les enceintes là-bas, quand même. Allez, on y va. Bon, nickel, ça c'est fait. Mais les gars. Moi, je veux le Brandon, maintenant, putain. Je l'aide juste pour en savoir plus. Pour rentrer encore et après. C'est tout. Bah, le Brandon, l'autre. Je m'en bats les couilles d'elle. Mais je l'aide pour en savoir plus. Pas toi, bon, je vais appeler le Boris. Elle pourra nous donner des infos en fait, c'est juste ça. Vous en pensez quoi de cette histoire? Moi, je pense que papa il va se faire reluire à domicile. Je pense que papa est mort. Quoi? Pourquoi? Parce que ça se voit, moi je les ai vus comment ils étaient tous les deux. Tu penses qu'il est amoureux? Ah non, quand même pas. Et qu'est-ce que j'ai dans mon tête, tu me dis de faire comme ça? Oh, il a dû la payer pour des prestations, quoi. Je pense que c'est vrai ce qu'elle dit en gros. Il est pas amoureux, non. De toute façon, y'a quoi sur le SMS qui t'envoie? Oh putain! Y'a quoi sur le SMS qui t'envoie la crypto là? Y'a quand même toutes les preuves qu'il lui a demandé de l'argent pour ses pieds, quoi. Bah oui, c'est sûr. Oh, je t'ai dit, je les ai vus dans le camp, c'est moi qui les ai déposés, ils étaient ensemble.
J'ai demandé c'était qui, il m'a dit t'inquiète. Vous savez qu'on va devoir la parler, lui parler. Et quand je voulais lui parler, il m'a mis une patate, il m'a dit arrête de lui parler, c'est moi qui lui parle. Ouais, c'est pour ça. On la prendra à part, j'ai son numéro et tout. En fait, quand je l'ai emmené un petit peu plus loin, je lui ai dit t'inquiète, on va se parler, ouais, je vais te sauver. T'as voulu lui parler, ouais, j'avais capté. Non, non, mais c'est bon, t'inquiète, je lui ai dit, et on se parlera plus tard, je lui ai dit là, d'être nickel. Bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est le Brandon qu'on doit trouver? C'est bah, Brandon de... Mais pas toi, putain, c'est l'autre enculé. Concessionnaire, putain. Lui, on fait quoi, lui? On le taillade, là? On le fume? On le fume. Ouais, ouais, faut qu'on l'attrape d'abord. Wow. Oh putain, faut que j'aille faire mon coffre à la salle. Vite, là. Ah bah moi aussi, mais... Elle est là, notre sœur, ou pas? Elle est là, Chalet? Chile? Ah oui, titulaire, bon, pas. Ouais, ouais, à la table, titulaire. Allez, go, go, go. Elle s'appelle Chili. Putain, je sais plus prononcer son prénom tellement je la vois pas. Il est où le coffre? Il est là? Ta-la-ta-la. Il est là le coffre? Oh, c'est pas là. Bah merde alors. Non, c'est là, là aussi, là. Là aussi. Elle est belle ma chambre. Il est où le coffre? Je prends le 4, je prends le 4, je prends le 4. Je prends le 2. Ouais, putain, je viens de me dire un truc là. C'est que vous êtes pas là. Et que votre gun, il est dans votre coffre. Bah c'est pas grave. Comment qu'on fait? Ouais, mais comment qu'on fait pour aller en opération et comment qu'on fait? Je donnerai mon code, Paps. Bah, ouais, il faut que t'aies les codes à tout le monde. Que les chefs, ils ont tous les codes, c'est tout, les chefs de famille. On a largement de quoi avoir une arme par personne de toute façon. Ouais, non, non, non. Bah, ça va arriver vite, en vrai. Oh, j'espère, mon Dieu, j'espère. Mais bah oui, bon. Même financièrement, je pense que ça va. Ok, bon, baise-moi. Baise-moi sur baise-moi. On attend que l'autre Goliot est terminé et après on peut continuer. Comment que c'est qui va, lui, Eddy? Il est là, tonton? Ça va, mon cousin. Ça va. Goliot, ouais, je crois qu'il va venir, le Goliot, ouais. Bah, c'est ce que t'as dit, je lui ai demandé s'il était là. Bah, elle est où, Sephora aussi, Mams? Ah, c'est moi, le Goliot? Je sais pas. Je suis tonton, alors? Oh, je suis le chef? Bah, c'est incroyable ce que je veux dire, là. On comprend pas trop quand il parle. Mais en quoi j'ai eu, d'accord? Oui, d'accord. Oui, bien joué, Brandon. Sachez qu'avec lui, on s'attend à rien, mais on est quand même déçu. Tonton, ça veut dire qu'en attendant papa, je peux aller pisser un coup, là? Oui, vas-y. Prenez le temps de pisser, comme ça je vous explique ce qu'on fait, là, dans les deux prochaines heures. Sa race de mort. Et d'ailleurs, pour le Brandon, on fait quoi? Miliana, est-ce que... Ouais, justement, est-ce que le Brandon, il sait que t'es avec nous ou pas? Bah, je suis là. Mais non, mais ta gueule, toi. Le Brandon Conzès, il sait que t'es avec nous, que t'es de la famille ou pas? Alors, théoriquement, non. Ok, bah, théoriquement, non. Donc, je vais te demander de parler comme une secrétaire et de l'appeler. Ok? D'accord, là, tout de suite, là? Il répond à personne. J'ai demandé au SDF de l'appeler. Il raccroche direct. Mais putain, ça rase de mort. Il est chiant faire ça. Je t'ai dit qu'il était planqué avec les Schmitt, là. Il répondra à personne qui connaît pas. Le plus simple, c'est que tout le monde tourne en voiture et qu'à un moment donné, on va aller devant la mairie, devant ces trucs-là, et qu'on va forcément le croiser. Il doit pas être assis dans une pièce à rien faire non plus. Moi, je pense qu'on devrait profiter de cet événement pour déverser à nous-mêmes cette mission et à tous les gangs cette mission. On appelle tous nos contacts gangsters. On leur dit, voilà, on veut voir qui c'est les meilleurs parmi vous. Le premier qui nous ramène Brandon gagne. J'aime bien. Il gagne une somme de thunes, mais il monte aussi dans notre estime. J'aime bien. S'il a tous les gangs de la ville sur le dos, il va pas s'en sortir. J'ai même envie d'augmenter les chances pour recréer une rivalité parmi eux. Le gang qui gagne peut choisir de priver un gang de cam pendant une journée. Oh, non, une semaine, c'est rien. Ah, une semaine, c'est trop long. Deux jours, c'est beaucoup trop. Trois jours, toujours par trois. Trois jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est trop handicapant ou pas? Non, ça va. Oh, trois jours, ça va. Ils ont déjà eu des rates de cab plus que ça. Ok, bah nickel. Bon, bah j'appelle Berigi, je lui dis qu'il y a un rendez-vous. Alors, comme attends, tous les autres groupes? Deux jours si c'est tous les autres groupes, quand même. Faut pas abuser. Faut même. Non, que... un seul. Non, c'est un seul groupe. Ils peuvent choisir le groupe qui n'aura pas la cab pendant trois jours. Très bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très intelligent, Pape. Je suis fier de toi. Ah, c'est normal, hein, c'est notre papa à nous, hein, c'est lui qui nous a mis au monde. C'est notre pape. Ah, pape. C'est lui. Et oui, il nous a mis au monde. Ouais. Est-ce que tu serais disponible avec tes gars dans 10 minutes? Bien sûr. Nickel, bah je t'envoie une pause dans 10 minutes. Vas-y, va dans Nickel. 10 minutes. Est-ce qu'on les réunirait pas tous en même temps? Bah c'est ce que je vais faire. Nickel. Appelle les GTS, tiens, c'est un numéro. On parle de pape, ça c'est le plus intelligent. J'ai pas les numéros de ces chiens de la casse. T'es disponible dans 10 minutes avec tous tes gars pour un rendez-vous? Ouais, je suis dispo. Ouais. Ok, nickel. Miliana, t'as le numéro de GTS? Ah non, j'ai plus aucun numéro, mon chef, mon téléphone il est... Oh, casse les couilles, bordel!
Quelqu'un a le numéro de GTS ici? Non, pas non, non, non. Non, j'ai pas. Latin Disciple. C'est MOB, MOB, c'est un gang. Ouais, vas-y, je crois, vas-y, donne le numéro. Bah, elle est pas là. Ça me pète les couilles, ça, vraiment. Ok, Amadeo, ça c'est quelqu'un. Niveau 16, les gars. Chaque fois, je l'appelle, mais je sais même pas qui c'est. Bah, sinon, on va faire un tour dans les quartiers, là. Merci, mon Razagoul. Et on s'appelle numéro, tac, ça dure 2 secondes. Ah, mais ça va être le bordel pour se regrouper, donc on va y aller par. On est. Ouais. On va faire des voitures de 4, hein, bah les couilles. Faut aller voir les rouges, ouais, donc vas-y, on va se disperser en quartier. Je fais les groupes là avec Golio, il est pas là. Pétard avec moi, Jordan avec moi, et Milan avec moi. Eddie, Brandon, Jason et Tito ensemble. Allez, on y va. Ça marche. Vous me sillonnez tous les quartiers, vous leur dites qu'il y a du boulot ce soir. Et il est où le rendez-vous? On fait ça rapidement. Le rendez-vous, tu leur prends leur numéro, on envoie une pause. Ok. On évite dans l'endroit, de c'est faux, moi, ça allez, vas-y, viens, Eddie. Ah non, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a? T'as une voiture, Jason, c'est bon? Non, mais attendez, parce que du coup, j'étais pas là. Ah si, il y a la voiture de Babs qui nous a donné. Ok, en gros, là, on va. T'as le numéro des GTS, toi ou pas, Eddie? Non. Nickel. Ok, allez, bah, on va chercher les numéros de tous les gangs, là. Pour faire un gros rendez-vous pour le cas du Brandon. Et t'as appelé qui, là, tonton? Mon chef, il faut que j'y aille. Elle est où, la voiture de Babs qui nous a passé les clés, Brandon? Là. C'est ça, là, tout le monde, là, la clé, normalement. Ouais, celle-là, attends. Non, c'est pas elle. Si, on a la clé, celle-ci. Elle est trop bien, celle-ci. Oh, on prend celle-là, alors. Ah. Qui l'ouvre? En même temps. Arrêtez sur mes morts. Bah, c'est Brandon. Okay. On y va avec Eddie, là, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est pas ce qu'il fait. Ah bah, Eddie, derrière. Passe-moi la bouteille, je vais me piquer. Eddie. Eddie, monte avec eux. Eddie, tu dois être avec nous, je crois. Allez, go. Ah, vas-y, là, la propos. Dis-moi, Eddie, dis-moi. Vas-y, tiens, la bouteille. Passez-lui la bouteille, là, il va se pisser dessus. Passe-moi la bouteille. Tiens, c'est bon, tiens. Ouais, j'ai vu. Je sais pas si Eddie t'avait vu. Ah, mais t'as pas peur, là. Eddie! Faites quoi, là? Bah, on part en mission. Eddie, monte dans leur auto, Golio, monte avec nous, comme ça, s'explique tout. Attends, j'allais chercher mon pétard. Eh bien, le caca, hein. Il a maigri ou pas? Ouais, il a maigri. Putain, il nous faut les pétards, là? Ça va vite, on joue. Non, je crois pas, non, on va se faire un rendez-vous. Non mais c'est tonton, il a toujours besoin de montrer qu'il est supérieur avec un pétard, vous le savez. Non? Oh, moi, ah. Bah non, moi. Moi j'ai mon point de gitan, moi. Mais on parle pas de toi, vous, Eddie. Oh ouais, non, mais je sais. Smut. On parle de ton père. Ah, de tonton. On doit aller voir. Alors là, les gangs. Latin Disciple, c'est bon. Ikidot, c'est bon. Okay. Quelqu'un peut demander trop les bon. Fais-moi un brief, s'il te plaît, mon cousin. Vas-y, faites un brief, s'il vous plaît, censé. Brando, bah, toi, t'es c'est pas simple, en brief. C'est simple. Ah, c'est Brandon. Donc voilà, alors ça te va ou pas, Eddie? Mais je suis con. Mais oui, en gros, t'explique. On va faire un rendez-vous pour s'appeler Brandon. Le premier qui gagne, il remporte une somme et en même temps, il privatise un groupe de 3 ans de drogue. Oh. Voilà, et en gros, on a déjà appelé les Latin Disciples. Là, il faut que ça aille la Colina, je crois. Et là, on va aller à la Colina. Les Maras, c'est fait ou pas? Non, justement, mais je crois qu'il a juste appelé les Latines. Quelqu'un peut donc demander tranquillement. Non, mais pour éviter les répétitions, appelle bah, papa et demande-lui. Ouais, appelle, dire. Bah, c'est ton oncle. Bah, attends, j'appelle Starclaw. Ouais, bah, oui. Ça, on va zérer Colina, zérer Inglewood. C'est bon? Comme ça, on se répète pas. Nickel. Va être plus simple comme ça. Mais je crois que la Colina, il y a que les Maras, non? Oui, je sais plus trop. Oui, il y a que les Maras là-bas. Mais à qui qu'on gang? Vous avez pris un peu d'argent à déposer en banque ou pas? Si jamais. Non. Moi j'ai déjà déposé moi. Bah moi je vais déposer vite fait, j'en ai pour une minute mais pas. On est bon. Et normalement semaine prochaine, je vais pouvoir vous blanchir de l'argent. Ah ouais? Ouais. Comment, on fait une vente aux enchères. Comment? Alors, là actuellement on est en train de survivre énormément de cartes de Pokémon. Oh. Il fallait mettre aux ventes aux enchères. Là je vais au revoir. Ouais mais c'est pour ça là, si là c'est Mission les cousins, ils doivent en attraper là. Bah attends, t'en as là, t'as un booster à montrer. J'avoue, Dito. Non, mais j'avoue, Dito, s'il y a bien quelqu'un qui faut montrer les grappes Pokémon, c'est bien lui. Hein. Ah oui. C'est tonton qui les a, c'est tonton. Tonton, hier, il a voulu la Stinka à 100 000, je lui ai dit, mais t'es fou, toi. Il y avait un rond, tu sais, en bas, là, le truc qui voit rien, là. Ouais. Il a fait ça. Non, mais je veux voir à quoi ça ressemble, là, vos trucs. Bah, c'est vraie carte, en vrai. Bah, je veux vous voir. Ouais, c'est des cartes. Bon expert, quand t'entends, je lui ai dit, regarde, toi, quand des étoiles, c'est. Attends, il y a des boosters qui traînent au camp. Non mais c'est tonton qui ça. Ah ça va avoir bien. Je crois que c'est au LTD. Attends, j'appelle le LTD, je vais demander son pas acheter des boosters.
Mais c'est ouvert là, c'est... il est ouvert, 23h30. Ah, mais moi ce que je voulais faire... Oui, hein. Moi je vais en acheter. Parce que, attendez, hein. Attendez, parce que c'est quel jour qui... où on peut acheter des cartes booster? Oui, bonjour mon petit monsieur, je vous appelle pour savoir est-ce que vous avez des boosters. Hello, parleur. Ah merde, mais c'est où qu'on les achète ces boosters de ces morts? Faut aller au club Pokémon. Mais c'est où? C'est où ça? C'est où ça? C'est où cette merde? C'est vers Little Seoul. Vers Little Seoul? Il y a un numéro, il y a un numéro de quelqu'un? Bah non, justement, j'allais dire il y a Marie, mais si vous avez pas le numéro, ça va être compliqué. Bah vous avez le numéro de Marie? C'est pas ça, elle m'a rassé le côté. Ah, vous l'avez pas? Mais je sais qu'elle, elle vend des boosters, parce que normalement il y a Zigzag aussi, mais il est en vacances. Ok, ok, bah merci, bah je vais. Ok, bah merci. Bah y'a pas de problème. Bah regardez, trouvez-moi des boosters là, j'ai pété un câble. Bah justement, moi, ce que je vous proposer, c'est que le jour où il réouvre pour acheter des cartes boosters, on débarque, on braque tous les boosters, on ramasse tout. Attends, les phares sont allumés hier, je suis pas fou. Mais y'a personne ou quoi? Attends. Ça va mon gâteau? Ah, personne. Mais attends, on dirait que c'est allumé. Mais elle a allumé dans ton... Vas-y. Attends, ça peut la conduire, attends. Ah non. Oui, Babs. Babs. Ça va mon fils? Ça va et toi? Bah oui, ça va, vous faites quoi? Bah, on a tabassé la meuf qui dit que t'as trompé avec Cherclo. Ah bon? Ah bon, vous l'avez tabassé? Qui l'a tabassé? Qui? Bah, Cherclo, papa, il l'a tabassé. Il l'a tabassé où? Bah là, tout à l'heure. Ah ouais? Il l'a tabassé? Bah oui, parce qu'il paraît qu'elle ment. Ah ouais? Ah, t'es sûr qu'elle ment? T'es sûr, mon fils? Comment ça? T'es sûr qu'elle ment, mon fils? Bah, je sais pas, c'est Paps. Si Paps il dit qu'elle ment, c'est qu'elle ment, hein? D'accord, d'accord. Comment ça? Ok, bah on verra, mon fils, on verra. D'accord. Il l'a tabassé, il l'a tabassé encore? Bah ouais, il l'a tabassé. Comment ça encore? Et elle était au camp quand il l'a tabassé? Non, dehors, on est pas fous. On était à deux doigts de la tuer. Ah oui, d'accord. Bah, c'est quand même fou, hein, si elle a menti, c'est grave. Oui, c'est très grave. Elle a voulu détruire une famille, Babs. Ah bah oui, ça c'est sûr, oui, c'est sûr qu'elle a voulu détruire autant de temps de mariage, hein. Bah oui. Ouais, bah oui, c'est sûr. Donc on est déchaîné. Bah oui, c'est sûr, oui. D'accord, mon fils. Bon. Voilà. Je te laisse, je vais parler à... Ouais, vous les gars, tranquille. À très vite, Babs. Oui. T'es pas un marat, toi. Comment que c'est que ça va, ma couille? Ça va, les gars, vous allez bien? Ça va, ça va. T'es un marat ou pas? Bah non, je suis pas du tout en marat, moi. De qui? Irving. Irving, c'est qui ça? Regardez, cosa. Bon. Mort, pas besoin de savoir, ouais. C'est qui? J'ai pas besoin de savoir. Non, mais eux. Pas ça. Mort, non, faut qu'on leur parle juste. C'est juste que ça, c'est notre cousin un peu attardé. Ah, ok, je comprends. Bon, bah tu les cherches aussi, c'est ça? Ça, c'est ma moto, ça. Ouais, je les cherchais, je voulais discuter avec eux. Ok, ok. Bah si tu les trouves, tu me dis, oh putain. On va se mettre, ouais. Y'a les Schmitt, on se barre, on se sépare, monte vite dans la caisse. Monte vite dans la caisse, enculé, t'es mort. Regarde comme il panique. Pascual, regarde comme il panique. Regarde comme il panique. Mais arrêtez, on a rien fait. Ils sont là, les Schmitt. Au fait, attendez, mais pourquoi on se barre? Pourquoi on se barre? Mais pourquoi on se barre? On a rien fait. Bah oui, mais j'ai rien fait, mais tu veux quoi, toi? Il veut quoi, l'autre enculé de ses morts? Bout de pain, allez, c'est bon. Allez, retire ton gilet, soit un homme, retire ton gilet. Retire ton gilet. Je suis pas un homme, je suis une femme déjà. Soit une femme, retire ton gilet. Allez, mange-moi. Se passe quoi là? Le premier qui retire son gilet, je l'encule. Allez! Elle passe quoi là? Mais ils sont partis en bas! Allez, retire le gilet, je t'enculé! Ferme ta gueule, recule! Pardon, tonton, pardon! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'agent? Il y a un problème, monsieur l'agent? Je sais pas, ils ont fait un délai de pute, vous voulez pas s'arrêter? Non, attends, papa, je t'explique! Non, tonton, monsieur l'agent a dit que vous allez faire un délai de pute, excusez-vous, on y va! Oh, excusez-vous, monsieur l'agent, excusez-vous! Ok, on y va! Ça nous convient! Allez, bonne journée! Ah, mais je panique, moi, à chaque fois que je vois des sirènes, c'est plus fort que moi! Trop bizarre d'avoir deux billes d'Harry Potter, sérieux. Bon, les sirènes, ça fait bander dans l'océan. T'es quoi? Les sirènes, ça fait bander dans l'océan. Bah ouais, parce que t'es un pirate et elles arrivent avec leur grosse queue, là. Attends, tu parles de quoi? De quoi ils parlent, Brando? C'est pas, il est sur un sex paro, là. Maman. Ah, oh, le cousin, là, il est... De toute façon, regarde ce que je mets dans la boîte à gants. Quand t'auras le temps, prends-le, quand t'auras le temps, tu le diras. C'est quoi, c'est une dinguerie? Oh, c'est un truc, ça m'a fait péter de rire.
On a failli mourir. Attendez, je lis. Tiens, regarde, lis bien. J'ai rigolé, moi, quand c'est plus ça. Je me suis dit, mais non, il a pas fait ça. Toto, il a signé en plus. Attends, signé Fernandez Menowin. Implique et présent, je suis. Tu reconnais que c'est pouvoir. Bah oui, bah c'est notre cousin attardé. Bah oui, attardé, bah oui. Regarde ce qu'il a mis. Signé Fernandez Menowin. Je souhaite pouvoir. Je suivrai mon frère. Ah. Joie quoi de. Oh, avec il toi. Il fallait une pause, Tito, c'est quelle pause? C'est une dinguerie. Ça, aéroport, derrière les entrepôts, c'est tranquille. Les gars, mais Diego, il a vrillé, on comprend rien. Attends, ça arrive, faut que ça la mette. Pourquoi là. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Bah, on va en rendez-vous, ce qui est pareil, y'a aucun gang là, c'est pas quoi, on a déjà deux gangs, je crois. Y'a déjà deux gangs, ok. Deux gangs, c'est bon, ça fera l'affaire. On s'habille en t'as costard, compris, hein, rendez-vous costard. Il a dit quoi? Il veut faire quoi? Il veut faire de l'illégal avec son frère. Non, mais il l'a mis sur un post-it, ce fils. Mais il l'a mis là, sur un post-it. Mais je vais l'enculer. Et il a dit quoi? Il a dit quoi, Paps? Mais personne sait. En fait, ça t'explique, il y a un SDF, il fait nos poubelles, toi. C'est pour ça que vous l'avez déjà vu, le SDF qui fait nos poubelles. Ouais. Et il arrive, il me fait, tiens, toi, c'est ça, donné. Non, il a trouvé ça dans la poubelle. Et j'ai vu ça. Non. Et c'est trop rigolé, moi. Moi, c'était pété de rire, moi. Mettez-vous en tenue, grosse tenue. Ah, c'est plus que c'est, mais. Ah, c'est bon. Mais c'est trop rigolé, moi. Je vais le donner à Tonton. Non, mais donne pas à Tonton, il va se faire éclater la gueule. Hein. Mais non, mais il va se faire enculer. Ah, mais regarde, il est précieux, regarde. Lilo Brando, même Brando qui est attardé de la famille. Tiens, Brando, tu veux, tiens, dis-le. Ouais. Prends-le. Non, mais partez du principe que dans la famille, ils hésitent entre Shana et lui. Hein. Ok, regarde, là, tu vas, vas-y, là, t'avances. Tonton, il. Et à moi, tu vas pouvoir tourner à droite. Mais je pense que tu connais, mais là, tu vas à droite, là. Mais c'est qui qui écrit ça? Non, mais du tout. Tu mets de l'huile. C'est Bédo, après, oui. On va d'arrêter encore. Là-bas. Si je te dis Diego, voilà. Oh merde, vas-y, récupère le boss. Non, mais c'est dinguerie ce qu'il a fait. Qu'est-ce t'as vu? Il veut partir, c'est ça? Non, mais t'as pas vu. Oh, mais non, j'arrive pas, je comprends rien. C'est trop compliqué quand t'expliques. Il faut un décodeur Canal Plus là. Y'a personne. Attends, on est bien là, non? Ouais, mais on va tourner. Attends, ça c'est la pause de qui ça? Bah, ça c'est la pause pour le rendez-vous. Oui, mais il y a déjà du monde, c'est normalement ou pas? Non. Bah non. C'est nous, on choisit la pause. Okay. J'ai dit, j'ai une pause parce qu'à chaque fois, c'est oui, une galère. Bah c'est bien, c'est une pause de 1992, ça passe. Bah oui, ça passe de ouf. Ça passe. Mais là, t'es tranquille là. Vas-y. De toute façon, toutes les pauses du monde ont été faites. Hein. En même temps, on commence à connaître la map. trois jours, mon cousin, 3 jours. Arrête, mais quoi, c'est non, dans mais les égouts. Je suis égouts. En train de dire qu'on est le continent, arrête, mon copain, mon cousin, mais vous êtes fou, quoi. Arrête, j'ai me trouver dans les égouts, arrête tes conneries. Ah ouais, putain, c'est bon, vrai, c'est vrai, t'es sorti de 3 arrête, jours, toi. Arrête. Pour un truc du même sort. Hein. Et encore. Bon, bref. Bon. Vous avez pris le tabouret, à tonton? Oui, on l'a toujours. De toute façon, chaque voiture du camp a forcément un tabouret pour tonton. Bah oui, c'est pour ça. Ouais. Et vous avez donné la pause à tout le monde. Ça va, t'en voilà. As profité ces 3 jours pour réfléchir alors, bon Tito? Bah, ouais, j'ai réfléchi dans le vent, mais oui, c'est pas. Ça n'est pas à quoi en penser. Ah, y'a pas grand chose à penser. C'est comprendre un truc, faut plus regarder Marvel. Faut que tu fasses attention au ciel éternel. Ouais. Faut plus regarder Marvel. Faut que tu regardes The Boys. C'est ça, regardez. C'est toi le héros. C'était qui ça? C'est quoi ça? Ouais, bah, c'est qui ça? Mais qui passe là? C'est qui est passé là? Bah, je sais pas. De toute façon, on va rien faire de mal, on va juste parler avec des gens. Tranquille, y'a rien. Bah tranquille, c'est une singerie ça. Elle est partie de là, la voiture. C'est les traces de la voiture. Ça, c'est les traces de la voiture, hein. C'est legit ce que j'ai trouvé? Comment que c'est qui va celui-là? Eh, hey, faut fermer hein, quand tu vas quelque part. Hein. Vas-y, mets-toi contre le mur là. D'accord. Mets-toi contre le mur là. D'accord. Mets-toi contre le mur là. Ouais, mais faut fermer quand même, mon pote. Mets-toi contre le mur là. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu une voiture partir, j'ai vu les traces au sol,
Je me suis dit, c'est bizarre. Et puis, bah, je vois que t'as pas fermé, quoi. T'as pas, tu vois. Comment ça, j'ai pas fermé? Bah, la porte de garage, j'ai pas fermé, quoi, c'est ce que je veux dire. En fait. Non? Non, tu vois pas ce que je veux dire. Si, si, je vois bien ce que tu veux dire. Va dans le coffre, là. D'accord. Il y a quand même... Ah, va dans le coffre, discute pas, va dans le coffre, là. Ouais. Vois ton téléphone et ton arme, mon gars. Vas-y, carré. J'ai pas, j'arrive. Bah là, c'est eux, hein. Les autres voient rien, ça me termine. Mais toi, tu veux canner ou quoi? Toi, tu rentres comme ça chez les gens? Bah, faut fermer hein, derrière vous. Hein. Vos copains, mais alors, faut fermer. Moi, je viens dans on ton camp. On va t'allumer ta gueule, tu vois. Ouais. L'enculé de mort, je sais pas où t'habites. Moi, je suis un putain de gitan, je rentre quand c'est ouvert. C'est ton problème. Attends. Tu veux visiter? Tu vas visiter, viens. Ah bah quitte à y être, oui, autant voir. Mais j'ai fait déjà une petite visite, hein, c'était sympa. T'as déjà fait une visite? Bah je me suis permis, quoi, j'ai vu que c'était ouvert. Vas-y, descends. Ouais, c'est bien ça que j'ai visité, oui. Lève tes mains, je vais te fouiller là, vite fait. Hein? Bah quoi? Excusez-moi d'avoir un cerveau et voilà, quoi. Non mais sois pas heureux d'avoir trouvé ça parce que... Mais je suis pas heureux, je sais même pas ce que j'ai trouvé, enculé de tasse. Non mais j'ai l'impression que t'es heureux là. Mais je suis pas heureux, tu vois bien que je sais pas... Là tu t'es mis dans une belle merde là. Mais pourquoi? C'est qu'un garage. Belle merde. Mais c'est qu'un garage. Ouais, c'est qu'un garage. Quoi? Vous faites quoi? Faites quoi? Quoi? Bah vous faites quoi? C'est un garage. Comment ça, on fait quoi? Bah c'est un garage, je vois des voitures. C'est pas le bâtard, tu dois fumer lui là. Jason. Ouais, c'est lui. Hein? Pourquoi? Attends, tiens-le vite fait, tiens-le, j'arrive. Il se passe quoi là? Ta petite meuf là, hein? Il se passe quoi là? Il se passe quoi là? Hein? Ta petite meuf qui a pris des coups de machette là. Mais il se passe quoi là? Tu te souviens ou quoi? Non, mais y'en a pas un qui m'a vu partir. En tout cas, parle là, c'est quoi? J'ai deux balles là! Arrête! J'ai peur! Je sais même pas de quoi tu parles! Regarde-moi là quand j'ai balle là! Hein? Là, on fait comment là? Là, on va te fumer! Là, t'as vu un endroit, il fallait pas regarder. C'est qu'un garage, le sang de tes morts! Là, je vais te fumer, bâtard! C'est qu'un garage! Fils de pute, hein? Il y a de fumée, enculé! Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous cachez? Vous cachez le cuivre? T'es mort. T'as vu? Pourquoi? T'es mort. Pourquoi? Je vais te fumer. C'est bon? Pourquoi? T'as vu? Pourquoi? Ton aventure s'arrête là. Mais t'es pourquoi? J'ai fait quoi? T'es mort. J'ai rentré là où tu fallais pas. T'es mort de A à Z. Fouille-le de A à Z. Hein? T'es mort. Et t'es mort. T'es rentré là où il fallait pas là. Voilà, mais c'est canage! C'est pas qu'un garage, tu le sais très bien. Hein. Mais non, je sais pas, mais vous êtes fous. T'es mort. Je viens de rentrer au moment où je vous ai croisé. Tu vas mourir. On va te fumer. J'ai fait que 10 mètres dans ce garage. On va te fumer, bâtard. Non, y a aucune mort RP, les gars. Tu peux pas... Hein? Ça, tu fais... Hein, je sais même pas de quoi vous parlez. Tu es même pas cordial. Je vous jure, sur le ciel éternel, que je sais même pas de quoi vous parlez. Le ciel, là, tu vas avoir besoin du ciel. Là, tu vas voir, hein? Prie le ciel. Nous, on fait prière, là. Parce que c'est la dernière. Mais qu'est-ce que j'ai découvert? Je comprenais pas. Pour moi, c'est qu'un garage, putain. Ouais, tu as découvert le garage. AliExpress. C'est-à-dire? C'est quoi, ça? Mais tu vas savoir. On va te ramener là-haut, là. Hein? Voilà. Hein? Ça va être bien. Vous voulez que je vous dise au moins comment je l'ai trouvé? Ouais, comment? Bah, en fait... On a rendez-vous juste à côté, à quelques mètres, d'accord? D'ailleurs, il y a le Cherclos juste à côté, ok? Bref, on avait rendez-vous juste à côté avec tous les gangs de la ville pour un truc. Et ils sont juste à côté, vous pouvez aller voir vous-même, ok? Ensuite, j'ai vu votre voiture, et vous partiez. Et moi, je me suis dit, putain, mais quelle voiture? Et là, et nous, on n'avait pas fait gaffe, on est bêtes ou quoi? Parce que, justement, on attendait tous les gangs de la ville. Donc moi, je suis parti juste voir s'il y avait du monde ici. Ensuite, je vois quoi? Je vois des putains de traces de pneus au sol, c'est tout! Et j'ai vu que c'était ouvert! Je suis rentré, je suis un gitan, putain! Mais j'ai rien fait, parce que vous êtes venu littéralement 2 minutes après! Même pas! Putain, on bouge pas, mon gars. Ok, nickel, ok. Bah, si c'est que ça, c'est ressorti. Bon. Rentré avec qui? Bah, je suis ressorti parce que je savais que j'avais rien à faire là! C'est tout, je suis ressorti instantanément! Je suis rentré tout seul, je te jure, je suis rentré tout seul! Sur le ciel éternel!
D'accord. Jure-moi si je suis pas rentré tout seul. Sur la vie de ta mère, là. Sur le ciel éternel que je suis rentré tout seul, ça a duré 30 secondes. Je vous ai vu partir, vous êtes revenu direct. Vous m'avez... Vous savez bien le temps que vous avez mis à partir. Ah, he's dead. You speak English, you tell me. Non, je parle pas, je parle pas français, je parle que anglais, désolé. You speak English, you tell me. Non, je parle que français là, je comprends pas l'anglais. You won't understand. Je comprends pas le français. Jason, je te la fais simple, ok? Ouais. Là, on va fouiller tout notre garage, d'accord? Mais non, mais vous êtes fous. Non, mais écoute, attends, je te la... Non, même mais pas 30 secondes. Ok, ça, c'est de ta vision à toi. Je comprends mais que nous, on n'a pas la même ou pas? Alors, coup, attends, je peux te dire un truc, Andrew, pour te prouver ma bonne foi. Là, ta gueule, Andrew, D'accord, connard. Voilà. Là, on va fouiller le garage. S'il manque quoi que ce soit, ou si on retrouve quelqu'un... Voilà. C'est ciao, bye, bye. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On est d'accord ou pas? Nous, d'accord. Jason, j'entends pas. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou non? Je vais te fermer ma gueule, hein. Non mais là tu peux parler là, on est d'accord sur ça ou pas? Bah oui, mais bien sûr, mais vous êtes fous quoi. Okay. Mais vous croyez que je suis un espion? Vous croyez que je suis Jasmine ou quoi? Je suis un putain de gitan, c'est tout. J'ai un marazel de ses morts. Bientôt là, tu vas bander. Justement, t'es un marazel de ses morts. On sait très bien que vous aimez bien voler vous. Mais j'ai pas le temps. Écoute, Andrew. Ta voiture, on est d'accord que t'as fait un petit aller-retour l'espace de quoi? 8 minutes peut-être? Ouais. Voilà, c'est rapide, hein. Ça suffit pour que quelqu'un se cache ici, tu vois pas comment c'est grand. Mais j'aurais pas eu le temps de réfléchir à tout ça, Andrew. Réfléchir en deux minutes, putain. Eh ben, ça se peut que t'es rentré à deux, vous êtes peut-être rentré à deux, tu vois ce que Exactement. Je veux dire? C'est-à-dire, là, c'est pour ça que je t'explique. Fouillez, je vous assure. Que si on fouille et qu'on trouve quelqu'un, je le fume. Tu trouveras personne. Ça, voilà. Par contre, ok, bah voilà, bah c'est moi, là. Je vais les enculer, la famille. Toi, danser, les gars, voler, je vais les enculer, la famille. Dépêche-toi, là. Quoi? Faut pas danser. Je sais pas danser, putain. C'est pas bon. Dépêche-toi, là. Je sais pas danser. Montre-moi comment danser, montre-moi. Voilà, Nuka, voilà. Voler, c'est pas bon. Ah, je sais pas faire ça, moi. Dépêche-toi, je t'ai dit là. Ok. Voilà, okay. Et tu chantes en même temps là. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Allez, Voler, c'est pas bon. Voilà, nickel. Voler, c'est pas bon. Tu vas voler? Est-ce que tu vas revoler en temps? Mais non, mais j'ai jamais volé, mais vous êtes pas là ou quoi? Salon, hein? Tu vas revoler ou pas? Mais j'ai jamais volé déjà de base, enfant de putain! Sinon, enfant de putain! J'ai demandé! Tu vas te jeter. C'est un réflexe! Salaud. Tu sais très bien que je peux pas m'empêcher! Danse là, chante là, voler c'est pas bon! Voler c'est pas bon! Salaud là! Voler c'est pas bon! Voilà! Ok, je viens de trouver une musique aussi à chanter! Ok, vas-y, chante! Fermez les portes, c'est bien! Attends, tu te fous de ma gueule en plus là? Non, jamais, j'oserais! Vas-y, un mot, j'y sais, je mets pas dans la jambe. Ah hein ah hein, tu m'as goûté du 7,62 dans le buffet, dans le bus. Arrêtez. Hein, un kilo. Arrêtez, sur le ciel éternel. C'est éternel, hein, tu vas voir. Continue à prier. T'es content, t'as rendu visite à notre concessionnaire, là? Bah, vous êtes un garage ou vous êtes quoi, alors? Un concessionnaire, garage, on est tout. Ma location. Et ben, alors, pourquoi vous voulez me tuer si c'est qu'une location? Tu veux louer une voiture? Mais non, mais vous vous comportez comme si vous aviez une sorte de truc de mafieux à garder. C'est bizarre, ça fait peur. Est-ce que t'aimerais bien que je rentre chez toi, là, dans ton camp, dans ta caravane? Mais je savais pas que c'était chez toi. Je savais pas. Sinon, je serais pas rentré. C'est tout le monde ne savait pas. On ne peut pas connaître, à chaque fois. Hein? Non, c'est pas moi. On ne peut pas connaître. Je sais pas où je suis allé. Hein? Sur le ciel éternel que je savais pas. Tu sais très bien, pour rentrer dans une propriété, il y a des risques. Hein? Vu que là, on est en Amérique. Tu sais qu'on peut te buter, là, propriété privée. Bas dans la tête, n'a pas. Ouais. Ok. Tu captes ou pas? Ok. Il n'y a rien, vraiment. Je suis le seul. Il y a tous mes abrutis de famille de merde qui savent même pas que je suis rentré ici. Personne ne sait et personne m'a vu rentrer ici. Je suis le seul à savoir pour ce garage. Vous le voyez bien, sinon ça serait déjà rentré, ça aurait toqué. En mode passe, je vais rien fouiller, je vais juste voir si t'as pas dit une info, je sais pas. Mais non, mais vous êtes fou. Ok, c'est quoi ton code? On n'est pas fou, on prend les précautions. 45-45 représente, tu connais. T'inquiète pas, on va pas regarder tes... Je m'en fous, mais tu peux regarder, j'ai rien à cacher, moi je suis un barazel, celui qui a un problème, oui, j'ai baissé. Mais nous on s'en fout. On regarde pas les problèmes des autres. Vraiment, je crois que vous avez pas idée des timings. Par contre, vraiment, faut fermer les portes quand vous faites des trucs comme ça.
Oui, moi je vais fermer ta gueule. D'accord. Hein, vu qu'on doit fermer les portes, non, hein, pas, je vais pas, fermer pas, ta gueule. Hein. Il a rien envoyé, il a rien envoyé. Mais non, mais je vous le dis, je suis le seul, je suis le seul. Après, personne m'a vu rentrer, je suis le seul. Je suis le seul, je suis le seul. Voilà, je vous le dis, je suis le seul. Ok, super alors. Hein. Si c'est ça, hein, on est copains, hein, oui. On est amis. Ah, hein. Moi je vous ai toujours bien aimé. Hein. De te niquer, salaud. Ah non, mais j'ai jamais rien eu contre vous, hein. Vous savez que même quand j'ai enculé l'autre mange-mort de Andrew, je l'aimais bien quand même. Même ta femme, hein? Quoi? Même ta femme? Bah bien sûr que j'aime bien, puis elle a un cul énorme comme ça. Là, ouf, je te le... Bah tu vois, Béva? D'accord, on va ça. Tu parles de ta femme, toi? Mais non, mais elle est magnifique, ma femme. Attends, t'es en train de dire que ta femme, c'est une salope, hein? Mais non! C'est ça que t'es en train de dire, tu respectes pas ta femme? Bah non, parce qu'elle partage pas, elle partage pas! Bah, j'espère bien qu'elle partage ça. Comment, là? J'espère bien. Bah, ah, rien, rien du tout. Ils ont bien vu que vraiment en une minute on a le temps de rien faire. Okay. Quoi. Ouais, mais par contre, ouais, j'imagine. Moi, pour moi, c'est qu'un garage. Je sais même pas ce que vous cachez. Pourquoi vous réagissez comme ça, putain? Écoute, tu serais bien que c'est dans notre garage. C'est pas qu'un garage. Arrête de nous prendre pour des trous du cul. Tu serais bien. Ok. Vous voulez des voitures? Vous carjackez l'auto? Jason. Grand arrête ça. Jason, arrête ça. Arrête d'être con. Hein cool. Arrête d'être con. Parce que là, je t'explique là, la situation là. Voilà. Là, ta curiosité là, elle peut t'emmener à la mort. C'est-à-dire, prends pas ça à la légère. Là, on va prendre. Là, on a une décision à prendre. Soit on te fume, mais voilà, tu restes avec cette information à tout jamais. Soit on voit ce qu'on fait. C'est ça. Du coup, arrête. Écoute, de prendre cette situation à la légère. Je prends rien à la légère là, par contre. Sur le ciel éternel que je prends rien à la légère. Moi, je vais vous dire juste, j'ai vu une voiture. Vous avez les vitres teintées, c'était impossible de prédire qu'il y avait dans cette putain de voiture. Encore moins toi, Andrew. J'ai regardé, j'ai vu des traces de pneus au sol. Bah, j'ai vu que c'était ouvert, c'est tout. Je suis rentré, ça avait pas duré 30 secondes. J'ai vu que c'était un grand garage, je suis ressorti, vous êtes arrivé, c'est tout. Donc, je prends rien à la légère. Après, j'avoue... Non, je vais rien dire. Je voulais sortir. Mais non, mais j'avoue qu'il faut fermer les portes quand vous partez, putain. Non, t'allais pas dire ça. Non, t'allais pas dire ça. Je vous jure que si sur le site internet. Comment ça parlait là? Mais non, mais c'est ce que j'allais dire. Fermez ces putains de portes, s'il vous plaît. Attends, tu penses qu'on tire à blanc ici? Mais non, mais j'ai jamais dit ça, mais non. Hein? Tu pensais à blanc ça, salaud? Hein? La prochaine là, c'est dans ta tête là, salaud. Comment ça parlait là? T'avais dit quoi? Rien. T'allais dire rien. Quoi? Je suis le seul. Personne. J'ai que des appels en absence depuis tout à l'heure. Vous pouvez regarder mon téléphone. Personne ne m'a vu rentrer. Personne ne sait rien, Jason. À part moi. Qu'est-ce que vous voulez de plus en caution? Écoute, Jason. T'as vu, on va se mettre d'accord de quelque chose là tout de suite. Entre toi et nous. Et prends vraiment ça au sérieux. Là, comme je t'ai dit, il y a deux options. Ou soit on te fume ici, c'est terminé. Ciao, Jason meurt avec son information. Ou soit on part sur un truc où. On te fait confiance, tu gardes cette information pour toi. Je t'explique ce qui va se passer. Hein. Ouais. Tu le répètes à ta famille ou à qui que ce soit, je te tue. Je te tue. Tu es mort. Sois bien clair sur ça. Fini. Jason, fini. Mort. Je t'attrape. On t'attrape, on te fume. Et on parle même pas avec toi. Il n'y aura vraiment aucune négociation possible, il n'y aura rien du tout. Là, si tu sors en vie, là, maintenant... C'est sous cette condition. Sinon, on te fume maintenant. Et comprends bien ce que je te dis, Jason. J'ai bien compris. On soit bien clair sur ça. Le contrat qui est entre toi et moi pour la deuxième option, c'est que tu ne parles à personne. Et si tu le fais, on te fume. Andrew, qu'est-ce que t'en dis? Andrew. Non, je t'écoute. Je suis d'accord avec toi et ça me paraît correct. Mais j'ai aussi, au moins pour l'erreur que vous avez faite, un tout petit truc à te stipuler. Juste, dis-moi. Tu peux refuser, il n'y a pas de souci, je suis pas dans les tâches, je peux rien, voilà. Juste, dorénavant et tout ce qui se passera à l'avenir, tu laisses juste ma femme en dehors de tout ça. Tu la prends pas, c'est celle avec qui t'as mis des coups de machette. Si tu me promets de laisser ma femme en dehors de toutes les histoires à venir avec les Barazel, on peut s'en prendre, toi et moi, tu sais très bien que toi et moi, on va se faire des trucs, on va se faire du mal, on rigolera peut-être, j'en sais rien, d'accord? Mais juste, à l'avenir, tu fais plus ce que t'as refait. Ça, c'est juste pour l'erreur que vous avez fait. C'est tout ce que je demande, t'es pas obligé d'accepter, évidemment, je suis pas en position, de toute façon. Alors,
que t'es en train de proposer, c'est que s'il y a un conflit entre vous et nous, qu'on laisse ta femme en dehors de tout ça. Ouais. Est-ce que ta femme, elle va se mêler dans ces conflits-là? Est-ce qu'un jour... Mais c'est jamais mêlé, moi... c'est jamais mêlé, Andrew, tu l'as jamais vu. Je sais pas. Est-ce que moi, un jour, je suis là, je marche, et toi, non. Elle vient, elle donne un go? Non, je me garantirais qu'elle le fasse pas, ok? Ok. Elle est concernée par vos affaires ou pas, ta femme? Elle est concernée, mais elle est jamais là, vous l'avez jamais vue. Elle est jamais dans les grosses réunions. Et on va pas envoyer nos femmes. Ouais, mais il y a un moment, elle sera là. Il y a un moment, elle sera en voiture. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. On en reparlera à ce moment-là, non? Eh, baisse un ton déjà. Baisse un ton là-bas. Je te fume ta gueule de con, là. Ok? Bavez-moi chier. Hein? Ok. Parce que là, tu parles avec Andrew et tout. Hein? Moi, j'y sais, nous qu'à bouser la semaine, ok? Vous avez mon numéro. Vous pouvez me joindre. S'il y a quoi que ce soit avec elle, je veux juste qu'on en parle avant, ok? Et je me garantirai à ce qu'elle soit pas dans les coups fourrés. Qu'elle soit dite de ce go à votre égard, dit rien. Mais derrière, vous la prenez pas pour lui foutre des coups de machette. Mis à part ça, est-ce que oui, t'as compris la deuxième option ou pas? J'ai compris. Explique-la moi, qu'on soit clair, je veux que on est vraiment, vraiment corda sur ça. Putain, j'ai eu peur. Écoute, je dis rien, d'accord, c'est mon petit secret à moi. Je ferme ma gueule et c'est tout. Sinon, ça va partir en couille. Non, c'est même pas que ça va partir en couille, Jason. Comprends-le. Mort, ça ne va pas mort, partir en couille. Mort. Je t'attrape, je te tue. Je ne perds pas de temps avec toi. Je m'explique même pas avec Charclo. Je demande même pas quelque chose en dédommagement. Il y a même pas quoi que ce soit. Là, même le milliard. Tu me donnes le milliard, je le prends pas. Je te trouve, je te tue. J'ai compris. Et ça sera mon seul et unique objectif. Je suis à Barazel, moi, je veux qu'on est bien d'accord sur ça. Mais je suis pas con, on est bien d'accord. Mais ok. Comme ça. S'il se passe une dinguerie que t'es parlé à quelqu'un, je veux pas t'entendre me dire Andrew, ouais, mais non, on est d'accord, tu parles tes morts, c'est-à-dire là t'es même pas obligé de parler. Ah, y a rien qui va t'en empêcher là. Là, si tu sors, y a personne qui va te dire, je sais pas, tu peux dire ce qui t'est arrivé une dinguerie, peu importe, mais y a personne qui peut te deviner cette information, on est d'accord. Bah, tu m'as dit que t'étais seul. Bah, si vous êtes plus discret que ça à l'avenir, oui. Non mais parle pas de l'avenir et tout ça. Là je te parle dans maintenant, dans l'instant. Non, mais Andrew, tu... Hé, le sang de mes morts, je crois que vous me connaissez pas. Hein. Moi j'ai qu'une parole, d'accord. Les Barazel ont qu'une parole, on a qu'un honneur. Moi, si j'accepte... Ah oh putain, j'ai encore eu peur avec sa batte. J'ai eu peur avec la machette. Moi, si je te dis que je dis rien, c'est que je dirai rien, c'est tout. Écoute, si tu me dis que tu dis rien, et moi que je te préviens que si tu parles, t'es mort... Le jour où il se passe ce qui doit se passer, j'entendrai pas tes explications et ce sera expéditif. Qu'on soit bien d'accord sur ça. Par contre, tu me garantis pour ce que je t'ai dit. Ouais. On touchera pas à ta femme. Voilà. T'as mon numéro de toute façon, d'accord? S'il y a le moindre doute ou autre, avant d'essayer de me faire les fesses, tu m'appelles. Qu'on discute quand même. Il y aura pas de raison, ok? Ok. Vas-y. Ah bah écoute, on va sortir d'ici. Bah là, il y a une réunion, je m'imagine. Faut me déposer loin discrètement là, parce que sinon c'est la merde, hein, vous allez te craver. Hein. Je pense pas qu'il... Est-ce que tu veux que je les appelle ou pas? Je dis que je suis parti à la nage. Comment ça, à la nage? Mais j'en sais rien pour justifier le fait que je suis pas là avec eux. Je sais pas dire qui ne sait vient. Là, tu devais faire quoi après là? T'avais un truc de prévu ou pas? J'avais une réunion avec plusieurs gangs, ouais. Oui, mais après ça, là, t'avais un truc de prévu ou pas? Bah non. Mais là, tout le monde m'appelle, hein, ils se demandent où je suis. On leur dit de bouger de la peau? Non, même pas, c'est de cramer, c'est leur dit. Non, mais vous voulez que je l'appelle pour savoir s'ils ont fini? Je leur dis que je suis rentré au camp tranquillement, c'est tout. Je mets le haut-parleur. Ça vous va? Attends. Eh, Andrew, pose quoi là? Ouais, vas-y, trouve une excuse de merde. Je peux sortir mon téléphone, s'il vous plaît? Vas-y, haut-parleur. Dans tous les cas, ça... Aïe, fais gaffe. Bah là, ils ont pas été... Là, les gars, c'est eux, hein, la dinguerie. Hein. Mais c'est bien, ça rajoute du RP. Mais là, c'est eux, la dinguerie. Hein. Ça décroche pas, hein. Je vais essayer de rappeler.
Schmitt, je peux pas, mon fils. Attends, pap, s'il te plaît, c'est important. T'es où là? Bah, il y a les Schmitt là qui font une descente, ils veulent m'embarquer là. Et ouais, mais t'es où? Vous avez fini la réunion? Vous avez tout fait? Non, ouais, tout ça, ça a été fait, ouais. Ok, j'arrive, je suis au bord de la plage, ok? Tu t'es fait péter, race de mort. Non, je me suis pas fait péter, j'avais besoin de rentrer parce que j'ai reçu un appel bizarre. Ok. D'accord. Donc j'étais au camp et vous avez mis trop de temps et je suis parti à la plage après. Ok. Bon, attends, parce qu'il y a les Schmitt là, ils m'embarquent là. Vas-y, bon courage, mon paps. Tu t'es fait péter, race de mort. C'est-à-dire, ils ont bougé là de la pause? Ouais, normalement, oui. Il m'a dit, il est au camp, il y a les Schmitt. Ok. Envoyez quelqu'un et puis voilà. Déposer. Attends, je vais confirmer avec mon frère si vous m'autorisez. Au pire. Vas-y. Vraiment, j'insiste, faut fermer derrière vous. Allô? Oui, comment tu vas, mon Brandon? Je vais t'allumer, sale enfoiré. T'es où? Je t'essaie de t'appeler, j'ai pensé au pire. Non. En fait, je t'explique. Petit pas que je me suis éloigné un petit peu, j'ai eu un appel anonyme. Ouais. Il y a quelqu'un, tu vois, il arrive, il me fait des menaces de mort. Je lui dis, vas-y, je te donne rendez-vous en face du camp, je vais se castade, je vais t'enculer, t'es mort. Je vais en face du camp, je lui encule, c'est mort. Et après, là, je suis sur la plage. Ok, cool. Donc, j'arrive. Ok, tout de suite. J'ai vraiment une famille de trous de balle, putain. C'est bien, ça. Oh là là. Bon, c'est bon, il n'y a plus personne. Ça que ça passe, c'est... Oui, non, c'est... Non, vraiment. Vas-y, viens, dépose. Je vous assure que vous risquez rien du tout avec ce que vous venez d'entendre. Vas-y, nous, avec Blake, on va rester là. Je vais dans le coffre. Vas-y. Monte à l'arrière. Vous voulez pas que j'aille dans le coffre, plutôt? Non, c'est bon. Non, je peux pas. Attendez, je peux pas. Fais le tour, il y a de la place devant. Non, mais vraiment, attends. J'insiste, c'est bon. Ok. C'est bon, je confirme, il n'y a pas l'air d'avoir gros mot. Ok. Ah là, vous allez nous fatiguer, vous, hein. Pourquoi? Attends, pourquoi? Pourquoi? Hey, tu parles à qui, là? Bah, je veux pourquoi. Fouiller partout, tout ça, là. Okay, mais je fouille pas partout. Là, tu sais pas que je vois une voiture, moi, je fais quoi? Je vois un garage ouvert, je rentre. Je me dis, y'a peut-être du cuivre. Peut-être du cuivre, hein. Bah oui, mais y'avait pas de cuivre. Du coup, on va te déposer à la plage. C'était où déjà le rendez-vous là qu'il avait mis? C'était ici, c'est ça? Ouais, dépose-moi à la plage. Je vais en sortir. Je vais y aller au vélo. Ouais, ma petite chérie. Ah, ça va? Y a tout le monde qui s'inquiète pour toi? Tout va bien, ma petite sœur chérie. T'inquiète pas, je suis à la plage là. D'accord, okay, j'arrive. Ok, c'est sûr? D'accord, oui. Bon, fais attention à toi. Hein. Oui, bah, allez, vas-y, bonsoir. À plus tard. Okay, à tout à l'heure. Oui, bonsoir, monsieur, ça va? Vous avez vu la vitesse, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a là? Mangement, il veut qu'on s'encule! Excusez-nous, excusez-nous! On va commencer à lever le main, je l'ai. Allez, Tyson, réponds-lui, sinon là, allez, je vais l'enculer. Allez, Tyson, retire ton gilet, je te baisse ta mère. Allez, au revoir! Oh là, mais carrément, je me mets tout nu. Carrément. Bagarre de gitan. Vas-y, viens maintenant! Allez, c'est bon! Allez, enfant de putain! Allez, défends-toi! Allez, Tyson! Pour tout ce que t'as fait! Allez, Tyson! C'est parti! Je vais t'enculer! C'est moi, je vais te dire, regarde la gauche! Je vais t'enculer, enfant de putain! Tu vas venir à la gauche? Aïe! Espèce de mangement, je vais t'enculer! Tu sais, donc, tu vas prendre. Aïe! Tu fermes ta gueule! Oh, tu fermes ta gueule, sale traite de la famille! T'es un putain de traite, toi! Alors, comme ça, il est Schmitt, le Tyson! Enfant de putain! Ah là! C'est bon, Tyson. J'envoie un cœur, je fais du shadow. C'est bon. Stop, c'est bon. Allez, rapide, on y va. Attends, il m'attend un cœur. Oh, t'es réveillé? Remarche pas sur la gueule, enfant de putain, je vais t'enculer. Ça va, il respire encore. On va se revoir, je te demande. Allez, vous faire enculer! J'ai la famille la moins brain au monde, les gars. J'ai la famille la moins brain au monde. Mais là, faut que je la joue fine.
Parce que les gars, la pose de leur truc, c'est une info de zinzin. Et en plus, je l'ai trouvé, mais genre en mode trop smart, avec les traces de pneus et tout. Je vais devoir rien dire, mais putain, j'espère qu'ils vont être intelligents et se poser des questions, quoi. Juste ça, en fait, tu vois. Je vais essayer de la jouer un peu... en mode, ouais, non, 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 tout va bien, tu vois. Merci bébé J Kingdom pour le 18e mois. Merci bébé Petit Poney pour le 79e mois. Merci bébé Sankou. Non, non, je vais rien dire, les gars, mais je vais rien dire. Je tiens la vie de mon perso, les frères. Mais en fait, je suis juste dégoûté que personne n'ait eu l'intelligence de faire quoi que ce soit. En fait, c'est juste ça. Mais ils m'ont vu partir, mais ouais, ils ont 10 de QI, les gars. C'est une dinguerie ce que j'ai trouvé. Oui, bah, c'est quoi, ça va? Oh, tu m'as fait peur. Oh, t'as fait peur? Ouais. C'est vrai que j'ai couru. Mais ça... Parce que. Il y avait une voiture, t'es parti, et t'as pas vu. Et après, Goulou a dit non, on s'en fout, on verra va, après. Ça va. Ça va, t'inquiète pas, mon frère, tout va bien. Tout va bien. Ouais. Bon, alors, c'est quoi la suite? Bah, ils ont donné des filles au gang. Ils ont donné quoi? Et puis, le défi au gang. Ouais, et nous, on fait quoi alors? Bah là, on attend, là, il y a Paps qui s'est fait embarquer par les flics, ils sont venus là, pour aller chercher. Ok. Pour aller dans le nord, et puis bah là, bah. On attend. Il reste parti à l'hôpital parce qu'on a fait une rixe avec la police. Une rixe, pardon. Nous bagarrer avec vous la police. Vous êtes battu ou quoi? Sur le lieu de rendez-vous? Non, là, là. Devant okay. le camp. Ok, ça s'est bien passé le rendez-vous? Avec les flics? Ouais. Non, à voir. Avec les gangs. Ah oh ouais. Bon, tant mieux, je suis content. Et toi, t'as fait quoi de beau, alors? Oh, rien. J'ai reçu un appel, et voilà, quoi, je me suis juste battu, y'a rien de grave. T'es battu contre qui? Tu veux que je lui pète la gueule, moi? Non, c'est bon, tout va bien. Je lui ai cassé la gueule, j'ai cassé du coup, t'as des poux, quoi? Je les barrave sur mes bords, C'est bon, je les barrave, tout va bien. Allez, viens, on bouge. Allez, gars, Marie. On va où? Ah, on a plus la voiture de Bams. Bah si, elle est là. Mais non, mais quand il a dit la voiture, c'était pas celle-là, elle est là, la voiture. Non, là, c'était là, pas la mort pour tout le monde. Ah mais non, mais là, ils ont fait... En fait, faut vraiment comprendre que de pas fermer la porte, c'est une dinguerie. Ah, vas-y, viens. On a besoin de s'aérer. T'es sûr que c'est elle? Oui, c'est vrai. Ouais. Balignon. Allez, vas-y, j'ai besoin de décompresser. En attendant, on fait quoi, alors? On est libre de nos activités? Bah, je sais pas, à tout moment on peut se faire appeler, okay, je pense. Okay. Et ouais, pour le moment on a pas d'or particulier. Y'a Pétard et Théo qui sont allés à l'hôpital, c'est pas à l'hôpital. Je fais genre j'ai un comportement bizarre, mais. Putain, mais ça pète, chiotte alors! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai comme des feux d'artifice dans mes oreilles, c'est trop chiant. En fait, c'est pas normal, mais bon, de quoi? Allez, regardez chez eux, c'est une dinguerie aussi. Les gars, va falloir comprendre un truc. Frérot, dans GTA, y a rien qui stipule que c'est une planque ou autre. D'accord? Il y avait des traces de pneus en face d'un garage, donc c'est que la voiture était sortie de là. Frère, si tu fermes pas et que tu laisses n'importe qui rentrer dans ton garage, faut pas s'étonner si ta planque tombe, sois pas bête, zbi. Donc, c'est... Là, si j'étais un flic, ils étaient tous morts. C'est leur problème. Ne pas faire... C'est pour ça que j'ai insisté sur la scène et j'ai dit, mais fermez. Là, c'était un flic, ils étaient morts. C'était un Riz ou je sais pas quoi, ils étaient morts. C'était un autre membre d'un gang et ils auraient pas fait demi-tour, ils étaient morts. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Soyez pas bêtes, je suis pas rentré chez les autres, c'est un putain de garage ouvert. Si c'est ouvert, c'est qu'on peut rentrer. C'est ça en fait le problème. Donc, non, mais arrêtez de parler de mort RP. Les gars, en fait, vous pensez trop, on peut distribuer des morts RP pour rien. Les gars, vous êtes des baisers. Tu vas pas mort RP quelqu'un parce qu'il a trouvé une information, parce que eux n'ont pas été assez vifs. Les gars, ils ont pas fermé, wesh. Frère, quand t'as une planque comme ça, tu fermes. Jamais de la vie, tu laisses ouvert. Heureusement, ils ont fait demi-tour. Et heureusement, je suis sorti à ce moment-là.
C'est une dinguerie ce qu'ils ont fait, les gars. Faut vraiment s'en rendre compte, hein. Il y avait Riz, ils étaient tous morts RP, c'était fini. Je vous le dis. Heureusement que c'est moi qui suis tombé dessus et que je la joue RP de ouf. Je vous le dis, vraiment. Je pense qu'ils soient heureux que ça soit moi qui soit tombé dessus. Vraiment. Oui, mais là, si tu parles, tu meurs. Et alors ? J'ai l'info qui pourrait tous les faire tomber. Fini. Mais je vais pas parler parce que je vais jouer mon RP, j'ai pas envie de mourir. Oh, je vais pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère ? Bah, je réfléchis, là. Tu réfléchis à quoi ? Monsieur ? Santos. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, il y a des trucs, tu vois. Une vie pour une orga totale, en vrai, ça joue. Bah, bien sûr. Et si je veux, je vais pas le jouer, parce que les gars, je viens d'arriver, j'aime le projet, c'est mon début de projet et tout. Mais c'est une dinguerie, les gars, mais oh... Non, frère, c'est pas... Et là, tu peux pas me dire, oui, mais Master P, il y a même pas de Master P, c'est un garage perdu dans une zone connue, en fait, de rendez-vous. C'est une dinguerie qu'ils aient pas fermé, hein. C'est pour ça que j'ai insisté dessus, hein. Je mets un peu d'essence, ok. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on se fasse un petit braco, là? On a pas le droit d'aller dans le nord. Pourquoi? Bah, je te rappelle que les Mayans, ils ont genre des interdictions d'activités dans le nord. Même nous? Tout le monde. Et s'ils nous pincent à faire ça, on est foutus. Sache que ça ferme tout seul derrière eux. Non, 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 c'est quelqu'un qui a laissé ouvert. Y a pas de ça ferme tout seul derrière eux. Quand le cadenas est toujours verrouillé, tu sors, c'est verrouillé. Là, c'était juste déverrouillé, en fait, littéralement. C'est censé être fermé, mais c'est comme ça. Bah oui, mais c'est le RP, les frères. Quoi qu'il arrive, tu fais avec les bugs, tu fais avec tout. Non, non, mais je n'ai rien reproché. Alors, attendez, les gars, parce que je vous connais, vous. Des fois, vous êtes un peu des trous de balles. Les gars, j'ai rien reproché au Baby Driver ou à Andrew. C'est juste, là, ce qui s'est passé, c'est une dinguerie. Moi, je vais la jouer RP, ils peuvent être sereins. Mais si n'importe quel flic au monde était tombé dessus, ils étaient morts. Et même si je veux la jouer... Je peux les faire tomber avec ce truc. Je vais pas le faire. Parce que je vais la jouer vraiment RP. Soyez pas bêtes. Ils ont fait de l'AD. Mais ils avaient ouvert pour un de leurs gars. Ils avaient pas la clé. Ça date que c'est ouvert. Mais oui, mais c'est grave. C'est une dingue, ce frère. Tu vois ou pas? Donc c'est pas un bug, les gars. Ça rien de remettre sur les bugs. Et dans GTA, y a pas de bug. Tu fais avec quoi qu'il arrive. Quand bien même, c'est pas un bug. Donc tu vois, c'est pour dire. Ils ont eux-mêmes avoué qu'ils avaient laissé ouvert. Mais c'est une dinguerie, ça. Et les traces de pneus, ça m'a mis sur la piste, en fait. Oui, ils le savent, ça. Bah oui. Mais les gars, vous inquiétez pas, je vais pas niquer leur projet, les gars, soyez pas bêtes. Moi, je vais la jouer RP comme il faut, ça va être propre. Je vais laisser des énigmes parce que j'ai disparu. Brandon ? Ouais ? Les gens se sont vraiment inquiétés que j'ai disparu ou pas ? Bah, avec Pétard, on voulait aller. Et puis, le problème, c'est que vu qu'ils sont tous arrivés, Golo a dit, on verra ça après. Vous voulez aller où ? Hein ? Vous voulez aller où ? Bah Pétard il a dit je crois qu'il est parti par là. Et en fait on a regardé un peu à droite. Et j'ai essayé non, de voir. Je suis rentré au camp, je suis rentré au camp. Et après en fait j'ai longé les murs de tout le bâtiment en me disant mais il est où ? On a cherché tous les remorques et tout. Je suis rentré au camp parce que j'ai eu un appel. Et j'ai pris mon vélo vite fait. Et je suis rentré au camp dès que j'avais un peu d'avance, tu vois. Okay. Et j'aurais dû prévenir, c'est ma faute. C'est ma faute, mais le problème c'est que après j'ai pas pu décrocher parce que j'ai du castagne, j'ai du les braves. Tu aurais mis une salle de phalange, j'espère. Bien ouais, comme bah il faut. Bien sûr, hein. Mais Brando, tu me connais. Ouais, oui, c'est pour ça. Les autres chats, ce sont des matrixés. Mais non, mais les gars, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les gars. Je l'ai trouvé de manière. Il n'y a rien de plus legit. Tu regardes ma vidéo, c'est une singerie, frère. Merci, merci Carafra. Merci pour le 8e mois. Merci Rastachip. Là, les gars, Merci Jimouli pour le 73e mois. Justement, en vrai de vrai, qu'ils soient heureux que ce soit moi. Hein, vraiment, pour le coup, je pense. Qu'il soit vraiment heureux que ce soit moi. Il y a une règle qui stipule que tu peux pas. Après, le 4 B-Boy est plus complexe juste donc parce ouais, qu'il y a le indices. Truc, il faudra qu'on fasse voiture, pour faire du trace au sol. Point. Ça s'arrête là. J'ai pas fait l'aventurier, frérot. Quoi ? Pour faire de l'argent, vu qu'on peut plus faire braco dans le nord, faut qu'on fasse des conteneurs, ça rapporte v'là la thune. On y va là, vas-y, mets-les-moi. Mais j'ai rien, non, mais j'ai pas de disqueuse, faut plein de trucs, faut demander à Eddie et tout, mais. Il y a tout le monde qui est split. Et ils sont où les autres ? Il faut quoi ? Il y en a qui sont partis à l'hôpital, il y en a qui sont allés avec Cher Clo pour son truc là. Sont quoi que... Ah oui, putain, tu veux qu'on gagne ou pas non. Vas-y, appelle quelqu'un, demande s'il y a quelque chose à faire. Vas-y, je te laisse faire. Merci Billy Boy. Je vais appeler Pétard, voir ce qu'il fait. Il a trouvé random. Ah mais non, mais moi j'ai. Je suis irréprochable. Sincèrement, je suis irréprochable. Ça va, Pétard, il y a quoi à faire là, Pétard?
Donc laissez les gens parler, on s'en bat les couilles. Je le brandonne, mais j'attends qu'on m'ouvre pour que je récupère un pétard, parce que on a cru l'apercevoir quelque part, mais le problème c'est que comme ils sont au rendez-vous quelque part, bah y'a personne pour ouvrir les clés, tu vois. Ah, ouais, putain, mais c'est pour ça que ça casse les couilles, faut laisser ouvert. Et ça je l'ai dit, ouais, c'est pour ça je faut laisser ouvert la caravane. Ou... Non, bah non, si laisse ouvert, t'imagines, on nous vole tous nos pétards. Ouais, par contre, on passe contre dedans, on va les garder chacun. Non, mais y'a un coffre. Oui, voilà. Non, ah non, mais c'est ce truc-là, je l'ai, les clés de la caravane, de la salle des réunions. Bah c'est non. Pas ça que j'ai pas les clés, c'est le... Ah ouais, ah, ouais, parce qu'ils ont, ah, oui, ont pas distribué, ouais. J'ai pas encore récupéré, tu vois, c'est pour ça, en fait, voilà. On est au camp, t'es où, là? Là, je suis au LSQ Storm. Il y a des streamers... Ok, bon, t'attends au camp, t'as des disques, des trucs, on va se faire des petits conteneurs. Mais moi, j'ai déjà fait ça tout le début de soirée. Donc là, j'aimerais bien essayer de, tu vois, de choper le poisson que je dois choper. Sinon, t'as des disques, des trucs, des machins, pour qu'on puisse aller en faire vite fait, nous? Attends, laisse-moi regarder. Elles sont où mes disqueuses? J'en avais deux. Je les ai plus. Bon, c'est pas grave, mon tarpé. Mais putain. qui m'a pris mes disqueuses, putain? Bon, bah écoute, on va s'utiliser mes disqueuses. Ouais, c'est pas grave. Bah, désolé. Mais désolé. Non, t'inquiète. Mais appelle Eddie, hein, sinon. Quoi? Eddie, c'est lui qui les vend. Ouais, ok. Mais c'est appelle-le, il va te l'enfiler. Mais il est pas dans le rendez-vous, lui? Non, je pense pas. Ok, bah je vais la paix. Vas-y, bon, ça. Bye. Alors, Eddie. Eddie. Oui, mais là, ils rigolaient tous. Oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui pensent que j'ai sûrement un chirpé ou je sais pas quoi. Mais les gars, on s'en bat les couilles. Laissez les gens parler, les frères. Les gars, il y a ma vue. Allô, Eddie, c'est irréprochable. Oui, Brandon, dis-moi. Ouais, je veux savoir, t'as des excuses pour faire des trucs pour les conteneurs? Non, là j'ai rien là. Je suis à la mairie, je suis rendez-vous mairie. Ah, pas de soucis, pardon. Hey, passe une bonne soirée, ciao. Ouais, ciao. Bon, bah pour les conteneurs, c'est bon. Ça parlait de bypass. C'est quoi un bypass? Comment ça, bypass? Non, ils ont fait une bêtise. Bah, moi je vois des traces de pneus, je vois une voiture qui part en balle. Eux, ils ont même pas fait gaffe à nous. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Point. Ils avaient laissé ouvert. Pire erreur. Passe droit. Mais passe droit, mais vous êtes des baisers ou quoi? Mais les gars, on va pas en parler 20 ans. Genre réellement qu'ils soient heureux que ce soit moi, vraiment, je vous le dis. Hein. Mais ils peuvent pas me tuer comme ça non plus. Hein. C'est pour ça que j'ai mis moi une condition. Parce que avec ce que je sais qu'ils pouvaient pas me tuer. J'ai dit, bah laissez ma chacha en dehors de tout ça, tu vois. Désolé, mais c'est long le sujet. Je suis totalement d'accord avec toi, les frères. Je sais même pas pourquoi. J'ai même pas à me justifier, les gars. Vous avez 3 neurones, vous voyez tout. Hein. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait, bon Brandon? Bah, c'est ça le problème. Il y a personne qui aide bah, pour eux. Il faut qu'on fasse de l'argent, faut qu'on fasse quelque chose là. Eh, vas-y, bah... je m'en bats les couilles. Vas-y, on va dans le nord. C'est bon. On va faire des trucs. Et non, mais on peut pas se permettre sans disque de. Vas-y, conduis. Conduis et va où t'as envie. Peut-être pas avec la voiture familiale. Hein. Ouais, c'est choper. Ça le problème. Va au casino. Là, ils sont au casino, c'est pas grave. Et c'est parti. Et vraiment, je pense que c'est une belle scène. Ça, c'est une belle scène qui va apporter du RP. Honnêtement, c'est comme, je vous jure, je le vois comme ça. Je le vois sincèrement comme ça. Moi, je le vois comme une belle scène qui apporte du RP. L'imitateur. Mais retire-moi ça. Ah putain, c'est pour ça qu'on roule pas. Ah, il me demandait pourquoi il avançait pas la voiture. Parce que bah c'est pour être distrait, bien distrait. Oh merde, les embouteillages. Vas-y, détourne, hein, sinon on est mort. Je vais voir qui c'est qui faisait ça. Merci mon Billy Boy pour le 68e mois, merci Carafra. Oh, et c'est de la braco cette caisse là? Non, je pense pas, hein. Tu penses? Ouais, y'a un truc, hein. Non. Fuck! Hii.
Attention madame. Ah ils sont fous les gens aujourd'hui hein. Attention madame. Ah ils sont fous les gens aujourd'hui hein. La dinguerie que j'ai découverte. La dinguerie que j'ai découverte. Attends, c'est candy shop. Mais je m'attendais tellement pas à ce que ce soit ouvert quand j'ai... Ils font quoi dans ce garage? Bah, en fait, je sais pas s'ils l'ont joué fine. Parce qu'ils m'ont clairement fait comprendre que c'était des dingueries qu'ils faisaient dedans. Alors que pour moi, RP parlant, c'était qu'un garage. Bon allez, on y va là, j'ai envie de braquer là. Ouais. Ça va, je le sens pensif. Non, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi je serais pensif? Tu grattes tellement la tête, j'ai l'impression que tu... Bah je sais pas, tu te grattes tellement la tête depuis tard. C'est parce que je crois que c'est ma chacha qui m'a filé ses pellicules. Elle avait des pellicules de vagin. Cul, c'est pas des poux, hein, ça se transmet pas pareil. Ouais. Ben non. T'as laissé celle-là? Yes. Oh la dinguerie, j'aurais pu tout... Oh fuck. Oh non, ça c'est trop rapide. Ça c'est trop rapide pour moi, ça. Surtout que tu leur as tendu 20 paires, je veux dire, c'est un garage, mais totalement. Ils se sont balancés tout seul, mais oui, bien sûr. Tu sais qu'il me disait non, mais c'est qu'un garage, on s'en bat les couilles. Mais c'est lui, il a insisté pour dire, tu sais ce qu'on fait. J'en ai vraiment aucune idée, RP parlant. Ils m'ont eux-mêmes donné leur indice de la dinguerie, tu vois. C'est une dinguerie. On est pas assez derrière que je fasse. En fait, dans ma tête, ça va apporter du RP, mais je sais pas ce que je dois faire, je sais pas ce que je... Tu vois. Après, je risque ma mort RP, parce que j'ai accepté de risquer ma mort RP. Chose que j'aurais pu refuser aussi, d'ailleurs, hein, by the way. Mais je sais pas... Ça peut être une dinguerie, ça peut être un peu une monnaie d'échange, en vrai. Ça peut être une monnaie d'échange pour moi. Hein. Là, pour moi, maintenant, j'ai un avantage. Hein. Il m'en doit une belle, en vrai. Hein. En vrai, il m'envoie une belge. Je peux l'utiliser en monnaie d'échange. Il t'aurait pas chopé, imagine la dinguerie. Oh, mais il m'aurait... Mais les gars, imagine un flic aurait eu ma logique. Imagine un flic aurait eu ma logique. Ils étaient finis. Imagine. Vaut mieux pas trop jouer dessus. Non, mais c'est pour ça que... Vas-y, je vais la jouer tranquille, je m'en bats les couilles. Je suis pas là pour niquer leur projet en vrai, tu vois. Je suis vraiment pas là pour niquer leur projet. Je leur ai juste dit, vous laissez ma chacha quoi qu'il arrive tranquille en paix. Je me garantirai à ce qu'elle soit pas dans vos affaires. Fait l'essence. Parce qu'elle a quand même pris deux coups de machette. Ouais, vas-y. Elle a quand même pris deux coups de machette. Moi, je me suis juste garanti qu'il la touche plus. Je lui ai dit, toi et moi, on va sûrement s'enculer à l'avenir. Mais chacha, tu la laisses tranquille. Et voilà. Au moins, je me suis garanti un truc d'échange. Parce que... C'est pour ça qu'il a pas refusé, je savais qu'il allait pas refuser. J'aurais pu réfléchir à autre chose, mais vas-y, c'était compliqué. Ils ont pas été intelligents, ils ont pas fermé. Point. L'erreur, c'est eux, ça s'arrête là. J'ai juste dit, bah, touchez pas ma chacha. Voilà. Pour votre erreur. Et puis voilà. Oh, putain. Ils peuvent juste le déplacer. Oui, après, ils peuvent le déplacer. Oh, ça serait débile de le déplacer parce que ça apporte un RP justement, ça tire. Tu vois. Vu que je vais pas jouer avec, ça apporte un RP. C'est pas grave, vas-y. On a besoin de se faire de la plata. Ok. Je mets la cagoule. Tu crois vraiment qu'ils peuvent nous tomber dessus ou pas? Mais attends, mais comment ça se fait? Explique-moi un truc là. Ouais. Les Mayans. Ouais. Ils ont tout le Nord à eux seuls. Ouais. Mais ils se mettent trop bien, pourquoi? Bah parfait, ils ont la place. Attends, t'entends une musique là comme moi? Ah ouais? C'est toi qui l'habite? L'obé. Ouais, c'est moi qui vis. L'obé. C'est pour mettre de l'ambiance un peu gangster, t'as vu? Comme ça, je me prends pour un balèze, t'as vu? Ça peut être une
Pour ça, on va pas trop aller dans le nord, puisque techniquement, on n'a pas passé le péage, tu vois ou pas? Malin. Rip, merde, il est où le tatouage? J'ai dépassé? Non, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Ok, ok. Le tatouage, il est loin. Hein. Vas-y, c'est là. Ah, c'est là. Ouais, mais ça me fait chier quand même. Ça veut dire qu'ils ont tout, ils ont de quoi se gaver. À part ça que c'est des boss, hein. Ok, je rapproche la caisse. Merci Billy Boy pour le 68e mois. Et c'est bien, ça servira de leçon. Ils sauront que faut fermer derrière eux maintenant, tu vois. Par contre, le problème, c'est que bah, si quelqu'un mytho ou autre, comme quoi je l'ai dit, ça peut être chiant, tu vois. Non, 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 c'est Paris. Ils savent, les gars. Vous inquiétez pas, les frères. Normalement, Drouille, c'est un minimum que je... Les gars, putain, s'il y a bien quelqu'un qui est pas WinRP, je vous jure, c'est moi, les frères. Hein. Je crois que j'ai pas le prouvé, hein, avec... Les gars, j'ai joué des avocats qui se sont fait tabasser, qui ont jamais eu d'armes sur eux. J'ai joué un flic, on a perdu des scènes. Putain, s'il y a bien un gars qui est pas WinRP, moi, je veux juste m'amuser, frère. C'est bien moi, hein. Donc, je vais pas nier... Je crois que j'ai jamais niqué un projet, hein, en vrai, hein. Pour le coup, hein. Après, peut-être que lui, il croit que je suis une RP, mais ce serait débile, tu vois. J'ai envie d'y retourner, par contre, tout seul. Je vous jure, j'ai envie d'y retourner tout seul. Rien que le fait que t'aies refusé de sortir les guns il y a 5 jours. Mais oui, non mais... Vraiment... Si, tu peux me reprocher... En vrai, les gens peuvent reprocher... Allez, à la limite, c'est quoi, je leur laisse. Tu peux me reprocher de tilt, soi-disant. De tilt facilement. Même si tout le monde tilt, en vrai. Mais bref, tu peux me reprocher de tilt facilement. Tu peux me reprocher pas mal de choses. Y a pas de souci. Mais putain, s'il y a bien un truc que tu peux pas me reprocher, c'est d'être WinRP. Je n'ai jamais... Littéralement, de mémoire, jamais WinRP quoi que ce soit. Donc voilà. Ah, ils ont paniqué de ouf. Ils ont paniqué de ouf. Bah parce qu'après, frérot, changer de QC, c'est trop chiant aussi, hein, les gars. Hein. Eh, tu dois tout déménager et tout. Moi, dans la logique, pour moi, faut pas qu'il change de QG. Je vous jure, faut jouer le RP comme il est. Faut vraiment pas qu'il change de QG. S'il change de QG, c'est la facilité. C'est dommage. Justement, faut jouer le... Tu vois, faut jouer le jeu. Bah, ça crée un lien particulier entre moi et les baby drivers, tu vois. Un lien que personne ne devra savoir, tu vois. Je te reproche le manque d'aventure horrifique. Ça va revenir, Bibiche. Non, je... Non, ils doivent pas déménager, ils doivent jouer avec, en vrai, c'est drôle, c'est fun, tu vois. Moi, en tout cas, je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Après, si, par contre, ils déménagent, ils disent « Ah, bah, vas-y, maintenant, je peux t'enculer,
Y a plus ce truc entre nous, c'est dommage. C'est dommage. C'est un peu du gâchis, tu vois. Je trouve à titre personnel, tu vois. Mais je pense qu'ils sont assez intelligents pour continuer à jouer dessus. De toute façon, la menace, elle est bien passée. Voilà, c'est tout, on s'en fout, tu vois. Mais par contre, oui, j'avoue, il faut arrêter de sortir. Les gars, je vous en supplie. Moi, ma commu, ça va, vous êtes pas comme ça. Mais les gens qui sortent WinRP, HRP, Attire-Larigot, oh là là, c'est infernal. Bah, quand j'avais fumé l'ancien personnage d'Andrew, oh, c'est tout. Non, c'est une blague, ça pue sa mère. Oh, vas-y, on se barre, ça pue sa mère. Pas une thune. Mais si, si, si. Ah ouais? Regarde bien tes poches. Ah, d'accord, putain, j'ai eu peur. Vas-y, tiens, je te mets 1000. Ah, ok. C'est dans la boîte à gants. Eh, vas-y, viens, on en fait d'autres, on sent pas les couilles. Vas-y, on les baise. Si on trouve les baguettes, on est assez futé pour, tu vois. Tu vois ou pas? Tu vois ou pas? Ouais, je vois, je vois. Coucou, Williak, ça va ou quoi? C'était l'ancien? L'ancien? Hop, non, là. L'ancien, c'est... Mais non, c'était... il était de la presse. Vous savez, je l'avais plombé quand il était dans le coffre de ma voiture. Voilà. Et en fait, ça, ils m'ont reproché que, apparemment, j'avais acheté. J'espère qu'ils sont bien occupés. J'avais lu le chat, alors que dans le chat, personne n'en parle, en fait. Et surtout quand je joue, je ne lis pas le chat, en fait, tu vois. En fait, wow. Les gars, si vous voulez savoir quand je lis mon chat, c'est quand je parle plus. Quand je parle plus, c'est que je vous lis dans ma tête et que je vous réponds. À partir du moment où je parle dans le jeu, c'est que je suis concentré sur le jeu, en fait. Donc, Ouais, Bugsy, c'est ça. Ouais, avec McCain. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Brandon? Bah rien, je me suis bouffé la barrière alors que... Vas-y, attends, je vais appeler notre sœur parce que c'est vrai qu'on lui parle pas beaucoup, quand même. Oui, c'est vrai. Je plus sois. Allô? Comment tu vas, ma sœur? Bah, ça va, et toi? Ouais, je t'appelle pour prendre un peu de nouvelles parce que c'est vrai que t'es parti quelques jours et je me suis inquiété. Bah oui, ça va, bah écoute, je suis revenue, hein. Tu fais quoi de beau, là? Ah là, je suis avec les cousines. On est à l'aéroport, là, on va te rave un peu. Tu fais quoi, toi? Là, je suis avec le Brandon. On va prendre quelques petits risques parce qu'on va faire quelques braquages dans le Nord. Mais on va revenir. Je crois que de toute façon, là, il y a eu un truc. Bon, ça va, ouais. Toi, sinon, tout va bien? Bah écoute, si on veut, ça peut aller, hein. Tu vas te marier toi, ou alors pas, alors? Bah, je crois pas, hein. Tu sais que il faudrait qu'on parle tous les deux parce que j'ai l'impression que la famille elle me renie un petit peu, c'est un peu bizarre. Non, c'est pour ça que je t'appelle justement, parce que je veux surtout pas que t'aies cette impression. Bah oui, mais je sais pas, tu vois, j'ai la mère, elle me parle plus du tout, et puis bah, le père, ça dépend, c'est... je sais pas, okay. Et puis... Je sais ce qu'on va faire, toi et moi on va parler sur la plage, d'accord? Tout à l'heure. Oui, d'accord. Ok, bah tu m'appelles quand t'as fini? Je te rappelle vers 1h, ok? Ok, bah fais attention en tout cas. Hein. Allez, à tout à l'heure. À tout attention à l'heure. À toi aussi. Oui, toi aussi. Ah, on va lui parler et passer un peu de temps avec elle, ok? Ok. Bugsy, le mec qui a envoyé des pauses alors qu'il était dans un coffre kidnappé. Non, commencez pas les gars, commencez pas. Je vais avoir des problèmes à cause de vous les frères. Quand vous pensez des trucs... En plus, je t'ai lu, putain, je suis trop bête. Les gars, quand vous pensez des trucs comme ça, gardez-les en tête, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais c'est qu'elle a dû s'absenter. En fait, le problème, c'est que le projet s'est lancé à fond. Non, mais là, c'est fini, hein. Oublie pas, hein. Ah ouais? Bah oui. Va, attends, bouge pas. Va là, allez. Ça va être très bien. C'est le plus proche. T'as assez d'essence? Ouais, ça devrait le faire. C'est bon. On va faire la pêche. Oh, attends, parce que y a le Brandon. Expliquez-nous qu'on n'attend pas pour rien. Attends, je te lis la combe, ok? Ouais. Alors, il paraît qu'apparemment il y a le Brando à la mairie. Bah parfait, comment on fait SVP qui dit le pétard? Expliquez-nous pour qu'on n'attende pas pour rien. Donc, est-ce qu'on va le péter devant la mairie ou pas? Là, j'attends, je te redis, ok? Ouais, peu importe ce qu'ils disent, on y va ou on s'arrête. Ouais.
fuck. Bah en fait j'en avais voulu un petit peu, j'en avais voulu pour la bêtise qu'il avait faite. Oh, je vais arracher le pare-choc là. Quand ils sont rentrés dans le souterrain des Italiens et qu'il a dévoilé ma véritable identité de McCain. Alors que j'étais totalement grimé en un autre que, enfin en l'alter ego, tu vois. Et j'étais en mode mais non, mais qu'est-ce que tu racontes et tout, tu vois. Et voilà, et ça j'avoue, j'étais en mode bon, t'as été un peu bête, et c'était un peu parti en couille, il y avait Médoche qui avait essayé de dire non, mais voilà, après on s'en bat les couilles, tu vois, le RP continue, ça n'empêche que je rigole très bien avec eux à chaque fois, c'est très très rare les scènes où ça part en couille, tu vois, entre nous, mais après je crois que ces derniers temps, ils s'étaient fait pas mal ban, je crois, de flashback, ils se font pas mal ban c'est en chaîne, c'est chemin de camp, mais bref, ça c'est pas nos histoires, on s'en bat les couilles. Bah quand ils veulent, ils sont très bons délire en fait. Mais c'est vrai qu'ils sont très tryhard. Très très tryhard et ça leur porte préjudice dans beaucoup de choses. Mais putain, oh, c'est le repas du soir mon breton, c'est pas grave. J'ai tué la mère à Bambi, putain. Bambi, cette pute. Merde. Mais attends. Ça veut dire que... Putain, ok, d'accord. Va falloir la jouer intelligemment. Tu voudras conduire pour t'échapper? Oh fuck. Oh. Ah, je suis nul, moi. Bah oui, mais faut que tu t'amuses et faut que tu t'entraînes un peu. Je dis pas que je l'aurais réussi, mais au moins ça t'abuse un peu, tu vois. Oh, je vais essayer. Tu sais qu'avec le Johnny, on a réussi à s'en sortir, hein. Tu sais comment? Ah. Non, vas-y, dis-moi. On est... Va paniquer la voiture, je t'en supplie. On est sortis... On s'est... On les a marrave. On les a marrave à Manu, les Schmitt. Et on a fait... Bah, vu qu'on vous a humilié, partez. Ils sont partis. Oh putain, c'est intelligent, ouais. Bah ouais. Ouais mais alors faut que tu gagnes quoi. Si je cours avec ma hachette et que je mets un coup d'hachette. Mais non, je suis pas rancunier, c'est qu'un jeu vidéo mon frère. On est là pour s'amuser, tu vois. Tu vois, je sais que Shelly, elle m'en a beaucoup voulu. Parce que Shelly. Non, les Indiens, putain. Shelly, c'était une streameuse et avec McCain, elle avait fait un truc que j'ai pas aimé. Je l'ai tué, elle m'en a voulu très longtemps. Waouh. Mais maintenant c'est ma sœur. Et voilà, j'essaye de lui faire comprendre qu'on s'en bat les couilles, on est là pour rigoler, on est là pour passer un bon moment, voilà, faut oublier le reste, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que c'est? Eh, mon copain cousin. Eh, hey, c'est ça que j'ai envie de conduire, moi. C'est quoi? Et ça, c'est course poursuite réussie. Attends, c'est un baiser. Ah, ah, ah. Pardon. Qu'est-ce que tu branles, putain? Bah, je fais demi-tour. Non, faut pas oublier le but de GTRP, les gars. GTRP, c'est on est sur un plateau, on est nombreux, faut s'amuser, tu vois. Si tu commences à être rancunier, si tu commences à être énervé, si tu commences à rester sur le passé, comment tu veux tourner la page? Comment tu veux rigoler dans d'autres situations et tout? Moi, je suis quelqu'un qui veut juste m'amuser. J'adore rire. Voilà, j'aime rire. C'est le même de... Comment elle s'appelle déjà? Celle qui présente L'amour est dans le pré, là. J'adore rire. Bah voilà, j'adore rire, en fait, donc Nick, tu vois. Mais vraiment, hein, j'espère, mais même moi, j'y crois pas trop. Hein. Mais, j'espère vraiment qu'ils vont jouer le jeu et qu'ils vont pas, tu vois. C'est qui la marave? Pourquoi je l'appelais la marave? Pour le coup, le groupe de gitans est masterclass de fou. De fou. Putain, les gars, vous vous rendez compte la dinguerie que vous avez fait ce soir? Non, mais le chat, vous vous rendez compte la dinguerie que vous avez fait ce soir? Les gars, je vous jure, ça me donne envie de prendre un jour de repos demain soir, tellement ça m'a fait chaud au cœur. Ils ont battu le record, tu t'y attendais pas? Jamais de la vie. Mais je suis obligé de vous insulter vos mères, les gars. Putain, je comprends pas, je vous jure, je vous aime. Je vous aime, mais vous êtes bêtes.
Je suis obligé de vous insulter, les gars. C'est un truc de zinzin. En plus, j'avais sorti la phrase banale. J'étais juste en mode, ça m'a fait rire, parce qu'en fait, tu sais, j'allais voir un petit peu, vu que je joue pas RP le week-end, je me suis dit, vas-y, je vais voir ce que font les autres. Frère, je déployais le qui a régalé, là, le tableau, là, le fameux tableau du chat. Je voyais que des bébés zbi. Et je voyais aucun bébé chez moi dans les deux derniers mois. Venez, je me barre. Quoi? Non, le. Non, non, pas... Ah, le monsieur à votre gauche, regardez. Le poteau derrière moi, là. Ah, je sais quoi, bah demandez lui, hein. Je ne fais rien, je distribue l'électricité au quartier, hein. Ah, bah, vous voyez, peut-être, il fait pas mon sens, hein. Je vois la verre. Merci, je fais l'argent, hein. Quoi, là? Moi? Bah, ouais, je vais aller pêcher, moi. Ouais, bah, descendez du véhicule, s'il vous plaît. Allez. Je sais pas, je me sens bien là. Non, descendez du véhicule. C'est pour pas... Bah c'est un masque de pêcheur parce qu'il fait froid. Non mais je sais. Ah ouais. Attends, putain j'arrive plus à me relever. J'ai envie de faire une vanne. Ouais. Ouais. Cascade. Attention. Et ouais les salopes de ces morts. Ça vous surprend hein. Tiens, prends dans la boîte à gants. Oh, respecte ta voiture, toi, survivant. Ah, c'était pas touché, c'était pas touché. Arrêtez-vous. On fait quoi? On s'arrête ou pas? Parce qu'il demande gentiment. Je sais pas, ça dépend, ils vous font quoi si on s'arrête? Eh, je vous propose un truc, là. Je vous propose un truc, les Schmitt. On s'arrête sur le bas-côté, vous retirez vos gilets, on s'encule. On se la met. Et celui qui perd, y'a pas d'amende, y'a rien, il repart chez lui. T'as envie de faire ça? Je l'ai déjà fait, hein. Mais après, le problème, c'est qu'on a d'autres appels et je pourrais pas... On s'en bat les couilles, il faut savoir s'amuser, les Schmitt. On va les baiser, les manges morts. Ah ouais? Attends, tu veux qu'on descende et qu'on s'encule? Allez, arrêtez-vous. Bah non, mais là, vous allez perdre plus le temps si on y va, hein. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, trace pour la route. Mais on s'arrête, Arrêtez-vous. C'est bon. On s'arrête ou pas? Oui, arrêtez-vous. Non mais vraiment, vous jouez le jeu ou pas? Oui. Mais oui. Vraie bagarre du Nord. Hein. Vas-y, vraie bagarre sud, du là. Nord. Allez, vas-y, on s'en hein. Attendez. Allez, bon, c'est la rue la vraie ici, on s'arrête pas, voilà. Y'a pas de règle là, dit-on, pas de règle. Y'a pas de règle dans la rue. Y'a pas de règle. Tiens, y'a pas de règle, je te dis. Mes lunettes, enfant de putain. Voilà. J'aime les poillons comme non, ça. Non, pas d'esquive. Schmitt de merde. Ah, pas d'esquive dans le Nord, je savais pas, excuse-moi. Dans le Nord. Excuse-moi. Vrai bonhomme, alors, vrai bonhomme. Allez. Eh hey. Non, y'a des esquives. Y'a pas de règle. Non, ne me dis pas, il est tombé. L'autre. Si, il est tombé, c'est bon, moi j'ai gagné, je me bats. Aïe. Allez, combat de bonhomme. Combat de bonhomme, vous deux. Dans le Nord, y'a pas d'esquive. C'est pas grave, c'est pas grave. On va passer une bonne soirée, monsieur, les avant, c'était cool. Ah merde. Alors que, pourtant, ton pote Schmitt, il a esquivé, hein. Et il a dit, y'a pas d'esquive. Ah, moi j'ai dit, y'a pas de règle, moi. Allez, bien joué, les Schmitt. Allez, bonne soirée. Allez, la prochaine fois, on s'en fout. Maintenant, je suis blessé à la jambe. Merci. Faites attention, les Schmitt. Tu vois, c'est ça qui est bon. Ça, c'est les meilleurs trucs, tu vois. C'était cool, mais c'est les meilleurs. Ça, c'est les meilleurs trucs. Voilà, on se barre, pas d'abandon, rien. Regarde, il joue le jeu, j'adore. Ça, je kiffe. Et Flic du Nord, c'est meilleur. Ça, c'est des scènes. J'aime. Quoi? Le camp? Je te mets le camp? Ouais, faut aller chercher Paps, dis envoie MCS à Paps, dis qu'on va chercher. Je comprends pas, faut aller chercher qui? Paps. Pourquoi? Bah regarde les messages. Vas-y. T'as pu en l'enculant regarder tes messages, t'es trop fort toi. t'es trop fort mon bordel. Les cousins essayaient de foutre le bordel devant la mairie pour écarter les Schmitt de mort, comme ça nous on fait notre affaire dedans, en secrète. Écartez-les le plus loin possible. Donc on doit... Ok, c'est bon, vas-y. Ah, ce VE, je veux la marque hein.
Passe pas par je sais pas si encore les schmitts. Ah, le péage, mais non, mais je passe par la ferme. Tranquilo. Tranquilo. Après, on va passer un petit moment avec Shelly, d'accord? On va lui faire une ouais, petite elle scène est où un peu. Vas-y, appelle-la. Sur la plage. Ça, c'est les scènes que j'aime. Ah, que j'ai pas eu beaucoup à faire. Bah hein. Ouais. Moi, si j'avais perdu, j'aurais dit, bah vas-y, mets-moi la bande et tout. Quoi? 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 Tu grosses bottes? On a pas vu beaucoup, la sister. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup, bon, bravo. C'est pour ça, là, on va essayer de rattraper un peu le temps perdu. Ouais. Oh putain, faut lui mettre dans la confidence aussi, que c'est peut-être pas l'enfant de Sherlock. Direct comme ça, tu penses que c'est une bonne idée? Par contre, je suis fier de toi, bon Brando. Hein. Parce que oh, tu l'as enculé, le Schmitt. Attends, par contre, passer par là. Waouh. Vas-y, on va voir. Waouh, qu'est-ce que tu fais? Regarde. Et t'es en roue libre ou quoi, mon Brando, là? Pourquoi? Non, mais tu vas pas aller encore tout droit là-bas, là? Non, là? Mais ça oui. Te ramènera sur l'autoroute. Oui, oh, mais. On passe par la ferme à droite. Rejoins la route le plus vite possible. Bah parce que c'est pas une voiture qui peut rouler là-dessous, quoi. Oh si, tant qu'il y a le pare-choc qui tient. Ouais. Tout comme le barrière qui me tardit, hein. Alors que je sais pas comment on va par là du nord. Pour ça. Allez. Ça fait du bien, là. Ça fait du bien de se défouler là. J'ai kiffé la scène avec les flics. Et en plus, on a eu nos braquages gratuits. Impec. Il dit dans le nord, il y a pas d'esquive, mais l'autre il dit on s'en bat les couilles, on est dans le nord, on fait tout. T'as mis les 2000, ça t'en compte? Ouais, c'est déjà fait pour moi. Vas-y, va direct au campement, va direct au campement. On va poser ça dans nos coffres. Ouais. Ouais, au fait, c'est bon, j'ai récupéré les 17 000 là. Ah, cool! Il y a un ATM au camp? Mais non. Enfin, au camp, à la fête foraine. Et t'as dit à Paps qu'on arrivait? Bah non, je conduis. Mais il nous attend encore au moins? Bah, je sais pas. Vas-y, je l'appelle, vas-y. Vous voulez qu'il me joue de musique, moi? Bon, tu vois, mon Paps? Ouais, là, on est sur un gros coup, là. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Bah, t'as besoin de nous ou pas? Ouais, il faut. Vous avez des clés pour prendre vos pétards là? Non. On n'a pas les pétards tout court. Bah oui, mais ça faut. Vas-y, venez au camp, on va arranger ce problème tout de suite. Ah, ça faut. En fait, faut aller qu'il les donne direct les pétards. Tu vois pas. Ouais, je vois très bien. Ah non, mais c'est bon, j'ai trouvé une voiture là, les gars. Oh la vache. Vas-y, dépose-moi de ma caravane. Je vais tout sortir aussi en argent, je vais le mettre dans mon coffre codé. Ok? Ouais? Ouais, je vois. T'as les clés? Oui, j'ai les clés. Oh putain, mais notre voiture est au casino! Ouais, bah j'ai pensé. C'est pas grave, on s'en fout. J'ai pensé à autre chose et voilà, j'ai pris un poteau, putain! Tiens! Eh mais Brando, tu sais bien que t'es l'attardé de la famille, tu peux pas penser à deux choses à la fois! Oh putain! Ouais. Je peux déjà acheter une voiture, les gars. Et honnêtement, j'ai 16, 17, 18, 19, j'ai 20 000, j'ai 20 000 plus 9 000, j'ai 30 000. Voilà. Donc, je sais pas quel chop je vais m'acheter, mais je vais m'acheter un petit truc sympa. Et on va tout garer, et puis voilà, quoi, on sera bien. J'ai... Putain, c'est combien la Kuruma? C'est 80 000. Oh merde, je suis trompé. Mais non, mais c'est bon, qu'est-ce que tu branles? Brando, s'il te plaît, concentre-toi, allez, prends la route. Non, mais j'aurais dû prendre plus loin. Là, demi-tour. Allez, c'est très bien. Et cause juste 6 000, pourquoi? Voilà. Je vais à la caravane, je récupère. Et je vais tout déposer au coffre. Vas-y. Bon, hop. Et oh, waouh, par contre, j'avoue, j'ai très peu de vie. S'il y a fight, on est mort. Oh, 18 000. J'ai même encore plus après avoir déposé les 2 000. Quel bonheur.
Ah, j'ai pas... Oh, j'ai pas les clés. Tu les as ? Non. Attends, j'appelle Pops. Je suis là. Il nous faut les clés du coffre à code, s'il te plaît. On les a toujours pas, toi. Je vais vous les donner. Alors que même Pétain les a, je suis... Partagez-vous les balles en deux. Bon, tu nous fais un petit récap. On veut choper le Brandon. Il était à la mairie il y a 2 minutes, mais on n'a pas pu le péter parce que le gars était pas armé. Golio, il a pas géré ça. Prends 12 balles sur moi, s'il te plaît. Brandon. Yes. Vas-y. Venez. Et quand vous êtes pas là le week-end, là, pensez à déposer vos guns, à donner quelqu'un vos guns, là. Non, mais t'es... Hey, Paps, t'inquiète pas, hein. Moi, ça sera toujours... Y a pas de souci. Ok, voilà, ça, c'est les... Je vous ai donné les clés de la porte, là. Je vais... Venez, déposer... rangez pas, parce que là, on part en OP. Montez dans la charmane. J'arrive. Ah, voilà, je suis bien. Putain, je suis deck, il se pose pas plus de questions par rapport à ma disparition, c'est dommage. C'est tellement dommage, en vrai de vrai. Paps ? Et qu'il nous voit pas. Je vous ai T'es un bourré. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Jardin ? Appelle Golio, demande-lui où est-ce qu'il a des nouvelles. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Raconte-moi. Bah, on nous dit c'est l'éternel, je parle. Appelle Golio, Jason, et tu vois qu'est-ce qu'il faut oui, avec. Oui, Paps. Qu'est-ce que t'as là, avoir les jugeotes comme ça, là ? Rien. On va bien. Peace. Oui, bon Golio, comment tout va ? Ça va et toi ? Ça va. Paps, je dois demander quoi à tonton ? Au Brandon. Ah, mais ouais, ok. Pour Brandon, des nouvelles, voilà. J'attends, il est peut-être encore dans la mairie. Il y a des gens qui sont placés dedans, il y a plusieurs groupes qui sont placés dans la mairie, qui attendent pour péter. Ok. Il est dedans ? Voilà. On est aux alentours, il est toujours dedans, tu confirmes ? Je pense, ouais. Non, j'ai dit qu'il faut pas qu'il pense, faut qu'il soit sûr. Tu peux pas envoyer quelqu'un pour être sûr, tonton ? Parce que nous, on a une info comme quoi il serait barré en argent au noir. Je suis pas dans la mairie. Ok, on va s'arranger pour essayer d'avoir l'information, d'accord ? Vas-y, en tout cas, il pense qu'on laisse tranquille tout ce soir. Vas-y, je vais camper le parking. De quoi, t'as dit quoi ? Il pense qu'on le laisse tranquille et tout, il pense qu'on est gentil là. Très bien. Vas-y. Tu restes dans le parking, comme ça. Pourquoi la Marave il m'appelle ? Qu'est-ce qu'il veut ? Non, il est sorti, c'est moi, c'est vieux. Parle trop fort, il... Ouais, mon copain, mon cousin. C'est Menuhin, dis-moi, est-ce que je peux venir à la mairie ? Tu peux venir où ? Ouais. Faire la manif à la mairie. Attendez, ferme, raccroche le téléphone. Attends, je te rappelle. Retire le haut-parleur, quoi, dis-moi pourquoi. Ouais, vas-y. Avec l'équipe d'humeur, là, falloir que tu fasses attention deux fois plus. Ah ouais ? Ouais, est-ce que vous l'avez ? Du quoi ? Vous l'avez en vue ou pas ? Non, là, je l'ai pas en vue, mais je l'ai vu partir avec le maire. On l'a vu partir avec le maire. Ok, c'est Nashav avec le maire, ok. Quel véhicule ? C'est où qu'il habite, le maire ? Non, je sais pas où est-ce qu'il habite, mais je vais me renseigner. Ok. Vas-y, Poupa. C'est Nashav. Snashab, apparemment il est parti avec le maire. Dernière nouvelle, le Navarro il est parti avec le maire. Attends, Paps, tu te précipites un peu trop, on n'a pas l'info. Il est dedans le maire, hein. Si, on l'a vu partir. Le maire il est dedans. Oui, mais on l'a vu partir en argent au noir. Bon, tu sais quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je dépose tout ça dans ma porte à gants, laisse-moi y aller. Je vais faire le fou. Voilà. Je vais faire le fou, je vais aller voir, je prends l'information. Attends, Ah, c'est meilleur, franchement, c'est meilleur, papa. Viens. Allez, cousin. Ouais. En gros, je vous explique. Il y a deux argentos. Il y a une argento qui est partie. Il y a quatre trop de balles qui l'ont poursuivi alors qu'il était pas dedans. Et là, il est poursuivi. Là, normalement, il y a une argento qui tourne. Une argento noire. Et il est dedans. Mais un autre plafond, c'est qu'il y a une voiture belge de luxe. Et il parlait beaucoup avec l'Agadier. Je pense qu'il la bouillave. Donc, si on arrive à choper la voiture belge, et ben, on l'aura peut-être. Non, il s'échangera jamais contre elle. Et bah, tout à l'heure, on la butera alors. Oui, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Si on s'en fout de la buter, elle. Merci mon Joy Boy pour 4. En fait, je t'explique. On a déjà essayé. Il y a des groupes qui l'ont compris, son employé en otage. Ils ont demandé d'échanger. Il a fait un coup de Trafalgar. Il fera pas. Oh là là.
Le seul moyen, les gangs, c'est des merdes, les gangs, à cette heure, ils ont tous poursuivi une voiture, il était même pas dedans. C'est la communication, c'est la communication. Il y en a un qui a dû chauffer, tout le monde a suivi, mais... Ah, je comprends pas, moi. Moi, quand je vais choper quelqu'un, je m'enracine à 100% sur le gâteau. C'est exactement ce que j'ai dit à Paps. Allez, on va récupérer Paps, pas de convoi, s'il vous plaît. On fait ça organisé, s'il vous plaît. Okay. Je vais passer devant. Allez, tranquille. Va devant, on va récupérer Paps. Attends, il est en train de parler tranquillement. Si, quand même. Bon, on l'attend sur le parking. Oui. Vas-y, garde-toi au calme, hein. Ok, ouais. Je vais dire qu'on est sur le parking, tranquillement. Ça va, mon petit Golio ? Ça va, mon petit pétard, pardon ? En mode infiltré ou quoi ? En ce moment, j'ai un peu la tête ailleurs. Pétard ? Ah, tu me parlais, excuse-moi. Bah ouais, je t'ai demandé si ça va. Ah ouais, ça va, et toi ? Ça va. Ouais, nickel. C'est le principal, faut aller bien, c'est important d'aller bien. Oui, c'est vrai, ça va, petit pétard. Aller bien, c'est important, parce que si tu vas bien, tu vas bien, t'es content. Et quand t'es content, eh ben, tu peux manger de l'eau. Non, c'est quand vrai, tu manges de l'eau, ça, petit pétard, après t'es hydraté. Ouais, mais t'as totalement raison, putain. Ah oui, c'est pétard, bon, tu lui demandes pas où il était ? Bah si, je lui ai demandé, mais bon, tout le monde parle en même temps. Quoi ? Où t'étais ? Où ça ? Bah, on était en rendez-vous, tous ensemble, t'es parti ah, en courant. Ah, mais j'étais directement sur le côté de la plage, je me suis grave, j'ai marre. Ça veut dire quoi, ça ? Bah, je me suis marre. Tu t'es battu avec qui ? Je me suis battu. Vas-y, raconte-nous, t'es battu. Vas-y, appelle Paps, là, parce qu'il met du temps, je m'inquiète quand même. Et t'avais dit que c'était toi qui l'appelais ? Je m'inquiète. Ah, franchement, je comprends pas pourquoi tu veux pas l'appeler. Hein. Je vais l'appeler. Ah, tu l'appelles finalement, c'est oui. Bon. Non, vas-y. Bah attends, appelle-le toi. Oh putain. Non, je vais l'appeler, c'est bon, je m'en occupe. Vas-y, appelle-le. Vas-y. Allô ? Bah, bon, Paps, sont dégarés, voilà, tu viens quand tu veux. Ouais, au parking de derrière là, le parking, c'est ok. Le parking à côté où t'étais, t'as eu d'infos ou pas ? Bah, le maire il est déjà à l'intérieur donc il a jamais une achat. C'est faux ça. Voilà, tu vois. T'inquiète. Voilà, il faut m'écouter, mon Paps. Des infos de con. Il faut m'écouter. Je peux pas rentrer dans la mairie, j'ai un problème. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai un problème. Bon, t'as pas qu'un problème, Paps. Ouais, j'en ai plusieurs même. Mais Paps, tu vois, c'était sûr, je te l'avais dit. Ouais, les infos. Mais oui, c'est. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Qu'est-ce que tu fais là, par exemple, pétard ? Ouais. Ouais, je roule. Pétard. Le gouverneur, il m'a parlé d'un problème avec Brandon. Ouais. Mais le Brandon, là, il. Je pense qu'il est encore à l'intérieur, moi. Ah non, ah oui, tu penses ? Ta gueule, Brandon, toi. C'est vrai, ferme ta gueule, Brandon. C'est en attendant longtemps qu'on va pouvoir le traquer et le trouver, ce bâtard. Ouais, il va falloir être patient. En fait. Éteins les phares, ça commence à m'énerver. Ouais, déjà. Non, mais t'es en plein phare, en pleine ville. J'aime bien. Sur le parking en face, s'il te plaît, de la mairie. Allez, on va commencer à être intelligent, s'il vous plaît. Parking blanc. Bah, ouais, en face. Comme d'hab, ouais. Parking blanc. Je vais t'enculer. Je te jure, la pétard, on va descendre et je vais t'enculer. Et tu sais que je peux me faire contrôler parce que j'ai pas les feux allumés. Mais t'as les pleins phares, on est en plein centre-ville, et pétard. Et là, ça c'est pas les pleins phares. Ça c'est les pleins phares, si. Mais non, mais je te promets là. Que non, ça c'est les pleins phares. Voilà, ça c'est les pleins phares. Mais oui, trou du cul, bizarre. Bon, dis une seule fois trou du cul, je te jure, je te parle. Cul du trou. Non, pas celui-là, ça c'est. Je vais t'enculer. Je sais, je fais exprès de passer par là. C'est pour faire le tour, je rentre dans le parking blanc, par l'autre côté. Pétard, il a de la cervelle, hein, il est pas con. C'est qui a fait le pacifique hier, hein, c'est qui ? Oui, c'est qui s'en est tiré ? Désolé, Paps, désolé. C'est pas parce que c'est plus petit, il faut moquer de lui. Oui, désolé, Paps. Pas bien, il est pas bien, ça. Éteins les phares, on est dans un parking, là, c'est bon. On n'a pas besoin de... Là, je peux éteindre. Par contre, ça me fait plaisir de voir tous les groupes dessus, là, en chien dessus, là. Ouais, ça veut dire qu'on a commencé à avoir un bon impact. Ou alors tout le monde le déteste. Mais attends, mais va tout en haut. Je vais pas y aller à pied, j'ai la flemme. Ah, tu veux avoir les visuels, ok. Bah, c'est pour ça qu'on est vu là, là-bas. Non, mais parce que pétard, c'est quand même l'enfant le plus intelligent, même si c'est le dernier. Non, mais t'es un peu con, c'est parce qu'on a aussi Tito qui est en place, qui a un visu, et qu'on a d'autres groupes qui ont un visu. Il a dit, et qu'on peut avoir d'autres. Je te jure, c'est bon, on va se castagner. C'est bon que t'es un peu con, c'est bon. Il continue. C'est bon, j'ai compris. Je sais qu'il va être protégé par Pabs, ça m'énerve encore plus. Surtout par Pabs.
Ah mais non, t'as un beau visu là, t'as un beau visu, Dick hein, mon cousin, mon frère. Dick ta mère, parce que attends, sais pas. Dessus, hein. Ça se voit que tu connais les parties. Je vais l'enculer. Ah, quelle vue. Ah mon frère, j'ai envie de te pousser là, j'ai envie de te pousser, comme ça la chaleur, c'est moi qui la récupère après. Quoi? Non, j'ai rien dit, je rigole. Je rigole mon frère, je rigole. Oh, putain, c'est quoi la voiture du... C'est quoi sa voiture? Bah, il en a plusieurs, c'est ça le problème en fait, et qu'on l'a pas vu arriver avec la voiture. Ouais mais là, tu l'as vu sur le parking ou pas? Est-ce que tu l'as vu sur le parking? Non, mais il a plusieurs voitures, donc là je sais pas c'est laquelle. C'est peut-être l'argent au noir. Ah putain, j'ai les fait aussi de cette voiture. Parce que c'est tout le monde qui les a. Incroyable. Ouais, ça c'est bien. Vas-y Bédo, sur une visu avant que je t'encule. Ah voilà. La seule belle visu, c'est parking rouge au toit, tu vois tout. Ouais, toi, parking rouge, t'as un dock parfait. Mais par contre, ton d'action, vachement lourd. Ouais, bah oui. C'est ça le problème. On peut pas voir le. Sinon, je peux mettre sur l'autoroute, mais bon, c'est. Eh ben non, tu te mets en face. Parking en face, tu vois ou pas? Ou celui que je pense. Parking en face, mais tu rentres pas dedans. Sur le côté, tu te gares sur le bord de la route au calme. Regarde, vas-y, va tout droit. Sors à droite. À droite. Là, vas-y, tout droit. Et là, tu vas aller à gauche, là. Tu vois le petit parking là où il y a les poubelles? Non, ah, là-bas, au bout. Voilà. On va essayer de le. Je crois qu'il est parti dormir. Hein. Ah ouais? Ouais. Comment tu sais? Je sais pas, je pense, on le voit plus. Tu parles de celui-là, là? Merci, Amine, pour le 12e mois. GG, là, non, mon frère. On va rien voir d'ici aussi. Non, c'était juste derrière. Non, mais laisse tomber. T'es passé devant, en fait, là où je t'avais dit. Ouais, bah attends. Putain, s'il est parti dormir. On n'a pas un contact? Bah si, on peut l'appeler pour vas-y, voir. Vas-y, droite maintenant. Droite. Et là, aux poubelles. Mais c'est pas un parking, ça? Mais non, mais tu peux mettre... T'as de quoi mettre l'auto, tu vois? Ah, ok. Bip, bip, bip. Quelqu'un, comment on peut l'appeler? Avec son numéro de téléphone. Ouais. Et avec ton téléphone, tu l'appelles depuis son numéro de téléphone. Voilà vous, comment tu fais. Vous me donnez son numéro? Moi, je l'ai pas. Je crois pas que je l'ai. Allô. Pas il là, je crois peut-être. Mets l'haut-parleur. Bah on tourne pour essayer de le péter. Mets l'haut-parleur. Mais je crois qu'il est parti dormir. Hein. Attends, donne-moi son numéro, je vais l'appeler. Ah c'est pas dit. Donnez-moi son numéro. Il a pas le mien. Golu, il va essayer de vérifier s'il dort là, il va essayer de l'appeler. Non. Moi il connaît pas mon numéro. Bah je sais pas son numéro. Vous êtes vraiment la meilleure des familles, en tout cas je vous aime tellement. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a pétard? Tu l'as dit. J'ai envie de pisser partout. Donc là, Golio va l'appeler, y'a rien de plus suspect, on est bien d'accord. Hein. Bah appelle-le toi. Mais j'ai pas son numéro. Et bah si t'as pas son numéro, dis pas que tu vas l'appeler parce que personne l'a ici dans cette auto. Mais voilà, c'est à toi d'avoir les numéros ou de l'avoir demandé à Golio. Non c'est pas à moi. Attends, il m'a envoyé une position. Oh. Vas-y go. Mais faut expliquer pourquoi, c'est infernal. Ouais, venez ici, on sait jamais. Hein. C'est, ça veut rien dire, ça peut être tout, n'importe quoi, ça peut être... Vas-y, on va à la position. Juste pour faire le point, je pense. Hein. Ouais, juste pour se la péter. C'est qui veut se la péter? C'est qui veut se la péter, le Golio? Il veut faire le mec qui a des responsabilités, le Golio. Vas-y, roule à fond. Alors pourquoi il le dit pas dans ma race? Mais roule à fond, là, on était mort. Parce qu'on a des pétards. Parce qu'il est con, Ah, c'est le parking là, c'est terrain là. Ouais. Ouais, quoi? Oh, mes fils! Il est parti, t'as raison, il est parti, Charclo, il est parti. Hein. Ah, il est parti dormir, t'es sûr? Salope! Ah, oui. Bon, moi je le préviens. Mettez-vous derrière là. Et mettez-vous en costard, rendez-vous. Allez, faut le dire. Quoi, faut les expliquer pourquoi, c'est quoi? Pour ça que je suis ramené, genre. Berry G qui veut rediscuter les prix de la cam, il est pas d'accord avec l'augmentation des prix. Non, il est pas, c'est pas ça, c'est pour lui expliquer, d'accord? Ils vont en discuter, donc. Tu laisses Sephora parler, d'accord? Et tu le prends pas de haut? Non, je voulais justement que Golio il lui explique un peu. Ah, Golio il va l'expliquer en le prenant de haut et en l'insultant. Il va nous remettre des ennemis à dos. Non, j'ai pas peur de lui, non, je suis pas un suceur, c'est juste que c'est du business. Mais t'inquiète pas, ça y est, tu crois quoi? Tu crois que je suis McGregor? Bah tu vas voir, vas-y regarde, vas-y je te laisse parler. Tonton t'as perdu du poids? Si oui, c'est vrai, t'as pas cher Claude. Tu me diras c'est quoi ton programme parce que c'est super efficace. Hein. C'est comme j'aime.
Comme t'aimes quoi? C'est comme j'aime. Comme j'aime tes morts. Tu vois, des fois t'es drôle, tonton. Mais mort. C'est pas qu'il a pas compris, Golio. Attention. Il veut juste discuter pour comprendre. Allô. Oh là, oh là. Ça va, Brigitte? Ouais, ouais. Eh, bon, bonsoir. Bonsoir. Vu ce qu'on dit au téléphone. Il va te parler parce que c'est lui qui fait ça. Ça va, copain? Ben, pas trop, comme j'ai dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, copain? Ben, parce qu'il n'y a aucune foutue personne qui est capable de nous fournir de la droga dans cette putain de ville. Oui. À part vous, là, pour le moment. Mais c'était quand j'étais limité. Et là, vos quantités baissent, les prix augmentent. Ok. Brigidji, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Dans la vie, il y a l'offre et la demande. Plus la demande est grosse, plus l'offre augmente. Ouais. D'accord ? On doit être capable de fournir toute la ville en termes de drogue. Au début, on t'a arrangé parce que t'as bossé un peu pour nous. Si tu veux qu'on continue à t'arranger sur des prix de temps en temps, on va faire ce qu'on te demande. Et quand je te dis faire ce qu'on te demande, Bradley, c'est quand je t'appelle et que je te demande de me choper quelqu'un, c'est pas derrière lui passer un coup de fil et lui dire il y a un tête qui veut que je chope un tel. Je t'en veux pas pour ça. Le business, c'est le business. Mais hier, je t'ai pas appelé pour te dire que tu voulais nourrir. Hier, tu m'as pas appelé. Je t'ai pas appelé pour te dire que je t'envoie nourrir. Non, mais il a demandé à moi. Ouais, si il m'avait appelé moi, mais moi, j'ai dit non. Benji, ce qui est fait est fait. Je ne t'en veux pas encore une fois. Non, mais regarde, non, je t'expliquais, j'ai appelé personne. On a essayé de la choper. Et au moment où on l'a chopé, j'étais devant M. Brennan. Je lui ai dit, ouais, la meuf là-bas, là, c'est nourrir. Il m'a dit, ouais. Je lui ai dit, vu que je le connais, je lui ai dit, tu peux lui attirer l'attention ailleurs, je dois la choper. Il m'a dit, ouais, mais là, tu t'apprêtes à choper ma femme. D'accord, ok, je comprends. Il m'a dit, donc, que tu diras à tes copains. Et après, il m'a dit, tu diras à tes copains, les gitans, de ne pas missionner, nanana. Ils m'ont dit, ils te missionnent quel prix? J'ai dit, un prix bien plus élevé que le vôtre. Ils m'ont dit, ok, 35 000, tu nous ramènes un gradé des Marazelles ou je sais pas quoi. Non. On coûte pas cher ou quoi? On coûte pas cher? Ouais, parce que vous m'aviez dit 20 000 pour elle, donc j'ai dit 30 000 pour vous. On t'a livré ce soir ou pas? Non. Je reviens, on va voir un truc avec ce foire. Viens voir ce foire. Ouais. Albergi, il est pas content, Albergi. Ah, déjà, ce putain de concept, t'as vu, je pense que le jour où je vais le choper, c'est moi, je vais le buter carrément. Non, 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 non. On va le buter. Je vais le buter, je vais le soigner, après vous allez le rebuter. J'en ai marre de ce fils de pute là. Ah ouais, ça rase de mort là. Tu sais que tout à l'heure, ils sont enfermés dans le concessionnaire parce qu'il a vu des gens tourner. Demain, c'est ça. La mairie, bref. J'ai entendu vraiment vaguement à travers une porte que le maire était en train de dire « Oui, s'il est pas en sécurité, mettez-le dans la mairie, comme il fait depuis une semaine et tout, on lui met un bureau, il reste là. » Bah, nous, si ça continue, on va aller chercher dans la mairie, on va tous prendre les armes, on va y aller. Bah, j'ai discuté avec Sephora. Alors, le prix de la cam. Il va pas bouger, il va rester à 200. Non, il était à 180 de base. Ah, il était à 180. Oui, il va pas bouger, il va rester à 200 maintenant. Le prix, c'est le prix. Par contre, une fois par semaine, si tu continues à bosser pour nous et à être carré, on pourra te faire une livraison de 400 un jour de la semaine. 400 à 200 ? 400 à 190. Ok. En fait, moi, ce que je comprends pas, En fait, j'ai l'impression d'avoir été victime d'une story Insta, en fait. T'as vu, tu vois les pubs qui entrent les stories Insta où tu vois un casque avec des oreilles de chat en 4D, là. Oh, mais non, Brigitte, te vexe pas, mais c'est pas non, ça non, du non, tout. Non, je me vexe pas, c'est juste que moi, tu m'approches, tu me dis, on va vous faire de la cam, quantité, 180. On se dit, putain, ils s'alignent sur les prix des autres, c'est pas mal, on est bien. Nous, les autres, on a charbonné avec eux pour être à 180, non. Tu me proposes un prix bas dès le début, après tu m'augmentes et après tu me baisses la quantité. Moi, je te le dis, hein, carrément, je suis capable de te proposer, de te serrer la main tout de suite, de marier, de faire un mariage arrangé d'un de mes gars avec une de tes meufs et de prendre l'exclusivité sur ton business et que toute la drogue que tu vends, elle aille à moi et que plus personne bosse. Et je te jure, je te rendrai tellement riche. Sans ça, faut payer cher, copain. Ouais, je sais bien, mais j'en suis capable. C'est juste que je pense, vous savez pas à qui vous avez affaire et là, je préfère vous le dire. D'accord. Moi, je veux du vrai business, tu vois, donc là... Okay. Là, voilà t'as vu, je perds au change. Voilà ma dernière offre. On descend les prix à 190. D'accord ? Ouais.
200 pochetards par jour. Maximum. Les autres, on les vendra à 200. Si tu continues à bosser pour nous, à faire ce qu'on te demande correctement, et si tu arrives à me choper le Brandon, Maurice, quand il arrêtera de se cacher, ce fils de pute, ça sera 400. Et ça sera 180. Et tu pourras couper l'eau à deux, enfin, pendant deux jours à un petit groupe. Et tu choisiras. Ok, vas-y, ben, je vais réfléchir. Et moi, de toute façon, je suis sur Brandon. Là, j'ai des gars partout qui sont en train de le chercher, mais bon. Ça sert à rien, il est parti. Ah, bah voilà. Ah, voilà, il est parti dormir, là. Comme tous les soirs, fils de pute. Ouais, non, mais je vais lui baiser sa mère, la pute. Ah, mais moi, je vais rentrer dans la mairie, je vais faire un attentat, hein, la vie de ma mère. Non, mais je vais lui baiser sa mère parce que ce qu'il me fait, ce fils de pute, il... Vas-y, je vais le baiser. Fais tourner la tête à tout le monde, là. Mais bref, là, il me fait tourner l'œil. Vas-y, hein. Non, Brandon, oublie juste, tu bosses, continue à bosser pour nous. On te fera 400 un jour de la semaine, c'est tout. À 180. Vas-y, c'est bon, oui bien. Eh ben, bon si déjà ce soir il y a une livraison dispo, je viens. Ouais, parce que je vais pas vous mentir, hier vous nous avez vendu 600, à 21h, à 21h02, il y en avait plus. Donc... Ouais, mais je t'appelle. T'as vendu 600 hier? Ouais, parce que. Oui, parce qu'il y a du retard. Il a oublié un jour. Ah, ok, vas-y. Berigi. J'espère que vous allez pas me faire comme les Irlandais qui m'ont promis de faire 1000 par jour pendant une semaine et que j'attends toujours le. Non, t'inquiète pas que ça va être fait. Non, on va pas te faire de grosses promesses. Berigi, on va te le dire, hein, tu vas vite le comprendre, nous les Marazelles, on n'est pas des morts. Ça veut dire que là, on est obligé de faire ça. On fait pas pour nous faire plaisir, on fait pas ça parce qu'on veut te baiser la gueule ou je sais pas. C'est pour que nous, on puisse respirer derrière. Ouais. On a besoin de respirer, faut pas que tu le prennes mal. On va pas te monter les prix à 250, 190, voilà, comme tu as dit, c'est carré. 10$ de plus le pocheton. J'ai un diamant brut? Et à l'avenir, il va proposer des trucs pour rebaisser à 180. En fait, c'est juste que vous êtes dans une mauvaise équation, moi, je vous le dire, parce que là, vous allez... Vu que vous devez fournir plein de monde, ça doit vous casser les couilles de passer votre temps à faire de la drogue. Mais diamant le problème, brut. C'est juste les autres. Donc je pense que c'est à vous de faire le boulot, de les réveiller. Et sinon, je vous jure que si vous le faites pas, moi, je vais le faire moi-même, quitte à me faire buter. Parce que personne... Il n'y a aucun fournisseur, ce n'est pas possible. Les Mayans, c'est normal. Les Irlandais, on leur a interdit de bosser. Écoute, c'est pas le problème de produire ou quoi que ce soit, parce que c'est moi qui le fais. C'est moi qui m'en occupe. D'accord? Donc c'est pas le problème, ça. Le problème, c'est qu'il faut quand même être raisonnable. Et que même si on fournit les autres ou quoi, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et que. Mais justement, vous avez trop de clients. Vous avez trop de demandes par rapport à l'offre. Donc, si les Mayans s'y fournissaient un peu aussi, si on pourrait se fournir à plusieurs endroits et d'autres gens pourraient bosser avec d'autres gens. Sauf que là, vu que vous êtes quasiment les seuls mecs qui sortent de la drogue, vous êtes submergés, ce qui n'est pas normal. Mais moi, je vais les réveiller, hein. Moi, je vous le dis, hein, si c'est pas vous qui le faites, moi, je vais aller toquer à leur porte, hein, les Irlandais, je vais baiser leur mère aussi à eux. Mais non, les Irlandais, on leur a interdit de travailler, je t'ai dit. Et du coup, c'est pour ça qu'ils font rien. Voilà, bah écoute, ouais. Bridgy, si tu veux toquer à des portes, va toquer à des portes, y'a pas de problème, mon ami. Nous, on restera toujours la bonne porte pour t'écouter et voilà. Oh, je vois ça. On a un projet, on veut le mettre à bien, on cherche pas à te mettre à dos ou je sais pas quoi, on cherche pas à te baiser la gueule, on cherchera à baiser la gueule à personne. On veut juste les meilleurs des meilleurs avec nous. C'est d'où ça. Le petit jeu qu'on a fait ce soir. Et là, je sais, il va falloir que tu serres les dents, nous aussi on serre les dents, ça passe à 190. On en reparle dans quelques semaines. Et voilà, Berigi. Il y a une ville à fournir et on va faire les choses bien. En attendant, comme on t'a dit, il y aura un jour de la semaine où ça sera 400. Et tu sais quoi, on va dire que tous les dimanches, ça te va? Vas-y, c'est bon. Tous les dimanches, 400. On est dimanche. On est lundi. Ouais. Bon, allez, vas-y, 400 ce soir. Allez, vas-y. Ouais. Perfecto. Ouais. Oui, vas-y, c'est bon. Tu me bipes. Ouais, je t'appelle. C'est là. Ouais, j'y sais. C'est quoi cette connerie de dot pour Andrew là? Tu lui as envoyé une pute? C'est quoi ça? Bah, comment t'as. L'autre salope là, cabot, c'est qui? Il est parti dormir. Charlet! Ouais, mais. Y'a qui là dans la voiture? Ah, et moi. Eh, pétard! Ouais. Prends soin un petit peu de notre soeur, ok? Eh ouais, mais comme je l'envoie jamais, c'est compliqué. Ouais, mais justement, là, je vais aller me balader un petit peu avec elle, ok? Vas-y. Tu viens le Brando ou pas? Ou tu vas aller au lit? Absolument. Ok, je vais l'appeler. Non, parce que la pauvre, elle vient de revenir. Bah, oui, c'est vrai. Tu veux venir le pétard? Bah ouais,
Mais bon, il faut que je gagne un peu de sous, j'ai pas le choix là. Ah, je suis dans la merde. Là. Je suis dans la merde. Ouais, bah déjà, je dois me faire 35 000 pour régler mon amende. Oh, ah ouais, t'as zéro là. Ouais, il faut oui, que je m'appelle. C'est pas quelqu'un qui devait les gagner pour toi. Ça va, t'es où? Là, je suis sur Vinewood, t'es où toi? Vas-y, je vais te chercher, envoie une position. Non, t'es une voiture? Non, je suis à pied là, bah, je suis avec les cousines. Envoie une position, la cousine, elle rentrera dans le coffre et elle a pété. Je suis devant le tequila là. Où ça? Le tequila là. Ouais, mais où là? C'est qui là? Bah c'est toi, c'est nous. C'est moi, c'est moi, c'est Jason. Comment ça t'es qui là? Non mais au tequila au bar. Bah c'est moi, c'est Jason, je viens de te dire. Ah ouais, bah, faut qu'on aille au corps. Chérie, tu vas bien ou quoi? Faut aller au corps. Oui, je vais t'envoyer une position. Ouais. Non, rendez-vous au camp, dis-lui rendez-vous au camp. Bah viens au camp, venez au camp parce qu'apparemment t'as vu le message ou pas? Non, j'ai pas vu, il y a quoi? Ah aussi avec les gars de Joe là. C'est à gauche, c'est à gauche. Bah on arrive. Vas-y. Mais calme-toi par contre, pétard. Il connaît pas la ville, il connaît pas la ville, le Jason. Pétard, je vais t'enculer, je peux pas me concentrer sur une conversation et sur la conduite. Double fuck. Quoi? Toi, motherfuck. Non, toi. Toi, motherfuck. SCH, motherfuck. C'est peut-être pas notre mère, alors. Comment c'est que ça court, là? Comment c'est que ça court? Que ça court avec les jambes, mon Jason. Que ça court avec les jambes. Comprennent d'eau ou pas comprennent d'eau, Jason? Je comprends. Ah, ça va. J'ai trompé encore. Ouais, bah en ce moment, je suis fatigué. Là. Oh putain, vas-y, jump. Wow! 3 jours. Non, quand même pas! Oh, tu sais. Ah ouais? Ça m'étonnerait même plus. Plus rien de méthode, comme on dit. Attends, vous avez vu le flash? Ou je suis seul? Bon, allez, pas de flash. Qu'est-ce qu'il y a, grosse responsabilité. Dis, les gars, on va vous passer des pétards, vous allez aller bosser, d'accord? Vas-y, protège-les. Là, il est tard, je voulais passer un peu de temps avec Shelly, là, pour le coup. Vas-y. Je vais pas mentir que je l'ai pas vu, c'est notre sœur. Et j'aimerais bien qu'on discute un peu. On va passer du temps avec notre sœur, parce que ta sœur, il faut lui parler. Pourquoi? Non, appelle-la. Calme-toi avec ta mère. Pourquoi? Mais non, mais elle arrive là, mais pourquoi? Attends, pourquoi, Paps? Parce que ta sœur, elle est toujours pas mariée. Il y a des problèmes, ça n'est pas mariée. Paps. On peut, en tant que frère, lui parler un peu quand même avant? Avant que oui, mais il faut la mettre sur le droit chemin, mon oui, fils. Oui, mais je suis d'accord, Bah, tu lui dis, après je pars avec elle, ok? Elle arrive, là. Vas-y, Sephora, prends pas les deux. Prends qui, là? Je prends Tito, déjà. Tito, ouais, mais faut qu'on soit beaucoup, Golio, hein. On peut y aller à 3, ça va être compliqué. Oui, Tito, et prends Pétard, chez aussi. Pour le labo? Quoi, Benoïn? Ouais. T'as les nouvelles des mecs? On y va tous, non? On en a pour une heure. Ouais, il faut qu'on y aille plusieurs, en fait. C'est ça, le truc. Mais là, vous êtes 4-5, c'est déjà pas mal, hein. C'est pas beaucoup, je te jure. Bah, on y va tous, on a une tonne à faire. Mais y'a pas la Beverly, là. On a une tonne à faire, Jason. Si, y'a Beverly. On a une tonne, c'est long, hein. Ah, y'a la cousine aussi. Non, y'a pas de cousine qui va bosser au labo. Non, enfin, la cousine, c'est une cousine pour nous, mais c'est une sœur pour vous. Enfin, voyez. Enfin, faites un effort, putain. Ouais, Beverly, parle de Beverly. Pas vous ressortir là, généalogique. Vas-y, appelez Beverly, dis-lui qu'elle est dans le. Je crois qu'elle arrive. Elle est avec Shelly là, on est d'accord? Je sais pas. Je crois que si, hein. Donc ils arrivent. Mais va bosser toi, hein. Qui? Oui, je sais, on va y aller là. Va bosser avec ta Beverly, mère, faut que tu reviennes au camp. Non mais ça me gêne pas de bosser avec maman, tu le sais très bien. Oui, vas-y. T'es pas dispensé. Mais ouais, t'es pas dispensé, et là j'ai vraiment besoin de tout le monde là. Je veux voir ma sœur. Bah ouais, mais vous êtes baisés ou quoi? Bien sûr, je veux voir ma sœur. Oui, il veut voir sa sœur, et alors il est où? Après, je te jure, mon cousin, c'est histoire d'un quart d'heure. Mais c'est pas. Mais arrêtez de croire que je veux pas en fait. C'est juste que. Eh bah, tu vas le faire alors! Non, tu regardes l'heure, j'ai envie de parler avec Chelly. T'es l'exemple même de la personne qui ruine sa famille pour de la drogue. Arrête de taper, retape mon paps! Vas-y, retape! J'adore la cam! Tu me dis pas ça! Sephora, clean! Eh, hey, vas-y, clean le call, tu prends qui? Maintenant, alors, je prends Eddie, je prends Tito, je prends Pétard, je prends Brandon, bah Jason il va aller avec sa sœur, et je prends tous ceux qui font rien. Beverly, ok, bah la seule personne que je laisse, je prends pas là, c'est Jason, mais par contre, tout le monde vient. Oh, dire que je voulais dormir. Non, bah va dormir, Brandon. Après, si tu veux aller dormir, c'est autre chose. Bah, vas-y. Ok. Mais après, vous voulez voir sa sœur, bordel de merde. Non, mais laissez Brandon avec moi, s'il vous plaît, il va aller dormir dans pas longtemps, de toute façon. Ok. C'est quoi ce bruit? C'est je pète là. J'ai peut-être lâché le caisse, c'est possible. Non, c'est ça, c'est le truc de ma déextenseur. Quoi? Quoi?
Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, tonton? J'ai pas... Shelly, tu vas m'attendre dans la caravane et tout de suite. C'est ma chaîne. Vas-y, viens, c'est ma chaîne. On y va. Prenez une auto pétard. Vous voulez pas faire ça tôt dans la soirée demain, comme ça on fait aussi. Viens, Brandon, viens. Non, mais c'est qu'ils sont pressés. Ah oui, mais on en refait encore. Golo, tu veux pas les accompagner, les joueurs de sécurité? Mais c'est une blague. Moi, j'ai bien en faire pendant 2 heures. Il y a Golo en plus avec vous là. Ah ouais? Y'a Golio en plus avec vas-y, vous. Vas-y, Chili, va dans la caravane de Paps. Caravane de papa, ouais. Toi, sale pute. Ouais, je vas-y, sale pute, doucement. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ferme ta gueule, sale pute. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, Chili. Charlie, Chili, j'ai marre là. C'est Chili. Ah ouais. Papa, c'est toi qui lui as trouvé le prénom quand même. Ferme ta gueule. Papa, il est pas content. Après, tu sais bien que la DAS la renomme, mais quand même. Bah je vais aller changer de prénom là parce que j'en ai marre qu'on me prenne pour la chérie. Après on dit que je suis une pute alors que c'est elle qui fait la pute et c'est pas moi. Ah il est parti dormir hein, je l'ai dit là dans le garchot. Ah ouais. Ouais, il est parti dormir. Bon. Allez, Poupa, je crois en toi. Gagne le jeu et les robinets seront ouverts et directement d'instant T t'auras déjà un petit prix. Ah mon gars, t'inquiète pas. Elle aime bien faire de la drogue pour le coup. C'est vraiment un film. Ouais. C'est juste que là, les gars, moi, vous savez que mes horaires, c'est pas 3h du mat, tu vois, donc je veux passer un peu de temps avec les autres aussi. Bon, allez, les gars, j'ai toujours pas RP, c'est ma soeur RP, les frères, j'ai toujours pas fait une scène avec elle. C'est pas normal. Ouais, je sais pas sur moi, Bah oui, la chance, tu vois. Non, t'abuses, oh là là. Mais t'es dans l'abus. J'essaye de jouer avec tout le monde. Celle-là, non. J'essaye littéralement, non, mais je suis la personne qui essaye de jouer avec tout le monde. Putain. J'essaye d'offrir du temps avec tout le monde. Bon, je rentre dans la salle. On va rentrer dans la salle de réunion. Vas-y, Chérie. Chérie, il faut qu'on parle. Ouais. Ah ouais, mais c'est qu'elle a pas les clés encore. Bah oui, mais Paps, donne-lui les clés, c'est infernal. Non, eux, c'est pas une titulaire. Ouais, mais c'est notre sœur quand même, mais bon. Allez-y, hein, commencez sans moi. Hein. Ah, ça. Bah, je voulais peut-être lui parler ailleurs qu'autour d'une table où il y a de la c'est toi qui as dit on l'emmène là-bas, baise-mort. Mais non, mais c'est toi. Bah, attends, je comprends pas, on devait parler tous les deux là. Non, mais attends, ça a rien à voir avec moi ça. Bah, non, mais là, ça y est. C'est pas parce qu'il voulait te parler. Tu m'as tendu une embuscade. Mais non, mais arrête, chérie. Mais toi, c'est ça que tu fais. Eh, baise-mort, arrête. Trahison. Mais non, mais comment ça, trahison? Mais Brandon, t'as compris comme moi, Pape, s'il voulait lui parler. Bah ouais. Bah voilà. Non mais là ça n'a rien à voir. Dit, non mais toi et moi après on va partir, on va discuter. Mais là. Charlie, écoute-moi Charlie. Chérie. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est Charlie. Charlie, je m'en bats les couilles. Bah non, ça change tout parce que Charlie c'est la pute et Charlie c'est moi. Y'a pour moi vous êtes pareil. Maintenant. Non. Ce que tu vas faire. Et au nom du ciel éternel, c'est la première fois dans le camp. Cette semaine tu me demandes en mariage un homme. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est toi qui feras la demande en mariage, devant tout le monde. Ouais, super. Bon, bah tu vas devoir trouver un homme hein, chez lui. Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Ça va, je touille. Pourquoi t'es énervé, tonton? Bah, je suis pas énervé, PS, des morts. Ah d'accord, pardon, tonton. Ferme ta gueule! Oui, pardon. Branle couille. C'est ma faute. Pire qu'une gonzesse. Oh, je veux pas travailler, je veux faire ma sœur. Bah, Momo. Non, mais attends, non, mais j'allais le mettre dans mon coffre. Non, mais rends. Non? Non, on n'a pas assez de pétards pour tout le monde là. Bientôt, on aura assez de pétards pour tout le monde. Bon, allez, vas-y, viens. Donne-moi les clés du chien. Bon, allez, faire votre truc là. Comme ça, t'as l'argent dans son coffre, son pétard. Tu peux pas si t'as pas les clés. Hein. C'est infernal. Bah, amusez-vous bien, ah, mais c'était là. Ouais! Vous la protégez, c'est votre sœur, bonne de baise-mort. Mais oui. Et... Espèce de paillot de mes deux. Ah. Parle-moi autrement. Désolé, papa. Bien visé, Paps, bien visé. Oh, mais... Ça va, t'as pas eu mal? Bah si. Jason? Les briques m'en tombent. Jason? Qu'est-ce qu'il y a? Vivons les cousins. Ça va toi, le cousin? Ça va ça va tranquille, carrément. J'ai une idée, Jason. Ouais, dis-moi. Pourquoi on n'irait pas à la plage là, tout près? Là, je trouve que c'est un peu ça marche pour les gens. Bah pourquoi? Bah parce que comme ça, on est à côté. Vas-y, ouais. venez. Mais non, mais on a la voiture. Ouais, il faut la voiture.
Wow, je crois que je suis trop puissant. Attends, mais ils en ont besoin de la caisse? On en a rien à foutre. Dans 2 minutes, je vais recevoir un appel. Un appel de vengeance et je vais les enculer. Mais pourquoi on se met pas à la plage devant la caravane? Que ça c'est à côté, on va à pied. Parce que j'aime bien le danger. Ah, faut qu'on s'éloigne un peu au cas où, tu vois. Si ça part en couille, j'ai pas envie que ça parte en couille, tu vois, ou pas, près du campement. Tu comprends? Non, mais je vais dire oui. Comment ça? Y'a quoi que tu comprends pas, bon Brandon? Bah, si ça part en couille au campement, nous on est loin, on est sur la plage. Le Brandon t'ouvre trop ta gueule. Oh, va falloir que tu la fermes. Mais on est vraiment loin. Ah, ouais, on est d'accord, la sœur. Mais non, on n'est pas loin. Ah si, on n'est pas d'accord, la sœur. Bah, moi, je trouve ça qu'on n'est pas très loin. Regarde, on voit la fête depuis là où on est. Il faut prendre la voiture, la sœur, prendre la voiture. Bon, comment c'est que ça va, la chérie? Bah, ça va, hein, quand même, malgré tout ça. Hein. Mais vous, ça va? Bah ouais, il s'est passé quoi, là, ces derniers jours? En vrai, on a beaucoup de trucs à te dire, pour le coup. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Mais avant, on va passer par les choses concrètes et carrées. T'as fait quoi ces derniers jours? Pourquoi t'as disparu? Parce que j'ai reçu ton message, mais j'ai paniqué, moi. Ah oui, parce que en fait, il y a eu tous les problèmes là avec qu'il y a eu avec Tyson, après avec le Johnny, après il y a la mère, elle a cru que je draguais les paysans et je sais pas ce qu'elle m'a dit là. Et puis je lui ai dit, mais tout le monde me confond pour la Shirley, et du coup tout retombe sur moi alors que moi je fais rien du tout et c'est la Shirley qui fait plein de trucs bizarres avec les paysans. C'est vrai que vous ressemblez beaucoup avec la cousine quand même. Hein. Bah non, on se reconnaît, mais pas du tout quand même. Hein. C'est pas qu'on se ressemble. Il y a un petit air un peu. Ouais. Ah. On voit que vous êtes cousine quand même. Ouais, c'est vrai ça. Moi, ma cousine de loin quand même. Hein. Chérie. Oui. Va falloir que t'apprennes un petit peu à te détacher un petit peu des deux cousines. Et que t'hésites pas un petit peu à te mélanger avec les frères et tout. Je sais que c'est pas facile. Et j'ai fait passer un message aux frères, ok? Je leur ai dit, la Chili, c'est notre sœur. Il est hors de question que la Chili, hein, vous la mettiez à côté, sur le bas-côté, c'est pas une pute. Ouais, c'est pas un Chili con carnet. Ferme ta gueule. La mère, elle arrête pas de dire que je suis une pute, hein. Non, t'es pas une... Quelle mère? La nôtre? Notre mère, oui. Mais pourquoi elle dit ça? Oui, mais parce que tu sais que son préféré, c'est Pétard. Tu sais, mais ça, c'est un vrai problème, hein. Bah oui, elle dit que Pétard, il est très intelligent, alors que t'as bien vu qu'il est juste gros. Bah, c'est vrai que c'est pas... Voilà, bah oui, c'est ça, c'est un peu... Voilà. Bon, voilà, quoi. Bah bon, du coup, ça pose un problème, parce que du coup, moi, bah voilà, quoi, elle me parle plus. Quand elle me parle, c'est pour dire que je fais la pute avec les paysans, c'est... Elle fait ça, Mams. Oui. Bon, il y a un autre problème. Oula, le Brando et le moi, on a réfléchi. Et le Brando, c'est vrai que c'est le premier à avoir parlé de ça. Mais ça, va falloir vraiment que ça reste entre nous. Hein. Les premiers, ça reste secret de frères et sœurs. C'est très important, vraiment. Oui. Il n'y a que Pétard qui est au courant et le Tony, il a disparu quelques mois. Ouais, d'accord. Vas-y, le Brando, je te laisse parler. Est-ce que tu trouves... Bon, Brando, t'es vraiment un putain d'attardé, vas-y, je parle. Non, vas-y, Brando, vas-y, parle. Ouais. Non, c'est bon, ferme ta gueule, je te jure, ta voix, je peux plus. Bon, en gros, non, vas-y, Brando, vas-y, explique. Ouais. Est-ce que tu trouves... Ferme ta gueule, le Brando, je te jure, je vais t'enculer. Ouais, ok. Non, parce que là, je suis sans garde, là, tu commences à me casser les couilles. Ouais, c'est comme un truc. Non, mais vas-y, c'est bon, explique. Ok. Est-ce que ta gueule, Brando. Qui t'a demandé de parler, là? Ouais, que tu veux dire, tu commences à me casser les couilles. Oh, me casse pas. Bon. Chérie, tu veux que le Brando t'explique? Oui, explique. Vas-y, Brando, explique-lui. Vas-y, explique, Brando. Est-ce que tu trouves... Ta gueule, tu me laisses parler maintenant. Bon, chérie. Oui. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Brando? Tu veux parler? Ouais. Vas-y, explique-lui si t'es le plus intelligent que les autres. À part pas, c'est Tylana la famille. Ferme ta gueule! Tu vois, on comprend rien quand tu parles! Ça sert à rien, on comprend rien! Voilà! Voilà, la tardie, il a parlé, on comprend pas! Ouais, c'est ça. Donc tu fermes ta gueule! Ouais. Bon, je vais t'expliquer. Ouais, explique. Ok. Le Brando, il est venu me voir. Qu'est-ce qu'il me dit, le Brando? Dis-lui, Brando. Pop, ça dit à Jason, lors d'un rendez-vous. Heureusement que t'as pas mes gènes. T'imagines? Alors attends, parce que deux attardés qui parlent, ça va forcément.
Attends, qui? Attends, mais tu parles à qui? Non, mais vous deux, mais non, mais c'est vrai que t'es née dans les dernières, hein, quand même, Shelly, t'es pas la plus intelligente. Oh, oui, d'accord, mais on est tous les deux intelligents, hein. Non, mais c'est pas une insulte, c'est vrai que les Marazel, on est plus intelligents que les autres en termes général, mais pour le coup, t'es pas la plus intelligente des intelligentes, quoi. Après, je suis la plus intelligente des sœurs, en tout cas, hein. Ah, c'est normal, t'es la seule. On n'a pas d'autres sœurs. T'es vraiment code, hein, putain. Bah non, mais c'est vrai, hein. Voilà. Vas-y, Brandon, continue de lui expliquer. Et donc, après, Puffs, il m'a embrouillé. Après, je lui ai dit... Ouais, mais moi, je suis pas un homme. Les gars, clippez, hein. Et là, clipper. Ça fait schlick. Clippez, mettez un titre, s'il vous plaît, les gars. Ça, ouais, Ghost, il fait un TikTok, ça, on va rigoler. On est quand même 5, et personne n'est héréditaire. Les gars, clippez, je vous en supplie, une personne qui clippe et mettez un titre. Ça, c'est pour TikTok. C'est héréditaire ? Bah, bon. Dans la plupart des c'est cas... Bon, c'est bon, Brandon, ferme ta gueule. Ok. En gros, je t'explique. On pense que le Paps, c'est pas notre Paps. Né à toi, né à moi, né à lui, né à eux, né à nous. Voilà que c'est ce qu'on pense. Bah non, c'est pas possible. Écoute, réfléchis. Chérie. Ouais. Et ça, c'est Brandon qui a évacué cette théorie. Vas-y, Brandon, explique-lui. Pour la taillir. Il y aurait eu au moins nous qui aurait dû être atteint son truc. Et même au-delà de ça. Regarde, pétard. Regarde toi. Regarde nous. On est vachement différents quand même, même si on se ressemble un peu. Et Paps, il a émis des idées bizarres. Et ouais. Mams, quand je l'appelle et que je lui parle de tromperie, du fait que Paps c'est peut-être pas notre père et tout, elle réagit bizarrement. Je vais te poser une question. Est-ce que t'es capable de... Attends, je vais appeler Mams. Et je vais parler de toi un peu, d'accord? Ah ouais, mais tu vas voir, elle va pas être gentille, hein. Attends, elle est occupée au labo, raccroche. Oui, putain, c'est vrai. Elle va oublier. Et par, non, contre, par contre, sois pas intelligent d'un couteau. Ouais, non, parce que, tiens, elle me rappelle, c'est qu'elle est pas assez occupée. On peut te faire enculer. Oui, Babs. Ouais, tu m'as rappelé, qu'est-ce qu'il y a? Comment tu vas, ma maman préférée? Ça va, mais là, c'est pas trop le moment, mais vas-y, dis-moi. Non, bah vas-y, tu m'appelles après, tranquille. Bah non, mais c'est pas ça, c'est que je me fais suivre, quoi. Par qui? Oh, je sais pas, par des paysans. Tu veux que je vienne? Non, c'est bon, il y a ton père, il y a ton oncle, il y a tout le monde. Eh Babs, t'as juste un mot à dire, hein, j'arrive. Hein. Ouais, non, t'inquiète, il y a pas de problème, vas-y. Ok, vas-y, tu me rappelles plus tard. Ouais, vas-y, t'inquiète. Ils vont se faire attraper. Aïe. Bon, t'en penses quoi, chérie, de cette petite, tu vois, de cette petite théorie du Brando? Ouais, c'est vrai que dit comme ça, c'est vrai qu'on est tous peu différents, mais de là à ce qu'on a... Et envoie à White Ghost, parfait pour TikTok. Tu crois vraiment que... Mais même la mère, elle aurait pas pu faire ça, quand même. Justement, il y a trop de choses. Quand j'ai dit à Mams ma théorie, Mams... Ah oui, est-ce que tu lui en as parlé directement? Ouais, je lui en ai parlé vite fait. Je lui ai dit, Mams, tu nous mentirais pas, on est quand même bien les enfants du Cherclos. Et ben, elle a un changement... Est-ce qu'elle a répondu? Eh ben, j'allais parler. La prochaine fois que tu m'interromps, je me lève, je te castagne. C'est qui va arrêter de bouffer? C'est qui va arrêter de bouffer, là, tardé? Et assieds-toi par terre, fais comme tout le monde! Je suis sur une chaise. Non, là, t'es pas sur une chaise, là. Là, c'est bon. Donc. Qu'est-ce que je disais? Je sais pas ce que maman a dit, Mams. Ouais, quand tu lui en as parlé, ouais. Mams, elle a un changement de comportement bizarre. Elle fait oui en rigolant à la Mams, mais comme quand on était petit, quand on lui demandait de nous acheter un truc en course, et qu'elle disait oui, vous inquiétez pas, mes fils, et qu'elle ne le ramenait pas. Ah non, aïe, elle fait ça là? Ouais. C'est pas ça le plus troublant, Qu'est-ce que c'est le Brandon? Mams a dit, de toute façon, c'est lui qui vous a élevé, donc c'est votre père. Et j'ai fait. Il y a quand même un sous-message. Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre de répondre ça quand même. Et chacun se rejette la faute. Par exemple, Paps, des fois, il rejette la faute sur Mams. Il dit, c'est les fils à maman. Il y a plein de trucs comme ça. Moi, je te le dis, il se passe quelque chose. Je pense vraiment que la famille, on est des Marazel, ça c'est sûr. À la vie, à la mort. Mais il se passe quelque chose.
Je peux pas croire qu'il y a eu de la tromperie là, tout ça comme ça là. Mais attendez, ça veut dire que. Mais peut-être que. Oh, maintenant je peux pas penser à ça. Hein. C'est-à-dire? Bah, j'allais dire peut-être que vous êtes pas vraiment mes frères. Regarde. Est-ce que Babs est blonde? Ah, pareil, faut que je vous raconte. La dernière fois j'étais avec Chacha, ma petite femme. Mmh. Ah, bah tu la connais, Chanel? Oui, je la croise au camp. Ah oui, faut pas que t'hésites à te mélanger un peu avec elle aussi, elle est adorable. J'étais avec Chacha. J'appelle Mams. Et toi, t'étais pas là, Brandon, je crois, à ce moment-là. Non. Tu sais ce qu'elle dit? Elle dit toujours... Je sais pas si vous avez fait attention. Elle dit toujours, qu'est-ce qu'il y a, mes fils? Oui. Ouais, c'est vrai, ça. Et quand je lui ai dit, mais attends, mais tu sous-entends que on n'est pas les enfants de Cherclo? Elle dit, mais si, vous êtes mes fils. Mais elle dit jamais ses fils. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment bizarre. Mais comment on pourrait savoir la vérité de tout ça? Test ADN, mais moi je m'y connais pas et j'ai tous envie de les enculer à l'hôpital. J'aime pas les hôpitaux. Je crois que je suis... Je suis arachnophobe. C'est pas ça qu'on dit? Non. Ah, peur de l'hôpital? Ouais. Hôpitalophobe. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Mais sinon, il faut ramener... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Jason, là, je suis au camp pour la dot, là. Il fait quoi, Charclot, là? La dot de qui? Mais la dot de Shirley, là, je vais me marier avec. T'es pas au courant? Shirley ou Shelly? Non, Shirley. Shirley. Shirley, c'est ma cousine, ça. La blonde. Ouais, tu veux te marier avec elle, toi? Mais ça y est, c'est acté, je dois payer la dot là. Mais tu t'es marié? Tu t'es marié quoi? Ben ouais, je vais repartir de la belle famille, Jason. Ça va être Attends, bouge pas. Ça va être Amarazel? Ouais, je vais être Amarazel. Andrew Peterson Marazel. Je te parle pas, oui. Andrew Peterson Marazel, je te dis. Attendez. Oh la oui. famille. C'est Amarazel? S'il se marie avec Shirley, c'est Amarazel? Ouais. Andrew Peterson Marazel. Non, c'est pas elle qui change de nom, je crois. Mais Cherclo, il va jamais laisser passer ça. Attends, oui, Cherclo, c'est elle qui change de nom. J'ai même pour projet de prendre une caravane dans le camp. Bah, c'est super, dis que c'est cool. Non, c'est pas cool, Brando, arrête tes conneries. Écoute. Ouais. C'est acté, là, on est là avec l'argent, là, on vous attend. Mais tu sais comment on se marie ou pas avec une gitane? Bah, c'est vous allez faire la tradition. C'est à toi de la kidnapper. Comment ça, la kidnapper? Tu dois la kidnapper une soirée? Il est pas au courant. Tu es pas au courant? Je dois la kidnapper une. Il est pas au courant, c'est mort. Tu la kidnappes. Mais faut que tu m'apprennes, je suis pas au courant, moi, des traditions. Tu la kidnappes pour dire que tu la veux, une soirée? Ouais. Tu lui fais passer une soirée? Personne doit savoir ni elle? Je l'ai déjà fait. Quoi? T'as fait ça quoi? Je l'ai déjà kidnappé. Non, mais faut que tu la kidnappes avec amour. J'ai une vidéo qui l'atteste. Non, mais faut que tu kidnappes avec amour. J'ai kidnappé avec amour, hein. Envoie la vidéo. Vas-y, attends, bouge pas, je t'envoie la vidéo. Attends, t'es où là? Est-ce que t'es dans mon message là? Putain, faut que je remonte. Attends, je raccroche, je t'envoie la vidéo. Ouais. Quoi? Mais attends, ça va devenir Amarazel? Ouais. Ça va devenir la famille. Ça va alliancer nos alliances. Oh là là. Faut appeler Max, hein. La chichi, je sais qu'elle est contente de se marier avec toi. La vidéo, elle va finir où? Attends, mais c'est vraiment une bite. C'est un bon parti. Ouais. T'as vu? Ouais. Mais ma cousine, bah voilà. C'est une grosse pute. C'est une enfant de pute. Attends, c'est quoi ça? Bah je l'ai kidnappé comme t'as... C'était dans la tradition, là. T'as fait ça quand? Est-ce que le kidnapping a été approuvé par la famille? Ouais, Charclo, ouais, il l'a approuvé. Merde alors. Charclo. Bon, il l'a approuvé, il l'a approuvé. Bah tu vas devoir te marier, hein, mon gars, t'as pas le choix maintenant. Bah ouais, je vais me marier, bien sûr. Mais attends, mais elle est où là? Elle est où, Charles? Mais attends, mais c'est une super. Attends, je vais régler un problème là, il y a un trou du cul qui. Je vais me faire concurrence, je vais défendre ma wife, vas-y. Quoi? Donc il est avec Shirley? Non, mais attends, mais si. Bah, ben, ça fait un moment là. Ouais, je crois qu'il veut... Mais je crois qu'ils sont pas vraiment ensemble, mais ils vont se marier. Non, mais donnez-moi le numéro de Shirley, mais c'est une pute. Attends, je suis... Comment ça? Mais pourquoi c'est une pute? Mais oui, non, mais c'est si, c'est... Mais parce que t'as pas vu la vidéo que j'ai vue. Mange-moi. Mais on voit... Attends, appelle Paps. Shirley.
Ah mais non, mais non, ils étaient poursuivis. C'est ils étaient poursuivis. 0358. 0358. Allô? Shirley! Oui, Jason! C'est Jason! Oui, je sais que c'est toi! T'es une pute! Comment ça? Attends, mais tu vas te marier avec Andrew? Mais il est en train de conclure avec Cherclo une dot, là, non? Mais attends, donc, attends, je comprends pas, là. Le Andrew, ça va devenir un Baracel? Oh mon dieu! Bah... Mais comment ça, tu t'en rends compte que maintenant? Pas directement, quoi, mais... Bah un peu! Ouais. Cherclo, c'est pas vraiment mon père, quoi. Oui, mais c'était de la... T'es Baracel? Biologiquement, non. Biologiquement, t'emmerdes. Grosse pute. Jason, on crie pas dessus. Mais j'ai l'impression que tu te maries avec la terre entière. Non, j'ai trouvé un mari pour une fois et pas cinq. D'habitude, c'est cinq. Là, y'en a un. Oh la pute. Oh, comment ça? Arrête. Oh la pute de ses morts. Bon, oh, arrête un peu. Oh la gourgandine. Oh, arrête. Oh, moi, mon jaja. Oh putain de merde. Tu viendras à mon mariage, hein. Mais attends, mais je sais pas ce qui va se passer. On aura pas le choix. Hein. Bah, je sais pas ce que. Bah, on aura pas le choix, hein, parce que si Pape s'est dit qu'on doit y aller, on doit y aller. Oui. Bah, attends, mais t'es l'enfant de qui, toi? Bah, je suis l'enfant de personne en fait, c'est Foras, ma mère adoptive. Mais attends, mais il y a des trucs qu'on est pas au courant dans la famille, c'est pas... Non, mais par pitié, soyez au courant un peu de. Non, oui, mais attends, mais si Pape c'est un homme des putes, qu'est-ce que je veux en savoir? Quoi? Sur mes morts, elle t'a jamais présenté. Tu me déçois, Jason. Mais non, mais elle a toujours dit. Tu te rends compte de comment tu parles de ta cousine? Elle a toujours dit que t'étais notre cousine, notre sœur. Bah oui, parce qu'elle m'a élevé comme si c'était ma mère. Bah oui, mais tu restes une Baracel, putain de merde. Bah, elle est plus sa fille que moi, je suis sa fille. Hein. Ouais, et en plus, ça, t'as bien raison, Shelly. Comme dit Shelly, t'es plus sa fille que elle, c'est ta. Bref, t'as compris. Oui, elle, c'est ma mère. Ouais, bah, elle va se calmer quand même. Après, ouais, ce qu'on peut faire, c'est toujours gratter les 50 000 et ensuite je divorce. Ah non, fais pas ça, il va nous. Il propose 50 000. Mais il va nous détester, hein. Tu sais qu'il va essayer de, il va essayer de te tuer, je pense, hein, si tu lui fais ah ça. Ah bon? Mais c'est très intelligent, moi, tu serviras à quelque chose, par contre, ceci dit. Oui, bah, j'aurais apporté quelque chose, quoi. Ouais. C'est un mal pour un bien, quoi, oui, je vais crever, oui, mais... Oui, bah, il faut voir le côté positif, faut pas penser qu'à ta gueule, Charlie. Bah oui, je pense pas qu'à ma gueule, là, je pense pas, mon gars. Là, c'est bien pensé, là. Là, tu vois, Charlie, je t'aime bien quand t'es intelligente. Là, t'es content de moi, là, ça c'est mon cousin. Là, je suis ton gros pas ton cousin. Et t'es toujours pas mon cousin. Je suis comme ton frère. T'es comme mon frère. Je suis ton beau-frère. Non, je suis ton demi-frère. Je suis un frère. T'es mon frère, très loin. Voilà. Bon, ok. Hey, Shirley, t'es avec qui, là? Ils sont au camp, là. Je suis avec la Lolo et avec eux. Non, je suis au téléphone avec Jason. Attends, t'étais avec qui, là? Au camp? On est au camp, là. Venez. Avec qui? Avec Andrew. Mais il y a tout le monde. Andrew? Oui, Andrew. Il y a plein de gens. Il y a même des Schmitt. Franchement, c'est très aléatoire, là, ce qui se passe. Allez, c'est bon, je vais les enculer. J'arrive. Allez, viens. Mais ils sont complètement malades. Mais je... Bon, Shelly, on revient parler ici si t'as un peu de temps après, oui. D'accord? Oui, d'accord. Mais tu gardes vraiment tout pour toi, hein? Oui, bah oui, bien sûr, je vais parler de ça à personne, hein, parce que là, ça peut être très grave, hein. Mais attends, tu sais que ça peut éclater toute la famille? Bah, c'est pour ça. On attend d'avoir plus d'éléments élémentaires. Ah ouais, là, ça, il va falloir faire une enquête, hein. Attends, mais je suis choqué. Il y a tout le monde, mais... Oh non, passe pas ici. Pourquoi? Je sais pas, j'ai comme des souvenirs de flashbacks. C'est... Non, mais des flashbacks de jeux, des mémoires... J'ai rien dit. Merde! Ok, les mangements! Ouais, au secours, ils m'ont mis dans le coffre! Quoi? Qui t'a mis dans le coffre? Ouais, je sais pas, les gens, ils m'ont mis dans le coffre, au secours! Ouais, faites-moi sortir! Ouais, ils m'ont mis dans le coffre! Qu'est-ce qu'il y a, les mangements? Et qu'est-ce que vous faites là? On est combien la dot là? On est là pour payer la dot là! Eh! Attends! Ça se fait, il y a plusieurs personnes sur le gosse là, Jason! Oh! Prends-moi ça là! Qu'est-ce qu'il y a, toi? Eh, tu veux que je t'encule, enfant de putain? Mais on s'est déjà enculé tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Plus, c'est vrai. Schmitt, non, mais j'ai déjà enculé tout à l'heure. Ah non, c'était vous. Oui, c'est des bons Schmitt. Ah oui, c'est moi. Tu vas faire quoi? On a des six en cul, tous les deux. Attendez, voyez ne pas parler en même temps, s'il vous plaît. Mettez la route. S'il vous plaît, taisez-vous. Bon, déjà, les Schmitt là. C'est ta cousine, elle? Oui, c'est ma soeur. C'est ma soeur, tu vois. Eh bé. Ouais, c'est une pute. Ouais, alors. Et alors? Elle assume.
Elle ouais, assume bah que ouais. c'est une pute. J'assume bah ouais. Voilà, dis-lui. Dis-lui que j'enlève tes putes. Elle a accepté 40 000 pour de chez lui, 50 000 ah chez là lui là. Et 100 000 pour moi. Oh. Oh la dinguerie. Ils ont cher. Elle a raison, elle a raison, elle a raison. Bien joué, Charlie, on est fiers de toi. Bon, les chevilles, vous alors faites quoi là? Vaut même pas un panini. Attendez. C'est oh, terrible. Hein. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Non, mais il est jaloux. Non, mais ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Ah, ah bah oui, bah oui, bah t'es fier de moi. Je m'en ouvre les yeux là. Quoi? Comment ça? Comment ça? Eh, les chevilles. On s'est fait baiser. Vous battez pour une meuf. Oh, les chevilles. C'est bon, c'est bon. On s'est fait baiser et tu m'as pissé dans le cul. Dégagez, je peux vous voir. Vous êtes plus jeune. J'abandonne, moi. Vous êtes pas autorisé ici, je vois pas. Ah non, c'était mon préféré. Ouais, on l'aime bien, on l'aime bien. Mais. Je avec toi. Pourquoi tu fais ça? Allez, dégagez. C'est quoi, c'est mort? Allez, je vais abandonner. Moi, je croyais que voilà, c'était. Voilà, je pense qu'il y avait un. Attendez, regardez les chevilles, regardez les chevilles. Pour le fric, c'est ça. Que je te recroise pas, hein. Je suis là pour ton cœur, je suis là pour la personne que t'es. Je suis là. Attends, ferme là, laisse-moi parler. T'as accepté 100 000 dollars là, t'as accepté 100 000 dollars. Salope. Non, je les aurais pas accepté quoi qu'il en soit. Parce que le premier qui était prêt à mettre le prix, c'était toi à la base. Laisse de blonde. Comment ça, c'est pas une autre. T'as quoi contre les blondes? Elle te rentre dans le cerveau, Andro. Elle te rentre dans le cerveau. Elle me rentre dans le cerveau. Andro, écoute-moi. Elle s'est mis à l'air. Elle s'est mis à l'air. Elle s'est mis à l'air. Andro, t'es pas faible, Andro. Serpent. Sorcière. Va lui parler. Sorcière. Tu dois me convaincre là. Tu dois me convaincre avec Andro là. Andro, viens, on va parler. Bouge la quéquette. Non, c'est JC le manager. C'est moi. C'est avec moi que tu parles. C'est avec moi que tu parles là. C'est avec moi que tu parles. Ah, c'est lui qu'il faut que tu essayes de m'ensorceler là. Je sens. Ok, viens avec moi. On va parler. Putain, c'est vraiment. Il y a pas une femme qui a des beaux pieds sinon. C'est dégueulasse, il va baiser. Putain, mais attends, mais c'est bon, sérieux l'envers. Allez, barrez-vous les Schmitt, c'est bon. Allez, les Schmitt, c'est bon. Bon courage. Allez. Bon courage avec Charlie. Et demain, on s'attrape, on s'encule là. Allez, barrez-vous. Oui, oui, comme toujours. Maman, son mémoire. Regarde les bois, ils sont contents. Ils sont contents, ces enfants de putain. Allez, t'as fait un peu en plus, leur cerveau est tout lent là. Bon. Mais les gars, faut que j'assure une famille, moi, là, 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 là. Avec elle. Quoi? Ouais. Ouais. Les pieds secs, hein. C'est 5000 en moins, hein, sur la dot. Elle a les pieds secs. Elle a les pieds secs. Putain, mais je sais pourquoi personne m'a dit que c'était... C'est lui, là, qui va être son mari? Ouais, c'est lui, là. Ah, c'est lui avec le béret, là, le André. Attention, André. Mais attends, mais il est un vieux. Ouais, il a au moins 70 ans, je pense. On s'en fout. Maman, elle est sur le même arbre, qui est où, le pire? C'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Ouais, moi c'est ça avec le manteau sur moi, si pour l'embacheton, mais il a dit qu'il voulait plus. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas là? Ça doit être avec l'autre là. Ah non, j'en veux pas de. Ah, l'autre là, le petit accent là. Eh, on parle à toi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je regarde la Impaler. Ouais, mais rentrez pas comme ça les gars, rentrez pas comme ça. Non, par contre. Pardon. Rentrez pas comme ça. C'est bon. Eh! C'est pas comme si je rentrais, tu vois. Très drôle. Bah oui, c'est normal. Sauf que. Mmh. Voilà quoi. T'as vu? Hein? Bah oui. Bah oui. Ah si. Ah si. Bon, il va se marier à l'autre pute ou pas? J'ai pas envie. Ah, qui fait l'autre pute? Mais si, mais il faut aussi, c'est quelqu'un de bien. Ah non, c'est une salope. Mais alors? Toutes des putes, hein. Mais et alors? Ah, parle bien, toi, par contre. Ouais, parle bien, par contre. Ouais, paysan, je vais rien faire, mais parle bien. Un mec, il devrait faire au moins 6 gosses. Je comprends pas, toi. Ouais, je fais une affaire, je comprends pas. Tu fais du shit. Ouais, voilà, je fais une affaire. Te laisse pas faire ça. De toute façon, tu fais comment pour la comprendre? Je l'écoute pas. Ouais, c'est vrai, dans ma famille. Ah, ok. Je l'écoute. Y'a que comme ça que je la comprends. Ouais, c'est bien, on comprend très bien, je fais une affaire. T'as bien raison. Bah oui, bah oui, vraiment. Oui, d'accord. Mais non. Juste que tu. Voilà, tu fais pas assez d'efforts, c'est tout, hein. Ah, c'est un effort. Ah, mais non, mais jure! C'est une gitane, la meuf à gauche là? Elle est la plus normale un peu là. Je la pète, hein. Celle à côté de toi? C'est à moi? La blonde, oui, toi. Et Sébastien, prends deux trous de balle. Ouais, je suis en hésitation. Ma seule sœur. Combien pour ta sœur? Combien pour la retirer moins 5000 pour les pieds secs, hein. Elle a les pieds secs. Du coup, on est sur du 45000 là. Oh, André, si tu l'épousons, faudrait que vous fassiez au moins 6 gosses. T'es sûr que tu veux l'épousons? Je sais pas, moi, j'hésite maintenant. On dirait qu'elle est là que pour le fric. Ah ouais, non, elle est là pour ton cœur. Non, par contre, c'est vrai, elle nous a dit qu'elle était amoureuse. Hein. Ma bite. Non, si, réelle. Elle est amoureuse, elle est amoureuse. Amoureuse de qui? Elle est amoureuse de toi, elle est amoureuse de toi. Moi? Elle-même? Ça me fait mal de te le dire, mais je crois qu'elle était. Sérieux, là, Jason? Bah, demande au Brandon. Brandon! Eh, ouais? Dis-lui. Eh, Dieu, ferme ta gueule, Brandon!
Ouais, tu vois. Attends, mais faut lui. Quoi? Attends, mais je lui ai posé une question, il a même pas eu le temps de parler. Mais si, il a parlé là, il a tout dit. Vas-y, il est parti. Vas-y, Brandon. Ouais, ta gueule. Ouais. Ok, ok. C'est bon, on a trouvé un accord. Nous, il n'y a pas de cachotterie ici. Hein. Ouais. C'est bon, tu peux payer, c'est bon. C'est bon. Ah, papa. Selon la tradition, il va falloir que tu payes au chef de famille, Barazel. Le chef de famille, là, je lui dis de venir. Le chef de famille, il est un peu occupé, mais t'inquiète, il est là, il est là. Je vais l'appeler, je vais voir. Qui a à boire pour moi, là? Ok, ok, nickel. Moi, j'ai à boire chez lui. C'est aux femmes de donner à boire la manger. Tiens, mon mari, je vais te donner. Donne-moi à boire, donne-moi. Ah, donne-lui, le spétard. Casse-toi le dragon, là. Casse-toi le dragon, on veut pas de vous. Casse-toi, ton chuchu. Le dragon, là, casse-toi. Dragon blanc, yeux bleus, là. C'est bon, donne-le. Dragon blanc au moignon. Casse-toi, là. Bon, Paps, on va avoir besoin de toi au camp. Une situation d'urgence, mais faut la régler parce qu'elle est cool. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que la Shirley va se marier avec Andrew. La Shirley, notre sœur? Oui. Tout donné. Non. Bah, il paraît qu'il a donné ton autorisation. Là, il y a Andrew. Mais non, 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 mais non, non, non. Moi, je parle de Shirley, Chichi. Non, Shirley, la pute. Oui, Shirley, la pute, elle se marie avec Andrew. Moi, je suis d'accord. Et bah, il faut que tu viennes pour la dot. Il l'a. Tu estimes à combien? Tu encaisses et tu dis que demain, il vient faire son demande au mariage devant tout le monde. Ok, c'est bien pris, bon, pas le problème. Tu crois quoi? T'es un Pokémon Shiny, tu crois? Non, parce que moi, je dois me marier avec un Marazel. Écoutez-moi, Jason. Allez, tu me donnes la dot. Demain, tu dois faire ta demande en mariage devant tout le monde. Ici au camp? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Eh, mange mort. C'est comme ça, c'est les traditions. C'est les traditions gitanes, t'as un problème ou quoi? Eh, paye, ferme sa gueule. Non. C'est quoi ça? Ah oui, une fois que t'es marié, ferme sa gueule et tu la tabasses si t'avais de chance. Attends, mais elle peut dire non? Ah non, elle peut pas. Bien sûr que je peux pas dire non. Non, pour la forme. C'est pour la forme. Tu dis oui. OK, pour la forme, tu dis oui. Et vous avez entendu, il a dit une femme peut dire non. Qui est con ? Qui est con ? Super. Eh, par contre, le Pokémon là, il peut dire oui. Bon allez, donne-moi la dot là. Donne-moi la dot et demain, vas-y, donne-lui. Demain, 22h30, ça te va ou pas? Vas-y, donne-lui. Combien? 22h30, ça te va ou pas? 23. Allez, 23h. C'est combien déjà? 45? Donne 45, ouais, pour les pieds secs. C'était combien la dot? C'est 50, c'était 50. C'est 50, mais c'est 7000. Business is business. Vas-y, donne 50. Oui, rigole, lui. Voilà, c'est bon. Attends. Rigole, au ralenti. Bon, demain 23h, tu fais ta demande au mariage devant tout le monde, tu dois plier le genou, ok? Attends, c'est ici que je fais ça? Ouais! Oui. Demain! Et c'est quand? Et après, on prévoit une date de mariage. Demain, le cher Chloé, il t'a paye! Oh bah, le mariage, ça va aller vite, hein? Il t'a paye! Il t'a paye, après, demain. Demain, le cher Chloé, il t'a paye! Tu lui fais ta demande de mariage devant toute ta famille, Marazel! Ok? Ok? Il y a une tradition en vue, je dois venir habiller spécialement, je dois faire quoi là? Je suis perdu moi, Jason là. C'est qu'on doit tout lui dire à lui. Tu fais ta demande de mariage chez tout. D'accord? T'es un vrai bonhomme ou pas? Je suis un vrai bonhomme, ouais. Tu fais. Tu l'as pas baisé? Ah non. T'es sûr? Ah, c'était sûr, c'était une. Parce qu'il y aura le test du mouchoir. Eh bah non, pas bouillard. Non, je l'ai pas baisé, non. Shirley, tu t'es fait baiser ou pas? Shirley, dis-leur. Bah non, jamais. Shirley, dis-lui comment tu as. T'as pas baisé, j'espère. Mais jamais, mais les cousines elles vont faire le mouchoir de toute façon. Ah oui, il y a le mouchoir. C'est quand le mouchoir? Le mouchoir, c'est juste avant le mariage, c'est le jour du mariage. On peut être là pendant le mouchoir ou pas? Bah non, c'est les cousines. Pour être sûr, pour le mouchoir, ils vont mettre une autre cousine. Non, mais ils vont mettre une autre cousine. Non, on la connaît celle-là. Écoutez, demain je fais la demande ici. Ok, c'est bon, c'est noté. Vas-y. Je le dis. 23h. Vous allez me chercher une autre cousine là pour moi là. Hein, je paye aussi. Attends, mange-moi. Pas le dragon. Attends, mange-moi. Bah, par contre, ça m'embête, t'es un paysan. Parce que la petite Shelly, elle doit se marier. Eh, oublie pas que Pape, s'il t'a donné une semaine pour te marier, Shelly. Hein. Ah, elle doit se marier, elle. Ouais. C'est bon, j'y sais. Une autre cousine. J'y sais, tu veux pas Shelly. Ouais, mais t'es un paysan, putain. Ah non, Shelly, c'est pas possible. C'est un paysan. Ça va faire. Non, c'est quelqu'un qui est hors communauté. Je suis quelqu'un de riche, là. Ah, si t'es riche, on peut discuter. Ah, elle aura une belle vie avec moi, hein. Elle aura une belle vie. Ok.
Bon allez, et comme déjà, ça on fait un double mariage. Chaque chose, non, voilà. Chaque chose dans non, son... Non, on veut un double mariage, non, non, c'est la condition. On veut un double mariage. Ouais, mais il va fermer sa gueule lui par contre. Tiens. Eh, connard. Quoi? C'est quoi ça? Quoi? Attends, mais quoi? Mais tu veux quoi, quoi, mais quoi, la dot de la blonde, c'est la dot de la blonde. Mais non, attends. On n'a pas... Calme-toi, elle a pas décidé de sa dot. Parce qu'elle, elle vaut plus cher, je vous le dis, c'est pas une pute. Ok. Elle, je vous le dis, va voir mettre le prix. Bah super. Attends, mais moi, pourquoi c'est moins cher, moi? Pourquoi c'est moins cher, moi? Mais parce que c'est le salaf. Il vient de la dire. C'est une pute, il vient de la dire. Après ça c'est pas les problèmes dont on a la date. Le reste écoute, c'est ton problème. Y'a pas de problème les gars. Écoutez, y'a pas de problème, demain 23h on débarque. C'est bon? Ok, allez à demain. Je vais pire au carré. Allez, à demain. Parti. Et mets-toi en bombe demain, mets-toi en bombe hein. Oui, c'est mon mariage. Mais c'est pas ton mariage demain, c'est la demande. C'est pas demande. Elle est conne en plus, elle est conne. Putain, ouais. Les gars, je suis dans la merde, elle est conne et tout. Ça pue, hein. Franchement, qu'elle a un gros cul. Oh ma chichi, félicitations. Ah, oh, je suis choquée. Oh là là, tu vas vraiment te marier du coup, ma chichi. Oh là là. Il a payé la dot et tout, oh là là, tout dans les traditions. Je suis trop contente pour toi. Shirley, moi je vais totalement honnête avec toi. Oui. Pour moi, t'étais une pute et t'allais mourir seule comme une pute. Et finalement, t'es en train de prouver. Est-ce qu'il a vu? T'es en train de prouver de marier avant tous mes frères. Oui, c'est un peu gênant. Donc finalement, je pense que t'es quelque... Mais je me suis marié devant tout le monde, hein. Regarde, avec ma petite chacha. Bah oui, mais t'es l'aîné de la famille, encore heureux. J'ai cru que t'allais dire une dinguerie. J'ai cru que t'allais m'insulter. J'ai cru que t'allais dire t'es un petit étron. J'étais à deux dans ton clocher. Non, okay. J'avais prise. Bon, j'ai la dot. Okay. Charlie. Oui. Tu te mets avec Laurent Drou, là. Il est détestable, il est dégueulasse en plus. Hein. Oui. Et après, tu le quittes, tu te barres. Mais c'est ce que je vais faire, je pense. Tu te barres parce que moi, je te le dis, c'est un traquenard, ce gars. Hein. Mais oui, on va gratter un peu et puis après on va se casser. Je te fais du confiance. Du coup, faut lui trouver une cousine à l'autre là. Toi, je te jure, il faut que tu fermes ta gueule. Parce que quand tu parles, j'ai envie de te marrer. Ah, pourquoi il y a Je sais pas, c'est physique. Ils lui ont dit la dot pour elle, c'est 3000. Ouais, on va tous les jours depuis des années. Pour elle, on la donne. Non, je rigole, tiens. Ouais, moi je vais te dire un truc, je suis rouge aux yeux blonds, aux yeux bleus, je suis rare, c'est au moins 5000. Je sais pas, je t'écoute pas, je m'en bats les couilles, mais je te fais un petit câlin. Et les crocs, quoi, quelque chose. Non, parce que finalement, vous savez que vous êtes ma famille et putain que je vous aime. Ouais. Oui, t'es la famille. C'est trop mignon. Oui, mon jaja. Voilà. Bon, bah. Chélie, tu veux encore qu'on aille un petit peu discuter? Bah, c'est comme tu veux. Allez, discuter. N'oublie pas que tu fais le test du mouchoir, hein, par contre. Oui. Non, mais décolle pas, hein, décolle pas. Si le mouchoir, si le mouchoir, y a pas de sang. Oh Brandon, je vois que tu me regardes avec tes petits yeux là. Je sais que c'est mon frère jumeau préféré, mais faux jumeau quand même. Ouais. Allez, bon, on va aller discuter sur la plage. Les filles, vous voulez venir avec nous? Ouais, non, moi je vais aller dormir. Ah bah super. Ouais, allez, va te faire moi, allez. Allez, à demain. À demain, ouais, bisous là, chichi. Va dormir aussi, chérie. Tu veux que je fasse le test du mouchoir avant? Non. Quoi? Brandon, mais t'es malade. Waouh. Bonne nuit, Brandon. Ah. Putain, je suis attendez, faut que j'aille poser au moins les 50 000 parce que ça c'est une dinguerie. Voilà, ouais. Si je me fais attraper avec, je vais me faire tuer par Paps. Ah, on va les dépenser en soirée? Non, on va pas les dépenser en soirée. Complètement malade, toi. Ouais, je suis pas sûr, hein. Complètement malade, toi. Oh, ça va faire des belles scènes demain, les gars. Les gars, ça va faire des très belles scènes demain. Le Jason. 50 000. Attends, je comprends pas. C'est censé être fermé, non? Attends. Les gars, rassurez-moi, ils le voient fermé, mon coffre. Vu qu'il y a un code. On est d'accord, eux le voient fermé, les gens. J'ai un doute. Bon, après, personne volera, mais... Allez, on y va, les filles. Hein, mon frère? Oui, dis-moi. Tu sais pourquoi le père, il était énervé tout à l'heure? Contre qui? Contre moi, là, quand il m'a dit oui, quand il m'a demandé à me parler, puis d'un coup, il m'a juste dit parce que je devais me marier. Parce qu'il en a marre, il veut que tu te maries. Voilà, je te dis la vérité. Mais... Il t'a laissé une semaine, hein. Tu sais qu'il va pas rigoler, hein, le pape, ça. Wow.
C'était pas au camp, ça, rassurez-moi. Ah, de quoi? Désolé. J'ai pas entendu. T'as, ça a tiré? Non, non, il y a eu une explosion. Ah. Ouais, si, bon, c'était au camp, sûrement le four. Quoi? C'est la chaleur tournante. Non, du faut four vraiment que tu fermes ta gueule, je te jure. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais soit tu prends des cours de diction, parce que je te jure que même nous, déjà, on se comprend pas entre nous. Mais alors, ouais, toi, quand tu commences à parler, on se comprend encore moins. Ah, du coup, le mec là, il a dit bon, il voulait. Je vais l'enculer, c'est bon. Que... Allez, vas-y, descends, c'est bon, je te castagne. Ah, non, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon. Je suis bien, discutons. Bon. Ah, on ne s'arrête pas là? Non, non, mais j'étais. Non, mais si je m'arrêtais là, je la tuais. Ah, ouais, ah bah non. Donc, vaut mieux qu'on se barre. Ah, je me dirais, sous le sable, t'aurais pu m'interrompre. Bon, allez, c'est bon. On va retourner au même endroit. On va aller au petit feu. Il y a un autre petit... Normalement, il y a d'autres petits feux, mais apparemment, il s'est éteint. Oh. Le petit feu où on avait laissé les petites bières. Bah si, c'est là, non? Non, c'était à gauche. Putain, tu suis à rien, c'est pas possible, hein, Shelly. Hein. Ah, bah je croyais que c'était là, hein. Va, que tu sois... va falloir que tu sois un peu plus attentive. Bah j'essaie non, mais... de l'être, oh, mais... Oh, elle va se briser la nuque. Oh, oh, oh yeah. Alors? Oh putain, c'est bon, elle a ressorti la guitare. Ah, tu vas jouer, je la prendrai juste dans mes bras. Bah ouais, mais t'es pas en train. Ah oui, tu sais pas jouer de la guitare, t'as jamais su jouer de la guitare. Ah oui, je sais faire la cuisine. C'est déjà pas mal, je te le dis, c'est déjà pas mal. Non mais voilà, il faut savoir que le paps, il veut que tu te maries. Il veut que tu te maries, je le comprends, hein. Eh, je suis le seul marié, c'est honteux, putain. Le pétard, il est pas marié. Toi, t'es pas marié, le Brando, il est pas marié, il est pas prêt de se marier. T'as localisé quelqu'un un petit peu quand même, ou pas du tout? Bah, moi j'ai toujours cru que j'allais être mariée avec le Tyson, mais avec tout ce qui se passe. Pas le Tyson quand même. Ah non, maintenant il est devenu Schmitt, mais bon. Il a toujours été Schmitt un peu, enfin ça fait longtemps, mais... quoi. Bah oui, c'est vrai, mais au moment où on allait se marier, moi je m'étais toujours dit que ça allait être vraiment mon mari. Et puis après, bah. Après il m'a abandonné et puis il est venu ici pour être Schmitt. Mais tu sais, quand on s'est revus, moi je, on s'était bien entendu, on s'était dit on va peut-être se. Se recroiser de temps en temps, se reparler un petit peu. Et puis après, il m'a présenté une gadget, c'est mort là. Et puis après, il a fait que des trucs bizarres. Et puis là, il a dit que, bah, tu vois. Et alors, pense quoi, la Lovada? Tu vois, elle est posante Tyson. Ouais, il posera sa plaque, il aura pas le choix. Bah ouais, tu peux te marier, mais faut qu'il pose sa plaque. Ouais. Mais il le fera jamais. Non, il le fera pas. Et bon, il a osé dire à la Shelly que bah, ils préféreront une collecte parce qu'elle fait pas besoin de déposer sa plaque et l'ou moins. Ouais, je comprends. Donc, bah ouais, et puis après. Personne d'autre qui t'attire? Ah, bah pas vraiment. Pourtant, il y a des beaux gosses hein, dans la famille. Hein. Le Johnny. Ah, bah non, mais le Johnny, il y a eu trop d'histoires. Hein. Comme quoi? Ah, parce que au début, j'étais sa promise, Johnny. Après, il a fait des trucs bizarres dans son camping avec la Paola. Après, il a dit à sa mère qu'il voulait plus se marier avec moi, qu'il voulait se marier avec la Beverly. Et puis là, ce soir, j'ai appris qu'en fait, il allait se marier avec la Jenny. Alors moi, je comprends plus rien. Dans tous les cas, ça fait trop de mariages différents. Hein. Ouais. Ouais, mais va falloir que tu trouves. Hein. Paps, il est énervé à ton sujet. Bah oui, je sais, j'ai bien compris. Attends, bouge pas, je vais essayer de le sonder, ok? Ouais, mais tu vas le mettre encore plus énervé. Non, t'inquiète pas. Oui, je sonne. Comment tu vas, mon petit papa? Ça va et toi, mon fils? Ça va. T'as l'air bien là? T'as l'air tranquille? Parce que je mange, mon fils. Tu manges quoi, mon petit Paps? Une crêpe bretonne, mon fils. Oh. J'ai pas compris, mais ça a l'air super beau. Oui. Dis voir, mon petit Paps. Oui. Chérie, tu lui as donné combien de temps pour se marier? Notre sœur? Ouais. 4 jours. Quoi? Mais non, c'est ça, quatre jours. Tu peux pas lui donner une semaine? Pour que tu sois là? Bah oui. Là, jusqu'à jeudi soir pour se marier. Oublie pas qu'on a un mariage hein, déjà demain. Alors attends, je t'explique vite fait quand même pour que tu saches, d'accord, mon Paps? Comme ça, demain, voilà, t'es au courant. J'ai les 50 000. C'était bien ça, hein? Oui. Je les ai mis dans le coffre. Je te les filerai plus tard. Ok. Demain, 23h, il vient, il fait sa demande en mariage devant tout le monde. Il faut que tout le monde soit là, qu'il ait un peu la pression. Ouais. Ensuite, Shirley, elle a prévu apparemment, donc, il se marie.
thèse du bonsoir. Chichi qui se marie, hein. Chichi qui se marie. Charlet. Oui, Chichi. Chichi la pute, pas notre sœur. Mais y'a qu'une pute, hein. C'est Charlet. C'est Chichi, oui. Ouais, nickel. C'est Chichi, Chichi. Voilà, c'est Chichi. Oui. Donc, elle va se marier et elle a prévu de le larguer. Donc. Non. Elle reste avec et elle fait des gosses avec. Carrément. Oui, mais ça veut dire que le Andrew, c'est un marazel. Non, ça va pas être un marazel. Mais elle, c'est pas une marazel. On s'est fait de la thune sur son dos. Bah oui, mais les enfants. Tu sais, c'est un peu comme si Mams, elle l'a un peu adopté. Quand même. C'est ça le truc? Non. C'est dans sa tête. Ah bon? Je veux qu'elle soit sérieuse avec. Maintenant, tu manges tes mours. Ah. Coton, je lui dirai pas qu'elle pourra pas le quitter, et voilà. Ah bah oui, mais... Ouais, laissez-la se déberder. Ça, ça sera plus notre dos, ça. De toute façon, on a laissé pas le mille. Puis le André, ça, il a pas l'air bien méchant. Oh, ouais. Ouais, après moi, c'est pas quelqu'un avec qui je voudrais marier, hein, personnellement. Non plus, hein, moi, il a 70 ans. Mais oui, elle fait vraiment vieux, hein, je sais pas ce qu'elle lui trouve. Ah, il est pas super... Est-ce qu'elle aime un peu les Daddy? Il est pas super beau, hein. C'est vrai que le Andrew, il est vraiment pas super beau. Ah bah, c'est pas le mieux, hein. Et toi, Lovana, alors, quoi de beau? Ah, écoute, hein, tu te plais un petit peu au camp? Ah bah ouais, j'y habite depuis trois jours, je me plais. Ah ouais, je sais à mal, Lovana. Ouais, je me plais, je me plais. Je pense, Shelly... Chose importante, faut vraiment que tu le fasses. N'hésite pas à... Tu vois, demain, tu fais comme ce que moi j'ai fait avec toi, mais tu fais avec ça avec Pétard, tu vois. Tu lui proposes d'aller discutons un peu tranquillement, tu vois. Mais tu sais, le Pétard, je lui ai envoyé un message aussi, tu sais. Le message que j'ai envoyé, j'en ai envoyé un petit peu pareil et il m'a même pas répondu, hein. Tu sais, il n'y a que toi qui m'as répondu. La mère, je lui ai écrit aussi, elle m'a pas écrit. Personne ne m'a répondu. Il n'y a que toi. C'est vrai, il faut que je l'appelle, attends. Je vais l'appeler, je vais dire. Ouais, mais. Fais le premier pas. Te sens pas acculé. Oui. Te sens pas acculé. J'ai qu'à fermer sa gueule, hein. Cette grosse pétasse, là. Mais oui, je vais avec le pétard. De toute façon, on doit aller se parler, là. On s'est déjà dit. Eh oui. Non, c'est important. Ouais, allô. Oui, comment tu vas, Mams? Bah, écoute, ça va, et toi? Ah bah, ça va, t'as l'air en forme. Ouais, je suis en forme, là. J'ai travaillé comme un chien, je suis en forme, là. T'inquiète pas, demain, si tu veux, je t'aiderai, ok? Ah, ça y est, il se décide! Mais arrête de croire que je veux y échapper, je m'en bats les couilles, tu le sais. Mams, oui, tu sais que passer du temps avec ma mère, ça me dérange pas. Je sais, demain, je si sais. Tu veux, c'est même le premier truc qu'on fait, d'accord? Je sais, mon fils, je sais. Bah, d'ailleurs, oui, on va en parler. Où? Parce que ça serait bien qu'on fasse ça en premier, quoi. Ouais, par contre, à 23h, t'oublies pas qu'il y a le Andrew qui vient faire sa demande en mariage au camp. Demain? Ouais. Faut tous qu'on soit là, quoi, juste. Bah, ouais, après, on ira reprendre et on ira faire après ou avant, d'accord? Oui, alors là, il n'y aura pas grand-chose à faire, là, mais oui. Oui, tranquille. Je peux te parler, là, en toute intimité? De quoi? Je suis pas sur haut-parleur. Non. Je peux te parler en toute intimité? Oui, vas-y, je t'écoute. Bon, tu sais que, vu qu'on est vos enfants, bon, hein, toi et cher Clo. Ouais. Hein? Bah oui, vous êtes mes enfants, oui. Oui. Voilà, à toi et Cherclo. Oui, à moi et oui, à moi et mon et oui, à mon mari, oui, à Cherclo, ouais. Ouais. Tu vois, c'est bizarre. Quoi? Tu vois, c'est bizarre. Ouais, eh ben, je voulais parler par rapport à Shelly. Je sais bien que Pétard, c'est ton préféré. Shelly, tu la détestes. Mais c'est quand même ta fille, quoi. Ah, elle a dit oui. Tu vois, elle me déteste, je savais. Bah non, je la déteste pas, Shelly. T'as dit oui quand je viens de te dire, je sais bien que tu la détestes. Ouais. Mais non. Oui, si tu viens de dire oui, Mams. Oui, mais c'est parce que je dis oui automatiquement, mais que je la déteste pas, la Shelly. Mais que ça va pas ou quoi, je la déteste pas. Faut que tu passes un petit peu de temps avec elle, il faut qu'elle arrive à renouer les liens avec la famille, je pense. Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu sais que la dernière fois, j'y ai pensé, je me suis dit que c'est vrai que la Shelly, je passais pas beaucoup de temps avec elle. Ouais. Là, elle vient mais de revenir, il faut qu'on la mette bien, quoi. Oui, c'est vrai, il faut qu'on passe du temps avec elle. Bah. Ouais. Moi, j'ai envie de faire une réunion de famille. Bon, pas demain, parce qu'il y a le Andrew. Sur le capot de ma tante, que je vais le marabler aussi, c'est pareil. Mais on fera ça, mardi. Mardi, ma petite paps. Voilà, mardi. Mardi, on fait ça, on fait une réunion de famille et qu'on va passer les ans tous ensemble. Parce que là, c'est important. Mam, je peux te poser une question? Oui. Pourquoi c'est Pétard, ton fils préféré? Mais c'est pas mon préféré. Effectivement, qui a dit ça, mon fils? Je sais pas, c'est ta manière de réagir, de te comporter avec non, nous et lui. Mais non. Tu crois qu'on s'est fait des idées, Mams?
Ah oui, bah il faut bien sûr des idées. Bah non. Je te crois, Bams. Je vois pas pourquoi tu nous mentirais de toute façon. Tu nous as jamais menti. Hein. Bah non. Bah oui. Je suis bête. Bah non, fils. Bah oui, mais voilà, vous êtes tous mes préférés. Bon, bah c'est bon, alors je suis rassuré. Oui, attends. Oui, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. T'as vu comment elle est bizarre? Oui, c'est vraiment bizarre. Hein. Mais bon. Moi, je trouve qu'elle a fait que mentir. Oui, mais elle va relier les liens avec toi, d'accord? Bah, je te dirais, si elle vient, c'est elle renoue quelque chose. Ah, ça va, ta mère, elle t'aime pas. Attends, tu vois, bon, on est d'accord, Lolo. Aussi, hein, espèce de grosse pétasse. Ah, oh, faut être sincère. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Tu sais, hein, j'essaie de faire plein d'efforts avec la mère, mais elle me renie tout le temps. Merci, Smoky, pour le 72e mois. Merci, MRV, bah, merci. Bon. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Bon, ah, sinon, Lovana, t'as quoi de bon à nous raconter, toi? Ouais, bah écoute, bah... Moi, je suis... Qu'est-ce que j'ai de bon à raconter, hein? Ah bah si. Si, faut que tu lui racontes qu'il y a quelqu'un qui va payer une dot pour toi, quand même, hein. Moi, le latino, là. Ah bah oui, parce que lui, il veut vraiment... Puis il a l'air bien, lui, hein. Il y a quelqu'un qui veut se marier? Et puis regarde bien, comment on appelle ça, moi, en gros? En gros, c'est... Moi, comment que ça s'appelle chez les Maranouches, là-bas, à la Colina, là? Moi, je peux te poser une vraie question, Lovana? Ouais, dis-moi. Le Brandon, il t'intéresse pas? Je pense que vous seriez parfait, vous deux. Ouais, moi, non, ouais. Ah, elle a dit oui? Ah, mais si, t'as dit oui? Si, t'as dit, bah, si, t'as dit oui. Il t'intéresse pas, le Brandon? Ouais, je sais pas, je t'avoue que bah, c'est là le cousin dont je suis le plus proche. Bah, et alors? Ouais, je sais pas, je me suis jamais posé cette question. Non, mais je veux dire, vous êtes parfaitement identiques. Je veux dire, quand tu parles, on comprend pas. On a envie de te casser la gueule. Le Brando, quand il parle, on a envie de lui casser la gueule. Tu vois, il y a quelque chose, il y a une similitude, quoi. Tu devrais essayer de discuter avec lui, peut-être, pour voir. Ah, c'est bon. Mais je te fais pas, faire un rendez-vous avec le... Ah, c'est tout à l'heure, là. Oui, Jordan. Oui, Jordan. Oui, mais oublie-le, lui. Non, mais c'est Jordan, mieux avec un... cousin. Oui. Ouais. Mais non, mais c'est mieux le frère, là. Oui, comme ça, tu seras ma sœur, en fait. Ah, ouais, un jour, ton père, il a dit qu'un jour, j'épouserai un Maravel pour être une Maravel. Bah voilà, bah c'est... Oh, bah, on va faire ça, hein. Ah, parce que... Ouais, parce que ma chère Chloé, il avait dit que s'il était... Oh non... Je finis ma scène. Casse les couilles. Casse les couilles. Oh non, waiting for shutdown. En plus, il y a écrit que j'ai été kick. Ils vont croire que j'ai été kick. Hein? Allez, on va aller là après, les gars. Il casse les boules, le Thomas. Putain, il m'a kické. B-Boy, le seul gars qui regarde pas son chat. Mais si je regarde mon chat, frérot. Ah non, je regardais pas. Je regardais pas à ce moment-là. Mais les gars, quand je suis en scène. Oh! Et Thomas, il a dit, c'est pas du RP scène. C'est pas une scène, c'est du RP plage. Mes frères. Je pense que Pétard, c'est le préféré parce que ce serait le seul de Cherclos et le seul qui lui ressemble. Bah, à voir, hein. Non, c'est pas du CEB, c'est du LOL. C'est pas du CS, je crois que c'est du LOL, les gars.
Ouais, c'est du LOL. On va faire un petit LOL, une petite LOL, et après, go. J'ai juste me reconnecter, histoire de pas les laisser en chien, tu vois. Qui a le temps? Qui a le temps? J'ai faim là, j'allais me chauffer les restes de pommes de terre là. Pouf, ça va être sale. Ça va être sale! Ah, c'est tout va, pourquoi? Désolé. Ah, attends, je te rappelle plus tard. J'ai hâte de me réveiller parce qu'il y a un connard qui va casser les couilles. Oh là là, on t'entend pas du tout. Waouh, t'as un pas. Quoi? Ah là, mon frère là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas bien du tout? Pourquoi? Bah, je sais pas, on dirait que t'as un chat dans la gorge un peu là. T'es malade? Ah ouais? Ouais, ouais. Même toi, Louvada? Ouais, il s'appelle le petit robot dans Disney. Ouais. Ah, c'est Wally. Wally, non? Ah ouais? Ah, Wally. Aïe, aïe, aïe. Attends, et là, j'ai un bug? Je sais pas comment régler ça. Ah ouais? Ouais. Un souffle. Il y a l'oncle qui est venu récupérer l'auto en tous les cas. Il a dit que t'avais pas le droit de prendre la. Ouais, il fallait pas que tu prennes la. Oui. Lequel oncle? Ah, Golio avec le chat. Golio, il a dit quoi? Il a dit que tu devais pas prendre la Sherman. Et de quoi il a laissé celle-ci? Ah oui, mais ça c'est pas grave. Là j'ai toujours un problème? Oui. Ouais. Voilà. C'est bon? Non? Toujours un problème? Oui. Oh, oh mais Brandon, pourquoi pas? Démerdez-vous, je me bats. Bah. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mais je sais pas d'où ça vient. Oui, en tous les cas. Bah, ce qu'on pourra faire, c'est que demain, on pourra faire une discussion avec le Brandon aussi. Hein. Oui, ça c'est vrai. Ouais, ça. Ouais. Ça c'est bien dit ça. Vas-y, on fait ça demain. Oui, on fera ça demain. Comme ça, on se marie avec le Brandon. Bah oui. Oh, et tu viens une marazelle et tu seras ma sœur. Ah, c'est bon, j'épouse le Brandon. Ah oui, ça me plaît ça. Bon, j'ai un chat dans la gorge donc je vais au lit moi. Oui, va te reposer mon frère. Allez, faites attention à vous. Ah, oui, bonjour. Toi aussi. Mais les gars, vous m'entendez normalement, vous? On est d'accord? Lovana X Brandon, ouais, elle l'a dit. Allez, vas-y, je vais me coucher, les gars. Quelle journée, c'était trop bien. Demain, ça va être trop bien. Après-demain, ça va être trop bien. Je suis giga hypé. Je suis trop content. J'espère que vous aussi. Les gars, vous m'avez fait une soirée de folie. Donc, je suis mort. Donc, on va jouer en live, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc merci les frères. Un modo pour changer le titre ou pas? S'il vous plaît. Bizarre ce bug de zinzin là. Ouais. C'est toi le vrai chéri, c'est depuis pas moi. Depuis quand Furax? Ça fait depuis janvier. Bonsoir. T'as un local de stream. Bonsoir. Ouais, et c'est, tu vois, c'est à ma famille. Du coup, je paye 250 balles. Putain. Et j'ai pas de...